1920, États-Unis. Une simple agence de détectives va devoir faire face à l'ombre et la peur. Là où ils s'apprêtent à plonger, peu de gens remontent à la surface. Ils n'auront pas trop de leurs compétences d'investigation et de leur bagou. Découvrez cette campagne de jeu de rôle pour l'appel de Cthulhu. Voici Arkham PI. Le générique s'est lancé dans une fenêtre, bref. Je suis bien avec Jexo, Siamas Cox et Patate Trouille. Ici pomme de terre, s'il te plaît. Ici pomme de terre, ouais. Patate Trouille, on va l'appeler Patate Trouille. T'es une potato. Tout à fait, voilà, hein. On voit qu'il y en a certains qui prennent ça au sérieux, puis il y a Jex qui met une chemise, bravo. Franchement, on est où là? T'as changé. Hein. C'est une honte, Jax. Je vais mettre un t-shirt. Hein. Non, mais on avance. Oui, j'ai boutonné haut pour faire. On avance doucement et gentiment dans le RP. Hein. Ouais. Le comptable, c'est un ou zéro bouton? C'est quatre. Tu remets par-dessus. Tu remets comptable, il faut que ça te serre la gorge, d'accord? Et que voilà. Tu fermes le dernier avec les dents, en fait, du coup. Et comme ça, tu le gardes sur ton menton. Ah, tu gardes là. Ouais. Ça y est, je vous ai le chat. Bonjour, le chat. Je vais vérifier, j'ai peut-être baissé. T'as oublié la petite poche avec le protège-poche, Jex. Ouais. Ouais, mais j'ai fait que ça comme chemise. Hein. J'ai dit déjà qu'elle va serrer. Fais pas d'effort. Moi, je me suis mise sur mon 31. Déjà, rachète en vrai, en plus. Ah, je coche le nom, mais on est où là, sur mon Globingo? C'est qui va gagner le JDR? Saubuisson, El Prime, c'est que là, on n'a pas des joueurs de première catégorie. Quoi. Je sais que mercredi, il y avait... je ne sais plus son nom. PGM, non, je ne sais plus. Le best qui a gagné. Quoi. Maxine, je crois. Maskim Levrette. Voilà, mais je ne sais pas. On dirait que c'est trouille sorti des têtes à claques. Willy Waller. Oh mon Dieu. Votez, ouais. Mettez F sur le chat hein, pour qu'on sorte l'épluche patate. Tu vas remettre des filtres qui cyclent, tu sais. Ah, il y a des F sur le chat. Il y a des smileys hein, pour ça. Quoi les filtres qui cyclent, tu sais. Merci beaucoup, l'élite qui dit incroyable costume de CC Trou, juste la meilleure. Je peux mettre celui-là sinon, mais ça change quasiment rien à mon visage, ce que je trouve très vexant. C'est le filtre merde, c'est vrai. Ça change presque. C'est super vexant, non? Pas genre. Ça fait. En fait, tu as juste. C'est trop triste. Juste la bouche là. Et puis le reflet. Plus... Je crois que t'as la bouche un petit peu plus petite seulement et les joues plus grosses, mais c'est tout quoi. Ça change rien. C'est incroyable. Le filtre femme me change plus. Regarde. C'est vrai. Merde, c'est vrai. Trop bien. Oh la vache. Beaucoup trop bien. Mais quand j'ai essayé de... Il y a un filtre homme. Ouais. Adieu Viran. Merci pour ton sacrifice. Ah, mais ça... Merde, c'est ultra perturbant. On dirait un peu... Il y a un mélange de Jex et de moi en fait. On dirait Clément. Tu sais Clément qui avait tourné dans Oxide. Ah oui, Clément, oui. Ouais. Bah ouais. Merde, c'est ouf. Oh, c'est perturbant parce que c'est... F pour Viran D sur le chat. Hein. Il va falloir que je le prenne la prochaine fois. Hein. Oh ah oui, t'es revenu. Ah, c'est bon, t'as pas mis de filtre là. Elle est revenue à la normale, c'est bon. Ah merde, wow, test ça. Le filtre homme, on dirait moi, putain, trop bien. Un peu Zach, je trouve. Ah ouais ah, remets
Ah ouais, 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 un peu, ouais, ouais, un peu. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ah merde. Les ouais, yeux. Ouais, ouais, ouais. Merde, trop bien. Ça me fait noir en dedans de voir si c'est trop bien en homme. C'était trop bizarre parce que du coup, on a fait ça avec mes collègues à la fin de la journée parce qu'on était très très fatigués et que c'était le dernier jour d'un collègue. Et du coup, on a tous mis le filtre bébé pour rigoler. Donc, ils avaient tous l'air de bébé, c'était très drôle. Et moi, j'ai mis le filtre bébé et on a tous dit. Ils étaient en mode, mais mets-le. Bah, y a le, vous voyez pas, il y a le hocher. Mais le bon Dieu! Je ne veux pas. Trop marrant, ça veut dire qu'elle ressemble plus à une patate et à un homme qu'une femme? Jax, enlève ton filtre. Mon Dieu, quelle horreur. Leto. Mets ton filtre. C'était le filtre horrible que t'as mis tout à l'heure. Ça prenait tout l'écran. Quel filtre horrible? Ah, la pomme horrible? Attends. C'était en fait, je voulais faire. Une orange. Je voulais, faire, je voulais faire Annoying Orange. Et je pensais salut, que quelqu'un aurait fait un Annoying Orange, mais. C'est ça. Mais non. Ça, c'est horrible. Ça, ça fait un jet fan. Ça fait vraiment peur. Jet fan pour le chat. Hein. Et ça. Ah 56 c'est points. Mieux. Ah, ça tourne. Alors, c'est un peu bizarre parce que t'as un cadre autour de la tête, mais. Oh mon Dieu. Ah, quand tu, te mets... ah, quand tu t'inclines, ça fait dégueulasse. Oh, ah, wow là, c'est orange. Ça, ça, le filtre orange marche bien. Ouais. Moi aussi, en j'ai mes petits trucs. Ouais. Hein, voilà. Ouais. Maxime, il a mis son filtre MJ aujourd'hui, ça lui va pas bien. Trop bien. Moisturize me. Exactement ça, merde. Attends, c'est quoi qui dépasse? Ah, mais c'est le flingue de le. Putain, je suis le con. Je me demandais ce qui dépasse sur l'interface, c'est l'interface. C'est chiant qu'il y ait un espèce de. J'ai mis aussi peur dans un JDR. Tout... Ouais. Oui, j'avoue que c'est un peu. J'ai avec son fil Dracula, lol. C'est pas... Quoi? Moi, je sais pas comment on fait. Ben, sur Zoom, on peut mettre que des arrière-plans. Ouais, en fait. C'est comment tu fais? En bas à gauche, juste à droite d'arrêter la vidéo, t'as la flèche. Tu mets choisir un arrière-plan virtuel. Et après, oui. En dessous, tu peux en ajouter en mettant plus. Moi, j'ai des belles photos de Maxime, si vous voulez, que je peux remettre en arrière-plan pour la dernière fois. Ah ouais, il y a des trucs marrants. Ça marche bien. Mais après, il faut être dans une... faut avoir un éclairage et une salle adaptée, je pense. Sur Zoom. Moi, ça passe bien. Hein. Regardez, là, vous avez... Je mets normalement, je suis, c'est ça, moi. Là, vous avez l'impression que je suis dans... Voilà. Dans un décor moi, je médiéval. Te vois pas du tout, ton truc que tu dis... Sur Zoom, tu vois pas, en haut à gauche, tu as rejoint l'audio, arrêté la vidéo et tu as des flèches à chaque... Voilà. De chaque côté. Ouais, mais moi j'ai une flèche et il y a marqué juste sélectionner la source et paramètres vidéo, c'est tout. Mm-hmm. Bizarre. Ah, peut-être faut l'activer, je sais pas. Ah, on s'amuse bien quand même, les gars, c'est bien. C'est non, tu vas dans les options, tu vas dans les paramètres et dans les paramètres, j'ai général vidéo audio par écran arrière-plan virtuel. Moi, mon filtre ressemble presque à un live blabla, tout court. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas la même version de Zoom. Toi, t'es en Zoom serveur, non? C'est peut-être ça, ouais, je sais pas. Dommage. Ouais, mais ça, toi, c'est ta salle, hein, les... Ah, parce qu'en plus, j'ai ma lumière verte à droite. Si je coupe ma lumière derrière... Retoucher mon apparence. Non, ça, c'est pour t'en plus lisser le visage. C'est lisse, c'est nul. Ouais, c'est bizarre que tu l'aies pas, l'arrière-plan virtuel. Ah, oh, ah, oh, wow, 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 pardon. Ça fait quoi, j'ai pas vu? Waouh. Je voulais voir ce que c'était, je suis désolée. Il faut savoir que j'ai pas Snapchat, alors tout ça, c'est très nouveau pour moi. J'ai fait un rêve cette nuit où je mettais le filtre chat sur mon visage et que Nocturne le prenait très mal et me sifflait dessus. Voilà. T'as vu toutes ces vidéos? Bah oui, mais je les ai regardées il y a longtemps, tu sais, donc c'est trop bizarre que j'en pense... Enfin, je sais pas. Les dents qui flottent de Mascox sont juste... Non. Quoi? Mais regarde, attends. Je remets... Hop. Salut à ceux qui arrivent. Ah. Il y a un moment où je fais... Ah, et... Merde, trop bien. Qu'est-ce que t'es? Ah, ça fait un peu... sexuel bizarre. En fait, c'est un truc pour être ado. Ouais, bah c'est une pêche et une aubergine. Sexuel bizarre. Bon. Voilà quoi. Voilà. Putain. Quelqu'un fait le don à 3 à 403, je sais plus quoi. Alors prévenez-moi juste avant sur le chat, merci que je retire mon casque. Maxime, il y a une question que je me pose depuis l'épisode de la cave. Après la découverte de tous les cadavres à la ferme, les persos ont passé le relais à la police. Est-ce que les policiers ont survécu? On va y retourner. Non, on les a mangés. On a qu'à voir, on se fait une petite balade pour voir où en est la ferme. Il n'y a pas les sons de face, hein. Ouais, c'est vrai. Mais je peux les mettre.
Enfin, en vrai, je sais pas s'il marcherait parce que l'autre fois, il marchait pas. Un abat-jour. Pardon, c'est une flemme, j'arrête. C'est trop bien parce que c'est juste pas en entier sur le truc. Mais... Attends, mais t'as dû le laisser, Jax, j'aurais mis le mien. Ouais, c'est vieux ça. Qu'est-ce que je pourrais taper comme mot dans les filtres? Est-ce que tu peux abaisser ta webcam, un truc chelou. Mascox. Ah, putain, à chaque fois, je la mets trop de dessous. Je t'en veux pas, hein, mais je t'en veux un peu. Voilà, parfait. Ah oui, c'est vrai que du coup, c'est coupé le lien. J'aime. C'est quoi ch.tv/JexDR? Bah, c'est un site suisse sur le docteur Jex. Tronf? La ouais, je ressemble un peu au gluon du malaison. Alors, arrête, c'est... Oh, ligne de chemin de fer, pour info, ce que je suis en train de mettre sur le tableau d'investigation, ce sont des véritables objets de Arkham PI. Il y a le slip de Miller, il y a l'essence de la dispute entre Aileen et Arkham. En vrai, ouais, j'ai passé. Vous avez vu du coup la BD qu'a fait Miyakuni que j'ai passé. Elle est trop bien. Elle est trop cool. Hein. J'ai passé un petit parti de l'après-midi là, à faire des props et que j'ai pas encore imprimé, mais la prochaine fois sera. Elle est vraiment cool. C'est dommage que Miyakuni soit vraiment insupportable comme personne. Mais bon. Ouais. C'est tout. Hein. Ah, on peut pas l'empêcher d'être raciste et misogyne. C'est comme ça, les gens. Il faut savoir séparer. Mais aucune idée de l'artiste. Une hipster edgy, comme diraient certains. C'est elle qui s'est définie comme ça. Je précise que pas du tout, hein, quand même. Parce que à chaque fois que je fais ces blagues-là, dans ma tête, c'est clair que c'est une blague. Mais c'est vraiment une blague. Hein. Parce que ça se trouve, il y a plein de gens qui arrivent pour la première fois et qui se disent « Ah ouais, il est quand même... Bon. » T'imagines, en vrai ? Il y a des gens qui doivent faire merde et tout. Mais tu sais que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Parce qu'une fois, on parlait de je sais plus qui, et en rigolant comme ça. Et ben, c'était Derek, certainement. Et du coup, la personne fait « Ouais, vous êtes vachement violent et tout. » Et du coup, j'étais en mode « Pourquoi ?» Et après, j'ai regardé et je fais « Ouais, c'est vrai qu'en fait, si tu connais pas la relation que j'ai avec Eric, tu peux te dire que c'est violent, mais pas du tout. » Vous verrez mes bottes. Arthur Green, ouais, meurt à la fin de la partie ce soir. Quoi ? Qui a dit ça ? Mais c'est pas une blague, je suis vraiment une connasse. Personne n'a rien dit. Putain d'autorité. Premier live ici, mais c'est eux qui m'a ramené, donc ça va. Ah, bah ça va, Braneco. Donc tu sais qu'elle est vraiment comme ça. Maxime, est-ce que t'as pu commencer à regarder Oui, Test from the Loop. J'ai regardé le premier épisode. Alors, j'ai découvert que c'était Philippe Glass qui fait la BO et j'étais en mode, mais oui, juste, c'est parfait. Et ensuite, l'épisode 1 est très très cool, on retrouve l'ambiance vraiment de Tales from the Loop et c'est un plaisir, vraiment c'est un plaisir. Donc je ne sais pas si toute la saison est bien, j'ai regardé que l'épisode 1, mais l'épisode 1 est excellent. Voilà. Aucun spoil, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Tales from the Loop. En même temps, faire des poissons d'avril toujours c'est confusant. Oui oui, quand il lève haut son bras, c'est juste pour remettre sa caméra correctement. Merde. Retrouve-t-on Nouzon le lac? Ben oui, c'est à Nouzon le lac. Ils ont tout fait à Nouzon le lac et tout. Il y a les mêmes personnages et tout. Il y a Iz, enfin il y a tout le monde. Oh. Michael et tout, il y a tout le monde. Michael avec son Glock. Premier épisode, c'est ouf quoi. Tu vois la cervelle du Velociraptor, enfin c'est impressionnant. Zoé Descanal. Elle s'appelle vraiment, je sais plus comment elle s'appelle. Du canal. C'était trop triste qu'on relève pas la blague, mais on était en train de jouer, quoi. Non, mais je m'en branle. En vrai, ça m'a fait rire. Non, tu nous as dit, voilà, je suis très vexée et j'aimerais qu'à la prochaine fois, vous releviez mes très bonnes vannes. Et... mais très bonnes. Oh, mais c'était très mauvais, celle-là. Hitler faisait ça aussi, non, le truc de remettre sa caméra. Est-ce qu'il y a la photocopieuse? Oui. Il y a 40 minutes de l'épisode sur 50, c'est chaud quand même, où on voit juste le personnage de Jex qui photocopie des trucs. C'est-à-dire que les et Michael ont été tellement efficaces rapidement que fallait meubler, quoi. T'as un Jex qui a... Ouais, j'ai cru voir le tournage à Nosonville. Il y avait une scène impressionnante avec un berger allemand et deux jeunes. Alors, tout va bien, oui. Je vais me chercher une canette de monstre. Pendant ce temps-là, Jex...
Mascox et ses étrouilles vont essayer de vous expliquer simplement l'interactivité entre les particules dans un milieu, enfin dans le vide, en fait, tout simplement. Donc, tout de suite. Entre quelles particules ? De quoi ? Quoi ? Bah, c'est facile, en fait, vous voyez, il y a une petite particule, c'est genre une petite boule. Ou ça, alors, par exemple. Et on leur parle normalement. Et puis, elles arrivent, elles font « Oh, coucou, toi !» Et voilà, elles interagissent, ouais. C'est comme ça, elles se baladent et elles se cognent. Moi, je trouve ça un peu trop sérieux. Voilà. Un petit peu moins de sérieux là-dedans, s'il vous plaît. Elles se cognent et elles interagissent comme ça. Voilà. C'est la définition d'une interaction. Toujours la vie est dure. Là, Maxime va arriver, va se demander ce que je fais. Ouais, c'est... Voilà. Ah, mon Dieu. Voilà, vous avez toute deux minutes, je reviens, c'est le chaos total. Il y en a une qui chante, l'autre il fait... Merci, Oxy. Ouais, lapatate.com ou .fr, c'était vachement bien à l'époque. On l'a tous regardé 200 fois. La citrouille n'est-elle pas un féculent d'ailleurs ? C'est quoi, un cucurbitacé ? C'est pas un féculent, je crois pas. Une citrouille, c'est un légume. Oui. Comme... C'est une courge. C'est un légume de type courge. C'est une courge de type citrouille. Aura-t-on le kick de ces citrouilles ? Je suis limite hypé pour ça. Ah, on attend tous 20h31. Oui, oui. 20h30, ça va être... En vrai, j'ai pas... Ouais. On l'attend tous. On est tous hypés, en vrai. N'en parlez pas. Ah mais si, ça va arriver, c'est sûr, parce que j'ai rien réparé, donc ça va s'éteindre, je reviendrai 2 minutes après. Pas le temps pour moi d'aller faire pipi, de faire ma vie, quoi, tu vois. Elle est maudite. En vrai, si ça se passe pas, on sera trop stressé, en vrai, non ? Bah si ça se passe pas, je me dirais merde. Moi ça se passe pas, j'aurais peur. Ça va être quand ? Moi, ça se passe pas, j'ai peur. Ouais, bah pendant ce temps, j'irai me chercher mon café aussi. Quelle est la différence entre la citrouille et le potiron ? Eh bien, ce n'est pas... La citrouille n'est pas vraiment mangeable. Et c'est pas bon. Alors que le potiron, c'est très bon. Et voilà. C'est comme la châtaigne et le marron, en fait. Peut-on prévoir... c'est vrai, ça, Maxime. Peut-on prévoir des paiements en point fun pour que ces citrouilles mettent des filtres ? Très bonne idée. Quelle très mauvaise idée. C'est vrai que les deux dernières fois, c'était à la même heure. Les trois dernières fois, mec. Ouais, mais c'est un vrai truc. Enfin, c'est... Donc, c'est plutôt safe de se dire que c'est à la même heure. Mais c'est là en fait, on a élaboré une théorie. Au début, on a subi. Après, on s'est posé une question. Et ensuite, on a élaboré une théorie. Maintenant, on doit la confirmer. C'est bon, c'est ça la science. Là, les gens, c'est une expérience scientifique. Si vous êtes. S'il y a quelqu'un qui vous dit, oui, mais c'est bon, tu regardes. Non. Tu regardes une expérience scientifique. C'est beau. Tous les soirs à 20h30, elle redevient une Suisse sans connexion. C'est son malédiction. Je me transforme en carrosse. La citrouille, ça brûle l'estomac. Mais je pense que c'est vraiment pas bon, en fait, la citrouille. Je pense que c'est vraiment pas mangeable. Enfin. Bah pas... si, mais en. Parce que ce que tu mets dans les tartes, les pumpkin pies, c'est vraiment de la citrouille en revanche. Ouais, faut... Pas du petit marron, mais je crois. Une fois cuit, non je c'est, pas... c'est pas du petit marron et des trucs comme ça. Je sais pas, hein, je le demande vraiment. Hein. Parce que je sais que pour le marron et la châtaigne, pour le coup, tu manges vraiment pas du marron. Ah non, faut pas manger des marrons, c'est poison. Et voilà. Mais... C'est poison. Mais si, la citrouille, tu peux... Bah, c'est... Non, mais, si, non, mais dire c'est poison, ça fait trop genre... Et les graines de courge, par exemple, c'est quoi Bah, ça dépend de quelle courge. Quelle courge mais... C'est ça, en fait. Mmh. C'est sûr, on appelle ça graines de courge, mais... Super, ouais. Maintenant j'ai faim. J'avais pas faim, maintenant j'ai faim avec vos conneries. Citrouille, c'est un cucurbitacé. PDT, donc pendant. PDT. Cependant, peut-être. Il manque peut-être le C. Cependant, est un légume et un féculent. Pomme de terre. Ah, la pomme de terre, d'accord. Mais après, ça se mange la citrouille. C'est... PDT, pomme de terre. Oui, bah, excusez-moi. Je... Bergog dit les graines de citrouille grillées, ça déchire. Toutes les courges sont comestibles. Oui. D'accord. Les graines de citrouille grillées, exactement, c'est méga. Ouais, bon. Mais il y a plein de trucs qu'on appelle. Tu sais, on appelle ça des marrons grillés et c'est pas des marrons. Ouais, ou des marrons glacés, c'est pas des marrons. Bah, en fait, le marron, c'est le nom de la châtaigne cuite, ce qui est complètement con, ouais. Hein, je le conçois. Mais... Et pareil ouais, pour la crème que... de marron, tout ça, ça reste de la châtaigne. Et si tu manges un marron, même si tu le cuis, tu vas est-ce pas bien. Les graines finir. De citrouille, c'est pas plutôt des graines de courge et qui sont peut-être. Bah, c'est donc ça, en fait. Que de la citrouille. Je me demande. Genre.
citrouille consommable. Salut aux arrivants. Moi aussi, ça se mange. Ouf. A priori comestible, ou encore les coloquintes ornementales, forme non comestible. Mais toutes les courges ne sont pas comestibles. Bam ! Méocunie, elle dit quoi ? Elle dit quoi, la Méocunie ? Elle essaye de nous empoisonner tous. Voilà, vigilance courge. Je précise, c'est vraiment un truc qui s'appelle vigilance courge. Toutes les courges ne sont pas comestibles. Courge. Donc c'est simple, ils disent goûter un morceau cru, si le goût est amer, recrachez-le, le légume n'est pas consommable. Tu sais que j'ai une carte postale de toi, Maxime, où t'avais signé courge. Ah oui, je m'en rappelle, je crois que tu m'avais envoyé par... Ouais. Voie postale. Non, c'est lui qui m'a envoyé une carte postale et j'ai envoyé une photo de la carte postale. Et un marron cru, une fois cuit, ça devient une châtaigne Jagger. Très bien. Du coup, quand on m'a offert de la crème de châtaigne et de la crème de marron, on m'a offert le même pot. Alors, pas forcément, parce que c'est bien, c'est réellement, dans cuisine, une méthode différente, tu sais. J'en sais rien, moi. Ouais, du coup... Mais par contre, ça veut pas dire que la citrouille n'est pas consommable. Mais si tu peux la manger, c'est juste c'est pas bon. C'est pour ça qu'ils la foutent dans des pailles et qu'ils mettent plein de sucre dedans et qu'ils la cuisent à mort. Certaines courges dites sauvages sont toxiques et ne doivent pas être ingérées. Merde. La confusion entre les courges comestibles et les courges sauvages représente la troisième confusion la plus fréquente. Phrase, il y a une liste des confusions, et en troisième place, il y a quand même la confusion entre les courges sauvages et les courges comestibles, je trouve ça... Après, les confusions de plantes à bulbes toxiques avec des bulbes comestibles et les confusions de marrons d'Inde avec des châtaignes. Ah, voilà, donc faut savoir que c'est quand même la troisième et marrons sont deuxième. C'est trop bien, je veux ce classement, moi. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail. Ouah, car il y a un mec qui a bossé là-dessus, en fait. Mais c'est ça qui est fou. Moi, qui me rend, quand tu fais le retour, tu te fais... Attends, il y a un mec qui... Donc, les coloquintes, d'accord, ne doivent pas être consommées. Donc, tous les coloquintes qu'on achète, notamment ces citrouilles, la première citrouille qui a scellé notre relation, que tu as pris dans tes mains en faisant « Je suis une petite citrouille qui fout la trouille », elle nous aurait tués. En tout cas, rendu malade. Heureusement qu'on n'a pas essayé de la manger. C'est toxique n'est pas mortel, les gens. Hein. Rappelez-vous. Bon, après, vous avez quand même des possibilités de mourir, mais tout va bien. Est-ce que c'était la même soirée ? Oui. Alors, le marron d'Inde, en tout cas, on le trouve dans le bouquin des pintades sèches. Des recettes de pintades sèches. Le marron d'Inde. C'est pour ça qu'il ne faut pas le manger. Il est très, très énervé. Certaines mais en anglais, les marrons, ça s'appelle des châtaignes pour chevaux. Chestnut, c'est la châtaigne, et horse chestnut, c'est les marrons bien... comme on a. Donc la citrouille est bien alimentaire comestible, le potiron, le potimarron, le butternut et le pâtisson. C'est bon, les pâtissons. Alors, citrouille, goût doux, peu sucré et chair filandreuse. Potiron, goût doux et sucré et chair plus lisse que la citrouille. Potimarron, goût de châtaigne et de chair farineuse. Putain, mais du coup, si tu confonds un potimarron avec une châtaigne... Ah. Pâtisson, goût peu sucré et de fond d'artichaut. Et chair jaune foncée et farineuse, butternut, goût doux de châtaigne ou de noisette de chair onctueuse, courge non alimentaire ou coloquinte, goût très amer et chair verte, blanchâtre ou jaune. Ah merde. Donc c'est vomissement, diarrhée, parfois sanglante, crampe intestinale, vertige, salivation abondante, palpitation, déshydratation. C'est pour ça qu'elle me foutait la trouille, cette citrouille, tu vois. Ah ben voilà, appelez le 15, hein, ils le disent, hein, quand même. C'est genre, ça déconne pas quand même. Si tu bouffes de la citrouille, c'est... Non, pas de la citrouille. Du coup, la citrouille, ça va, tu peux en manger. C'est comestible. Apparemment, c'est moins bon que le potiron. C'est petite histoire, c'est qu'une fois, on a été cueillir des champignons en forêt. Alors, c'est l'histoire la pire. Les champignons, c'est un autre monde encore. Ouais. C'est pire. Mais en fait, vous pouvez toujours aller en pharmacie et demander si les champignons que vous avez cueillis sont comestibles ou toxiques. Faut mieux bien vous entendre avec votre pharmacien. Très peu de pharmaciens qui sont formés à ça, malheureusement. Mais chose que nous, on a été faire, en tout cas, on a été dans une pharmacie pour nous demander, pour lui demander s'ils étaient consommables. Et effectivement, ils étaient consommables. Mais les pharmaciens, ce ne sont pas des cuisiniers. Non. Et le pharmacien ne va pas dire, il va dire s'il est consommable ou pas. Il va pas dire si c'est bon. Il faut savoir que quand on a fait cuire ces champignons, on s'est dit, ouais, petite poêlée de champignons grillés de forêt, ça va être génial. L'horreur. Je vous jure, c'était une horreur. Là-bas, la maison sentait vraiment les champignons. Enfin, il y avait une odeur terreuse
de champignons, mais c'était l'horreur. Ça sentait le cadavre dans toute la baraque. Alors, un truc qui est très important. Pourquoi tu as assaisonné tes champignons au cadavre? N'oubliez pas que même les pharmaciens ne sont pas forcément formés à ça. Enfin, je dis ça parce que mon père est pharmacien. Et par exemple, en vrai, il y a des beaucoup de pharmaciens qui vont faire ce qu'on appelle de la reconnaissance visuelle. Et la reconnaissance visuelle n'est pas valide en cas des herbes et des champignons. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, regardez Into the Wild sans spoiler la fin. Mais bon, voilà. Et en gros, ne vous fiez pas. Si vous voyez que le pharmacien sort un livre pour consulter le truc, ne faites pas. Enfin, ça serait trop con. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de champignons qui se ressemblent énormément, pareil pour les plantes, et qui ont une forme toxique et une forme non toxique, voire une forme vénéneuse ou mortelle, purement et simplement. Donc, ne jouez pas au con. Et généralement, ce qu'il faut, c'est l'expérience. Il y a des gens qui sont... Il y a des associations, il y a des gens qui s'y connaissent. Et en vrai, franchement, il ne faut pas hésiter. Mais c'est mieux de confirmer vraiment. Il suffit de croquer dedans et si c'est un merde, faut crocher. Oh, une amalie phalloïde. C'était avec toi qu'on avait croisé un mec dans la forêt qui prenait que des photos de champignons. Non, c'était pas toi. Tu disais... Un champignon n'est pas vénéneux, il va être empoisonné. Parce que il me semble que le venin, c'est ce que contient les animaux qui vont projeter... Non, vénéneux, c'est pour les plantes aussi. Oui. Pour les plantes aussi, d'accord. Moi, il me semblait que... Les animaux sont pas vénéneux, d'ailleurs. Oui, ils ont des sacs à venin, mais ils ont pas de... Enfin, ou pas, hein, d'ailleurs. Ils peuvent avoir différentes sortes. Mais de toute façon, oui, vénéneux, c'est qu'il contient un venin. Ouais, et donc, et du coup, il suppure du venin. Vénéneux, c'est pour les choses que quand tu manges, ça t'empoisonne. D'accord. Parce que, par exemple, si un animal a du venin, genre un serpent, c'est pas vénéneux. Parce que tu peux le bouffer. C'est venimeux. C'est, non. C'est venimeux, ouais. Je crois qu'il me semble qu'il y a une différence entre, entre un venin et un poison. Il y a une différence. Oui, parce qu'il y en a un qui est sécrété et l'autre qui est fabriqué. Ouais. Possiblement, ouais. Attends, venin. Liquide toxique sécrété par les organes de certains animaux et de certaines plantes et pouvant être généralement inoculé par piqûre ou par morsure, littéraire, malveillance. Mais... Ensuite, on a donc poison. Poison. Les poisons sont en biologie des substances qui provoquent des blessures, des maladies ou des morts. Il y a des poisons naturels, donc non, il n'y a pas vraiment de différence poison-venin, je pense. Ok. Le venin est donc un poison. Une ouais, je pense que c'est ça. Poison, c'est peut-être un terme littéraire plus vague. D'une substance qui va avoir des effets nocifs sur... Tu peux dire que le chlore est un poison, tu vois ce que je veux dire? Non, je crois que le venin, c'est quand tu ingères, et le poison, c'est quand tu te fais mordre. C'est l'inverse. Non. À l'inverse, pardon. Oui, le poison, c'est quand tu ingères le venin. Ouais. Le venin est un poison, voilà. Donc voilà. Bah oui. Et du coup... On dit au revoir à Cécile dans une minute. Au revoir Cécile. Ouais. À tout à l'heure. Venimeux, vénéneux. Différence. La vraie différence. Les plantes et les animaux sont toxiques, mais le terme vénéneux se rapporte exclusivement aux plantes, tandis que les animaux sont venimeux. Un animal venimeux est un individu qui sécrète du venin, un produit toxique. Voilà. Et encore une fois, toxique n'est pas mortel. Il est 20h30. Bah, c'est à 31 que généralement tu dégages. Ah. C'est les... Aujourd'hui, vous êtes sur un stream, un live, où on apprend des trucs. Bref, c'est toxique. Si ça vous dit, en vrai, on peut se faire attention. Des lives... Attention, n'oubliez pas que un toxique peut vouloir dire mortel ou pas. Et c'est ça le problème. Parce qu'en gros, il y a plein de... Il n'est pas encore 31, les gens, c'est pour ça. Il y a plein de trucs qui sont clairement mortels. Hein. Enfin, genre une amanite phalloïde, tu déconnes pas avec ça. Alors qu'une amanite tue mouche, ça va. Tu peux manger une amanite tue mouche. Bah, tu vas être extrêmement mal et tu peux en mourir. Mais une anomalie phalloïde, c'est sûr que tu vas mourir. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'on différencie mortel et toxique. Mais ça veut pas dire que toxique ne va pas vous tuer. Qu'on soit bien d'accord. Ça dépend de la quantité et tout, en plus, j'imagine. Hein. Est-ce que toutes ces infos sont importantes pour le JDR? Essentiel, oui. Fun feeling. Bah, il faut bien savoir ce que je... Faut que tu plantes, là. Bah ouais. Parce que je te jure, on n'a rien changé, quoi. Une relation peut-être vénéneuse. Bah, si tu avales la relation. C'était pas après le changement d'heure, peut-être? Le changement d'heure, c'est la même heure? Bah oui, parce que c'était cette semaine, mardi, 20h30. C'était... Ah, ouais. Oui. Ah, bah, et mercredi aussi. C'est peut-être 32. Bon. Ah, je t'ai dit, on sera plus stressé si ça plante pas. À l'aise, là. Tu le mouches, tu le manges pas. C'est lui qui te casse la gueule. Hein, tu le mouches, celui qui te mange. J'ai peur, je stresse. Mais moi, je stresse de ouf, là. Si c'est pas à 32. Pendant... Ou est-ce que ce serait tous les deux jours? Et du coup, on l'a eu une fois un mardi, une fois un vendredi? Non, on a eu un mardi, on a eu vendredi, mardi et mercredi.
C'était mercredi où on l'a vraiment remarqué. J'ai ouais, mais c'est normal parce qu'on l'aurait eu. Parce genre, qu'on l'aurait vraiment... vendredi, du coup, il n'y a pas le samedi, il y a eu le dimanche, il n'y a pas le lundi, il y a le mardi, il n'y a pas le mercredi, il y a le jeudi, donc peut-être c'était hier, peut-être c'est tous les deux jours. J'ai 32. Mais mardi et mercredi. Oui, mais mardi et mercredi, à la suite, on l'a eu. C'est vrai que c'était à la suite. Putain. Bah, désolé. Bah, écoute, je sais pas. Putain, je suis pas prêt là. Bah, moi, je suis pas à la suite. Est-ce que t'as rebooté ta box entre temps? Non, je crois pas. Peut-être mon père l'a fait, mais j'ai pas vu. C'est peut-être ça. Hein. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment une tension. T'as tout le monde qui est en mode attends, suspens, ouais. Qui est en mode. Il y a plus personne qui parle. Attendez. Ah non, putain, je suis vraiment crevé. Putain, merde. Non. Non. Putain, vraiment en mode. Oh non. C'était un putain, non, mais en vrai, je suis pas à l'aise. Je suis pas bien. C'est horrible. Putain, quelle horreur. Bah non, mais on a peut-être rebooté la box, hein, je sais pas. Putain, j'ai peur maintenant. T'aurais trop dû le faire en te déconnectant de... Oh là là. De merde, en te déconnectant du TeamSpeak, ça aurait été parfait. Oh la vache. J'ai réellement peur. Nouvelle théorie, elle découle quand vous lancez GDR. Non, parce que la dernière fois, il y a deux fois où on lançait pas du tout GDR, on était en train de discuter, parce qu'on met généralement 30-45 minutes avant de démarrer. On m'accroît quand même que beaucoup moins de problèmes techniques. Elle va bugger pendant GDR, pendant une heure. Ouais. Ouais. Bah, elle a déjà eu un problème une fois pendant GDR, le courant. Là. Oui, c'est oui. Vrai. Oui. Non, mais Cécile, des problèmes pendant GDR, il y en a vraiment eu avec Cécile, c'est fou. En plus, j'ai eu du mal à me rendre compte que c'était le courant, puisque en fait, je suis sur un PC portable, mais avec un écran séparé. Donc, mon écran séparé s'est éteint. Et le truc. C'est... J'arrive pas à l'écouter, ça reste. Ça fait que monter une pression. Ça fait non en dedans. Je m'en vais pendant une minute. On saura pas du coup. Pendant toute cette minute, on saura pas quand est-ce qu'elle reste de bugger ou pas. Cette expérience scientifique n'est pas concluante. Vous pensez qu'elle est toxique? Oh la vache. La théorie tombe à l'eau. J'ai construit toute ma carrière sur cette théorie. Attends, c'est peu probable que ce soit l'heure car 20h30 vendredi, c'est 19h30 mardi. Ben non. Non, c'était non, mardi et mercredi de cette semaine. La fois d'avant, on ne sait pas quelle heure c'était. Et on s'est dit, est-ce que c'était pas 20h30 aussi? C'est tout. Mais on ne savait pas. On n'a pas regardé. Pour le coup, on pourrait le regarder. Il y a l'heure cette chemise. Il fait trop chaud? Alors... Non, en fait, c'est qu'elle me fait un peu serré. Je pense que depuis... je ne l'ai pas mis depuis longtemps et j'ai peut-être un peu grossi. En gros porc! Le mec, il... J'ai quand même moins gros que toi, Maxime. Tu te plains d'une chemise? Je me suis quand même rasé la barbe pour... C'est vrai? T'as une barbe? Enfin, je... En vrai, t'as une barbe, mascotte. Sois fier. Tout le monde ici a une barbe. Salut, excuse-moi de te déranger, pardon. J'ai regardé ta config, mais tu n'as pas mis la marque de ton micro, ou alors je suis trop aveugle pour ça, mais quelle est la marque de ton micro? C'est vrai, je ne l'ai pas mis en vrai. Attendez, je regarde, parce que si c'est vrai, il faut que je corrige, parce qu'en vrai, c'est intéressant. Bou. Pourquoi bou, je ne sais pas. Ah oui, je ne l'ai pas mis. Comme il dit mascotte, on dirait juste... Si, micro. EVRE. 320, j'ai mis. C'est la marque de mon micro. Il est juste en dessous de écran au-dessus de webcam. Non, parce qu'en vrai, c'est important. J'aime pas les gens. Enfin, c'est le genre de truc qu'on peut chercher autant que vous ayez la réponse directement. Donc oui, c'est bien en dessous. Et si jamais, je te le redis. Mais il n'y a pas de souci. Hein, rater des trucs, ça m'arrive aussi. Ça arrive. Donc elle n'a pas bugué. Hein. À te vu les super vidéos de Jax qui tabassent un maximum en VR, non. Mais je crois qu'on aura un jugement demain ce soir. Ouais. C'est un Fire Monkey mieux que le Blue Yeti. Ah non, mais Thérélis VOD, tu sais, il y a beaucoup de théories sur le fait que quand tu cherches quelque chose, tu le trouves pas. Mais même là, il faut que je la change parce que la webcam, c'est pas vrai. Plein de choses ont changé. C'est même plus le... J'utilise plus le Blackmagic Decklink Mini Recorder. J'utilise plus la Sony X53. Que de mensonges! Pas qu'un. Quoi? Pas qu'un jugement?
tu lances bientôt le JDR parce que là, comme ça je me cherche un alors, café. Alors je vous explique pourquoi Adrien H47 est-ce que c'est parce que c'était la dernière vidéo de Big Geek que Alexis Acosta a numéroté les 12 révélations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 8, 9 en référence à la difficulté de compter. Eh bien, pas du tout, on ne sait absolument pas pourquoi c'est ça. Et on n'a aucune explication pour ça. Genre vraiment, parce que en fait, moi j'ai fait la base du truc, du montage que je lui donne, mais c'est un template quoi, il n'y a rien à changer. Et c'est trop dur, enfin ça serait super chiant de changer les trucs, donc je sais pas comment ça s'est passé. Pas d'explication pour ça les gens. Ah non, mais Gekmou, tu sais que à chaque fois, les vidéos, en fait, on fait plusieurs allers-retours avec Alexis. Et du coup, à chaque fois, je vérifie. Sauf que je ne regarde vraiment jamais les numéros parce que, comme c'est un template, pas de raison que ça change, en fait. Et ben, je ne l'ai pas vu. Désolé. Est-ce qu'il a bougé des trucs et... Oui, j'ai un compresseur et une carte de capture aussi, effectivement. Mais ouais, le compresseur, c'est le 286S de. Attends, je ne sais plus la marque. De DBX 286S de DBX et la carte de capture, c'est une Focusrite Solo. J'ai changé, avant j'avais une Focusrite 4i4 que j'utiliserai pour les lives JDR lol quand il y en aura dans 6 ans. Demande si c'est normal si le titre est toujours le même que celui du dernier live. Quoi? Non, je l'ai changé. Non, il est changé. Ah, il y a un indice dans le titre. Il faut qu'on mette les cadavres en pile. J'ai compris. Metalizard, faut... Enfin, si c'est le cas, recharger la page. C'était pas une Rogue One avant la solo? Quelqu'un peut bannir définitivement Kuni, s'il vous plaît. 100% c'est devenu un Dire Sheet Rogue. Non. Oh non. Les cadavres sans pile. Attendez, c'est dans quoi qu'il y a eu une pile? C'était dans quoi que j'ai dit putain, une pile alcaline? Bah, dans Arkham. Ah ouais? Ah non, c'était dans le jeu avec Whirlwind. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire juste des citations de mon perso. Et il y en a plusieurs qui m'ont fait beaucoup rire. Genre, l'obligation, la config, si tu scrolls, elle est en dessous du live. Je ne sais pas quand est-ce que je dis le « Ah ». Eh bien, ça, c'est un vrai problème, ça. Et ça m'a fait vraiment rire. Une pile pour ma Game Boy, c'était ça que j'ai dit? Ah, c'est possible. Sarah Brown. Je n'ai toujours l'épisode 3 sur l'écran, c'est pour ça. Ah, mais t'es désolé, pas de soucis. Dans Tales from the Loop, c'est possible. C'est quoi déjà ta batterie de Switch? Elle est là. J'utilise pas en ce moment parce que je suis... Enfin, je sais pas pourquoi, je suis quand même vachement souvent chez moi. Big Blue. Mais je sais pas si c'est la meilleure du marché du tout. Hein. Bah, t'es chez toi, sauf quand on sort se faire des petits pique-niques à 30-40, là. Comme d'hab. À 30-40? Ouais, 30-40 personnes. Ah, 30-40. C'était un lieu, tu sais. Les gens viennent de préciser. Non, c'est l'heure, 30-40. Ouais. Les gens viennent de préciser, c'est sur le live, en fait, le titre qui est pas le bon. Il y a marqué épisode 3. Ah oui, putain, vous avez tellement raison. Je viens de voir plusieurs personnes. Ah, mais oui, putain, je suis bête. Ah là là. Je me disais, dans le live de quoi? Mais arrêtez de dire des choses. On est tous bêtes, sauf Jex. Mais du coup, Arthur Green a démissionné. J'ai renommé, hein. L'épisode, c'est bon? Oui, c'est bon. Toujours pas bug. Quoi? Mais... T'as vu ce qu'il a marqué, ce truc? Ouais. Bah, j'ai dit que j'étais fatigué, donc ouais, ça me dérange pas. J'espère que tu vengeras ma mort en tuant Arthur Green, hein. D'accord. C'est bon. Trop drôle, du coup, j'ai dit oui, parce que j'ai vu que c'était pas le même titre, mais sans vraiment lire au début. Ouf, c'est bien là, vous voyez? Mais Maxime, arrête! Attendez, faut que je trouve un titre, moi. Les cadavres sans pile. En vrai, il est bien, site, j'aime bien. Faux semblant. C'est un titre comme un autre. Moi, je pense que du coup,
Arthur Green fait semblant devant nous et qu'il n'est pas vraiment. Je voulais pas vous le dire, mais. Si c'est trop Moscou, vous pouvez mettre vos noms de perso sur Zoom parce que je risque de me tromper du coup après quand je vais vous appeler ou vous parler. Projet sans titre. Sans titre 01, final le vrai. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-2. Final le vrai, celui-là. Merci. À vous deux. Épisode 4, le remplacement de Jex par All-in, main levée. Trop bien. Jex, il aime pas cette blague parce qu'il sait que. Enfin, bref, on a eu des grosses engueulades. Cécile, tu me stresses de ouf. Sache-le. Mais t'inquiète, ça va prendre ma partie. Hein. C'est rassurant, mais... non c'est pas rassurant. Tu disais quelque chose. Arrêtez là maintenant. Maskosk. Ah bon? Ouais, t'as dit, je veux dire quelque chose absolument. On t'écoute. Lampadaire. C'est vrai, moi aussi. Du coup. Ouais, c'est vrai que je suis sûr que ça, que Kiman a raison, ça fait un cliffhanger en plus. C'est horrible. Ça va... T'as construit plein de trucs dans Monster, Maskosk, du coup. Mais non, je te dis, en vrai, j'ai joué 15 minutes peut-être. D'accord. Pour me remettre en jambe dans le truc et puis. Ça, c'est trop. Ça me fait penser au nombre de jeux que j'ai lancés dont j'ai fait le tuto. C'est tout. Parce que ça arrive très, très souvent, tu lances le jeu, tu fais le tuto, ça t'a pris genre 45 minutes ou une demi-heure et tu fais genre, ok, bah la prochaine fois je le saurai. Ça fait 10 ans que vous n'avez pas lancé le jeu. Oh. Ça, c'est la première deadline. Après, ça commence à s'appeler Prout ou. Ouais. Oh, bah c'est parti pour le JTR. C'est trop peur, Cécile. Non. On démarre. Bah, ouais, mais de toute façon, là, l'heure est passée. Hein. Non, c'est 43. C'est après 30. Caca.f. Viran dit bah, on est le 1er janvier de l'année de notre Seigneur 1287. Mon Dieu. Attends, tu veux dire que. On est revenu, ça a bouclé encore. Je sais plus comment tu t'appelais. Éléonore ? Emmanuel. Emmanuel. Non, c'était Théodore. C'est pour... J'ai mélangé les deux. Trop bien. Mon perso, il s'appelait comment déjà ? Tobias ? Tobias. J'ai retenu le vrai. Léonard et Emmanuel Beaulieu. Là, j'ai pas votre nom par contre. Je les ai jamais eus. T'es annuel ? Eh oui, le T annuel. Peut-être que le bug me souvient. Bah oui, plusieurs. Tobias, le gogo, j'avoue. Ah, puis le personnage de Maxime pour le prochain JDR Bah, on sait pas, hein. Parce que. Parce que. Sleep, il a dit. Fou, je ne sais pas si j'arriverai à faire un scénario. Et du coup, bah, on lui a dit non, mais tu peux essayer et tout. Et fait dame. Mais... Et puis en fait, c'est Jex. J'étais d'accord. Jex, en fait. Je vais regarder. Aveugle, sourd, muet. Et un chien. Et un chien. Alors, Whirlwind a dit exactement Hello, j'ai besoin de votre avis. Putain. J'ai relu le scénario que vous avez proposé. Est vraiment un connard. Suis-je obligé de le faire jouer si c'est sa. Ah. Je suis pas sûr que ça fasse bien en live. Je coupe vraiment que les trucs qui sont compromettants. Je me demande qui ferait ça. Hein, Jex? En fait, il a senti tous les regards, même si on ne pouvait pas, sur lui. Avec Jex, on a fait des blagues comme ça cette nuit, un peu. À s'envoyer des captures d'écran débiles et photoshopées nulles, que je ne peux pas vous montrer, mais qui sont très drôles. Alors, techniquement, on peut en montrer une. Ouais, mais bon. Bah, si, ouais, allez, je montre celle-là, je montre celle-là. Celle avec les deux, enfin oui. Avec moi et toi. Ouais, celle-là, je peux la montrer. Je vais vous montrer. On veut pas, hein. Ce serait dommage. Putain. Oups, je me suis trompé, j'ai montré l'autre. Voilà, il m'a envoyé cette photo pour me prouver qu'il était sain d'esprit. Tellement chip. Voilà. Parfaitement. Tu l'as pris quand cette photo avec toi? C'est quoi OnlyFans au fait? En vrai, c'est quoi OnlyFans? Je sais pas ce que c'est. Pour les fans. Mais c'est quoi?
Parce que j'en ai entendu parler plein de fois et je n'ai pas regardé ce que c'était. Et du coup, ça me stresse un peu. Only fan. Fan, fans, t'as dit fans. Ah, fans avec un S. Hein. Mais j'ai peur que ça soit un truc de cul, en fait. C'est du porn, c'est un sim de cam girl, d'accord. C'est pour le fion, ouais, hein? C'est un truc de cul, d'accord. Donc, voilà. Non, en vrai, quand tu sors la page, il te demande de te connecter ou de t'inscrire. On dirait pas du tout un truc de porn. Ça fait genre, tu vas marquer utilisateur enregistré, content creators, machin. C'est une espèce de Twitter où les filles vendent leur cul. D'accord. Putain, c'est ouf, c'est en vrai, la page de garde du site, on dirait pas du tout un truc. Hein. Est-ce que c'est dessus ou pas, Mascox? Deux. C'est juste pour créer la confusion. Deux fois. Ah, oui, mais c'est pas mon pseudo habituel. Il n'y a pas que les filles, apparemment, dit Vincent Trud. Ah. Bah, écoute, on te croit. Donc, est-ce que vous vous rappelez... avant de démarrer, est-ce que vous vous rappelez où on en est? On en est à... On a trouvé 3 cadavres. Oui. On était allé demander au mec de la Société d'Histoire d'Arkham, Monsieur Peabody. Sur les familles qui étaient... Monsieur Peabody, sur les familles qui étaient plus ou moins liées. Donc, la famille Williams... La famille Noise, avec un S, Noise, comme le bruit. Voilà, et l'autre famille Crane, mais Crane. C'est Crane. Il nous a renseigné sur le pont de Bishop, le pont de Bowen, qui est en fait le pont de Bishop. Ouais. Et sur la légende d'un sorcier qui aurait été enfermé dans ce pont. Et il y a un jeune homme qui passait poser des questions sur Ethan Williams avant nous aussi, également. Ouais. Donc on soupçonne que c'est le même jeune homme que la servante a vu sortir de la maison avant de découvrir le cadavre. Exactement. Et ouais, bon, il faut qu'on retourne le voir demain matin s'il a encore envie. Georgia Smith de son prénom. Très bien. Et nous sommes donc le 15 octobre au 132. Fermez bien le chat. Hike Street. Ah oui, c'est oui. Fait, c'est pardon. Fait. Lancez votre petite playlist. Ah oui, mais j'y pense jamais, quoi. C'est fou. Ah, hop. Non, ça c'était du Rammstein. Ça peut le faire, hein, mais c'est un peu confusant. Bah, tu risques de me voir headbanger au bout d'un moment pendant la partie, faire du truc comme ça. Là. Tu headbang un peu trop souvent. J'adore headbanger. Et ben voilà. C'est moi, headbanger. C'est d'ailleurs le fameux pseudo. Ah, les gens se sont mis dingue de mon slip en boucle. Parfait. Donc, nous sommes le soir, après l'engueulade. On s'est pas engueulé. Nous avons discuté calmement. Après la discussion. Donc, nous reprenons alors que vous rentrez chez vous. Je vais vous prendre à part, du coup, chacun les uns des autres. Du coup, toi, Miller, est-ce que tu fais quelque chose de particulier ce soir, après ces quelques jours d'enquête où la tension n'a fait qu'augmenter et où... est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites faire en particulier ou simplement tu vas chez toi et tu te reposes? Peut-être appeler... Il y avait le téléphone, hein, oui. Oui, t'as le téléphone. Bah, appeler chez moi pour donner pour prendre des nouvelles de mes parents et aussi leur dire que... tout se passe bien entre guillemets que enfin que le travail qu'on travaille quoi à l'agence quoi. D'accord, donc tu vois c'est pas mentir mais c'est pas voilà. Oui, non mais c'est mon père qui m'a trouvé le boulot donc il veut savoir si je m'en sors bien, tu vois. Ce qui est le cas pour le coup, je m'en sors bien. Tu vois que au début, il est inquiet justement plus sur enfin bizarrement plus sur ta capacité de tenir le boulot, entre guillemets, qu'un quelconque, stabilité émotionnelle ou quoi que ce soit. Il met pas ça en jeu. Ouais. Et ta mère fait une remarque en disant que elle avait entendu, en fait, quelqu'un lui a dit qu'il t'avait vu au cimetière. Voilà. Ah. Et elle fait, t'as été voir. Elle te fait la remarque en mode, pas un reproche, tu vois, mais un peu, elle prend la température, quoi.
Ah bah oui, je suis allé, j'avais besoin de me... de lui parler, quoi. Mais ça va, tu pas... Enfin... Tu sais, il faut... Enfin, je sais que c'est pas... Mais il faut savoir... C'est pas... Ouais, c'est juste que j'avais besoin de... C'est juste que voilà, quoi. Enfin, des fois, les enquêtes, c'est un peu lourd, quoi. J'avais besoin de me confier, quoi. Ok. Très bien. Du coup, l'appel se termine et tu vas te coucher sans vraiment te sentir mieux particulièrement. Mais au moins, t'as eu un échange avec tes parents. Non. Mon cher Arthur Green, que fais-tu ? En rentrant ? En vrai, je vais dans le bar de Prohibition que je connais habituellement. Mmh. J'y prends qu'un verre. Ouais. Mais je vais surtout en fait passer du temps à écouter, comme je fais habituellement, mais essayer d'entendre s'il y a d'autres bars qui existent. Si essayer de découvrir l'adresse d'un de ces bars-là. Ouais. Et s'il y a des histoires de groupe occulte ou de trucs comme ça, de voilà. Je vais en fait prêter l'oreille pour ces deux informations-là. T'entends qu'il y en a qui parlent qu'il y aurait un tueur en ville. Ok. Et que justement, en fait, ils parlent peut-être de ton tueur. Ok. Et justement, il y en a un qui fait... Ouais, ben moi, je vais vous le dire. Là... C'était quoi ? C'était hier, je pense. Et il te cite une rue qui est juste à côté de chez chez Benson Crane. Ok. Pas loin de East Hyde Street. Du coup, il t'en parle. Il fait non, mais moi, enfin voilà, j'étais en train de conduire mon taxi et j'ai vu justement. Je pense que je l'ai vu celui-là. C'est con. Il parle de ça, tu vois, avec les autres, et les autres font « Mais de quoi tu parles ?»« Mais ouais, mais non, mais ça m'étonnerait pas que ça soit lui. Attends, on était en pleine nuit. C'est sûr, c'est lui. » Ok. Je veux pas m'interposer, hein. Je veux absolument pas. Je suis, D'accord. Et du coup, il parle effectivement d'un jeune homme. D'un jeune homme. Voilà. C'est des rumeurs. Est-ce que j'ai entendu qu'ils en parlaient Alors attention, c'est pas une rumeur. C'est le mec, c'est de la première main. Il te dit qu'il l'a vu. Il est crédible en tant que taxi. Maintenant, est-ce qu'il a vu le tueur ? C'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que c'est pas une rumeur que quelqu'un aurait vu. Je sais pas quoi. Non, c'est lui qui l'a vu. Et il sait, tu sais, il parlait de ça des journaux ou il le... Non, bah non. Ah non, non. Dans les journaux, il n'y a pas eu d'informations par rapport au meurtre. C'est juste une rumeur qui est des meurtres en ce moment. Ok. Et lui, il a dit, moi, j'ai vu le tueur, machin. Non, il dit, j'ai vu quelqu'un en pleine nuit. Alors que je rentrais du taf en taxi, et enfin que je suis taxi qui rentrait du taf, et que c'était en pleine nuit dans la rue, pas très loin de là où il y a eu le dernier meurtre. Voilà. Ok, non, mais je. Ils sont pas forcément au courant qu'il y a eu un meurtre là-bas. Ouais, non, je ne veux pas m'interposer. Parce que c'est le bar où je viens souvent, donc ouais. Je ne veux pas me mouiller là-dedans. Mm-hmm. J'arrive pas à choper une autre adresse d'un autre. Là ? Un autre rad pour le moment ? Non. Ok. Très bien. Pouette. Oui. Alors, que fais-tu en rentrant chez Watt ? C'est juste au-dessus, je vois. Est-ce que tu fais autre chose avant de rentrer chez toi ? Est-ce que tu... Oui, je peux dîner avec mon père, peut-être. Et puis, je rentre chez moi. Et je prépare la liste d'invités pour mon prochain dîner. Mm-hmm. Non. Si, si. D'accord. Genre, bah, sinon, je fais autre chose. Je dors, sinon. Pas de soucis. Donc, tu fais rien de spécial en dehors de ça, quoi. Non. Voilà. Les gens du chat sont en mode « J'espère qu'elle va bugger, maintenant. » Non. Je prépare ma liste d'invités pour mon prochain dîner et j'hésite à inviter William Miller. Parce que finalement, c'est quand même... il est plutôt... Tu vois, je lui pressens un bon avenir. Et... Mm-hmm.
coup, je prépare une invitation à son nom, et... mais de toute façon, elles sont pas envoyées tout de suite. Mais... Ouais. Puis ma famille connaît sa famille, je me dis, un brillant jeune homme. Tu... En triant tes papiers, tu retombes sur un vieux courrier que t'avais eu de quelqu'un qui te... d'une de tes connaissances qui te parlait, parce que bah, voilà, tu as quand même montré quelques intérêts pour l'occulte lors d'une soirée en discutant, en fait. Et cette personne, en fait, t'avait demandé si, justement, tes affaires, donc en rapport avec Arkham PI, plus ou moins, traitaient-tu. À l'époque, tu l'avais mis de côté, en fait, ce courrier. Maintenant, tu t'es retombé dessus. Donc peut-être que tu pourrais relancer ça, peut-être que ce serait une autre affaire, peut-être que non, peut-être que oui, ouais. Tu ne sais pas. Cette personne, a... c'est quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un... Nom, cette personne que tu connais a effectivement... Enfin, est quelqu'un qui est installé financièrement, qui est voilà, reconnu, mais ce n'est pas... Elle t'a pas dit qu'elle connaissait une affaire occulte. Elle t'a dit... Elle t'a juste demandé si... Voilà, elle tendait une perche. Voilà. Maintenant, cette personne est quelqu'un d'assez influent dans le coin de Boston. Et voilà, c'est pas personne. C'est quelqu'un que tu connais et qui est reconnu. C'est pour ça que tu l'as mis un peu de côté, parce que t'as ce côté, est-ce qu'elle tend une perche ou est-ce que c'est un, tu sais, un peu un côté, piège. Genre un piège, entre guillemets, de dire, ah oui, voilà, elle tombe dans l'occulte, etc. Maintenant... J'aimerais répondre ouais. avec le même ton légèrement évasif, mais pas un truc pas incriminant, mais du coup, sous-entendant que peut-être. D'accord, très bien. Aussi, oui. Est-ce que je sais quelque chose? Donc, quand Arthur Green m'a dit qui avait traduit son texte latin, il m'a mentionné le père Campbell's. Le père Phillips, non. Campbell's. Non, Phillips, c'est l'autre, Campbell's. Mm. Oui, bah, il y a trop de révérends dans ces histoires-là, je peux pas, moi, là. Il y en a deux, pense. Est-ce que je sais quelque chose sur le prêtre Campbell? Tu sais qu'effectivement, il officie en fait au nord-est d'Arkham, là où habite Arthur Green. Tu sais où habite Arthur Green, forcément. Tu sais que c'est quelqu'un qui n'est pas... voilà, c'est un prêtre tout à fait classique. Ce n'est pas quelqu'un qui est entaché, qui a une réputation particulière. Non, c'est quelqu'un, tu sais que voilà, il officie là-bas, il est clean, en tout cas de ce que tu en sais. C'est pas quelqu'un qui a eu des affaires ou je sais pas quoi. Oui, effectivement, ça lui arrive de faire sa messe en latin ou des choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose d'anodin non plus. Enfin, c'est pas quelque chose de particulier à cette époque, à ce lieu-là. C'est quelqu'un, en tout cas pour toi, qui ne semble pas avoir fait de vagues dans sa vie. Pour le contexte, c'est plus pour savoir à qui il a révélé des choses. Quoi. En gros, si c'est quelqu'un de... Pour toi, c'est quelqu'un qui n'est pas à risque. Non. Voilà. Quelqu'un de très controversé. Donc ouais, donc je réponds à cette lettre, voilà. Très bien. Donc tu prends la perche. Oui. Mais avec un gant, avec un gant. Oui, voilà. Comme le coronavirus le veut. N'est-ce pas. J'ai dîné avec mon papa et j'espère qu'il va bien. Très bien. Longue musique. Bonsoir. Nous sommes donc, attendez, je précise que la stéréo de Mascox était baisée, hein, je suis désolé, mais elle est revenue, tout va bien. Enfin, en fait, je t'avais mis extrêmement à droite. c'est trop bien parce qu'on a tous eu, en le disant, je me suis rendu compte de ce que je disais. Une nouvelle journée. Nous sommes le 16 octobre, du coup. Oui. Moi, je ne note pas les dates, perso. Non, mais je vais le faire pour vous. On n'est plus le jeudi, on n'est plus le vendredi. Donc, on est le samedi. Mardi, attends. Mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes le samedi. Ouais, du coup... hop, attendez. Samedi. 16. 10. Vous avez donc rendez-vous à la Société des Historiques, voilà. Et vous avez aussi le pont. Et vous m'aviez parlé... Non, tu l'as fait, Arthur. Tu avais parlé de chercher un bouquin. Ah non, c'était pour retourner chez la personne, pour trouver le bouquin, en fait. C'est la première victime.
T'avais parlé de trouver un bouquin. Vous en avez parlé. Maintenant, vous n'avez pas dit que vous alliez le faire. Je vous dis les pistes. Je vous rappelle les pistes. Je vous rafraîchis les pistes. Oui, pour essayer de trouver des livres de par ancêtre. Pour éventuellement appeler Reste qui pour avoir accès à ça. Ça y est, je me souviens. En fait, on voulait retrouver des bouquins pour essayer de trouver un lien familial entre les trois victimes qu'on a. Parce que c'est quand on réfléchissait à quel était le lien entre ces trois victimes. Ouais. Le lien est évident et y a quelqu'un qui est en train de chercher un bouquin parce qu'il est en train de fouiller les bibliothèques. Mmh. On essayait de trouver, enfin, on avait plus ou moins une idée du mobile. Enfin, c'est Monsieur Miller qui avait l'idée du mobile. Et après, on n'a pas vraiment de lien. Pourquoi autant de questions qui restent en suspens? C'est pour ça qu'on a demandé ça à Monsieur Peabody. Ouais, c'est ça. En fait, on n'était pas retourné chercher les livres vu qu'on nous avait orienté vers la société d'Arkham. Très bien. C'est vrai qu'on avait laissé de côté, du coup. Donc, que souhaitez-vous faire en cette belle matinée de samedi? J'aimerais aller à la société. D'accord. Bah ouais, ils nous avaient... Toi aussi, Miller. Ouais, bah on est allés ensemble. Donc... Et toi, oui, Green. Oui. Ça... Moi, j'avais dit que je les accompagnerais, du coup. Ok, très bien. Donc, vous arrivez dans cette petite... c'est plutôt toute grosse maison. Vous voyez que c'est fermé. C'est vraiment fermé, quoi. Vous pouvez pas rentrer. La société des histoires Arkham. Ouais. Je frappe. D'accord, donc t'attends un petit peu, et là d'un coup, il y a Monsieur Peabody qui est là et qui fait « Ah, désolé, ça m'avait échappé, j'aurais dû laisser ouvrir. Bonjour, bonjour. » Bonjour, Monsieur Peabody, j'ai fait mon collègue Arthur Green. Bonjour. Très bien, bonjour. Monsieur Peabody. Très bien, je suis désolé, j'aurais dû laisser ouvert. Ça m'a échappé. On n'est pas ouvert le samedi, c'est pour ça. Hier, j'aurais dû, encore une fois, j'avais oublié qu'on était vendredi. Merci beaucoup, du coup, de nous recevoir quand même. Pas de souci. Alors, je ne serai pas beaucoup disponible aujourd'hui, puisqu'en fait, nous sommes samedi. Mais ce n'est pas grave. Donc, vous m'aviez demandé de rechercher diverses choses par rapport, donc, à Madame Williams, c'est ça ? La famille Williams. Tout à fait, la famille. Et du coup, vous m'avez. Noyce et famille Crane. Tout à fait, tout à fait. Et vous m'aviez parlé aussi d'autre chose. De ce pont cher. De Bowen. Tout à fait. Donc, justement, j'ai trouvé plusieurs choses. Alors, et du coup, il vous sort des extraits de journaux, des trucs d'archives, etc. Et il vous explique un petit peu. La première chose, oui. Je voulais te couper dans les journaux de. Parce que j'imagine qu'on. Moi, je lis le journal tous les matins. Mm-hmm. Est-ce qu'on avait dans la presse des histoires de meurtres, des trucs qui concernent notre affaire ou. Non, ou de la police n'a pas communiqué sur les meurtres pour l'instant par rapport à la presse, en tout cas. Mm-hmm. Et ils étaient plutôt clairs. Enfin, ce qui n'était plutôt clair là-dessus, puisqu'en fait, pour eux, ça déclencherait une panique pas possible. Autant premier était un truc qui pourrait passer, voilà. Et ça fait serial killer. Voilà. Et du coup, à l'époque, sachant que même le terme n'existait pas. Du coup, le truc, c'est que pour l'instant, ils gardent ça le plus longtemps possible. Par contre, dans la rubrique nécro, il y a bien... certaines personnes, notamment la première personne, est dans la rubrique nécrologique du journal. Donc c'était Madame Williams. Non. Williams. La première personne que nous on a vu, c'était Noyles. Non, mais la première personne qui a été tuée. Qui a été tuée de qui? Donc Nina Williams. Nina Williams. Elle est dans la rubrique nécrologique. Maintenant. Très bien. Mais du coup, ils ont attendu quelques jours et il n'y a pas de détails autour de sa main. Trois jours plus tard. Ouais, et il n'y a pas de détails autour de sa main. Ok. Voilà. La rubrique nécro, Nomicon, tout à fait, les gens. le premier truc est un extrait d'un livre qui s'appelle Une histoire du hameau d'Arkham. D'accord ? D'accord. Donc, je vous cite l'extrait. Un autre individu similaire était le bossu Sermon Bishop, qui, comme d'autres de sa connaissance, fut accusé de sorcellerie. Cet homme vivait près des limites occidentales de la ville, sur Hill Street, alors appelée Badwater Road, et on le soupçonnait d'être un puissant jeteur de sorts. Les rumeurs de ses activités entraînaient de graves suspicions, et les problèmes de récolte et de vaches maigres lui furent souvent imputés.
Bishop disparut une nuit, tandis qu'il revenait d'une visite à Dunwich, et ne fut jamais revu. Certains disent que le diable était finalement venu l'emmener. Le shérif mena ce que tous s'accordèrent à appeler une investigation minutieuse, mais aucun suspect ne fut amené devant les tribunaux. Bien qu'il ait probablement été victime de quelques manigances, le corps de Bishop n'a jamais été retrouvé. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, en fait, lui, il a retrouvé, grâce à cet article, c'est un extrait d'un livre. C'est un livre. Il a retrouvé, en fait, des témoignages par rapport à la disparition de Sermon Bishop, justement. Quelle date, ces témoignages-là ? Alors, les témoignages, dans les dates, on parle de... attends, que je te dise pas de la merde... 1752. Ok, donc ouais, très bien. 1750, enfin ouais, dans les années 1750, en tout cas. D'accord. Donc tu peux trouver que hop, en gros, il vous a résumé, hein. Le truc, il vous donne pas tout le document, hein, ouais, ouais. Qu'on est bien d'accord. Et donc du coup il dit, regardez, voilà, il y a plusieurs personnes, effectivement, et donc hop, il dit, là-dedans j'ai retrouvé effectivement le nom de Jeremiah Crane, Jebel Noyes et Ethan Williams. Ok, alors Crane's. Et il faisait partie de... Ouais, Jeremiah Crane, Jebel Noyes Ethan Williams. Ouais. Donc Ethan Williams qui correspond au nom que vous aviez déjà, oui, sur bah l'autre, oui, chose. D'accord. Les pensées d'Ethan Williams. Jeremiah Crane, Jebel Noyes... Jebel Noyes et Ethan Williams. Merci. T'inquiète, on l'a noté de toute façon. Bon, c'est fou. Merci. Dans ces témoignages, c'est-à-dire que ces personnes-là ont témoigné. Eh ben, enfin, c'est sûrement. Et qu'est-ce que, quels sont le dans, il y a d'autres témoignages. Oui, oui, mais quels sont. Mais lui, il a recherché par rapport au nom que vous lui avez donné. Oui. Il n'a pas. Il a surtout cherché par rapport à Bishop et en lien avec les noms que vous avez donnés. Il n'a pas. Et il n'a pas. Voilà. Maintenant. Est-ce que c'est possible de voir le document original et de voir les autres noms de témoignages, parce qu'il ne doit pas y en avoir 100 non plus. Il dit, il y a beaucoup. Regardez. Et du coup, il vous montre effectivement. Il fait, voilà, hein, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc, il y a beaucoup de dossiers. Maintenant, vous pouvez rester avec lui et chercher un petit peu ce matin, si vous souhaitez, regarder tout ça. Hein. Il n'y a pas de souci. Bah, pour trouver peut-être un peu d'autres noms, éventuellement. D'accord. Parce que... Vous voulez que parlait... charge c'est vrai que, pour le coup, ça serait dans les compétences de M. Miller, parfaitement. Mr. Miller. Et donc, nous, vous pouvez aller faire autre chose. Il n'y a pas de souci. Oui. Parce que c'est quelque chose qui prendra toute la matinée, c'est certain. Non, mais ça peut être intéressant d'avoir d'autres noms. Ça peut peut-être nous aiguiller vers d'autres personnes à aller rendre visite. Parce qu'il me semble que Ethan Williams, dans ses pensées, le 16 novembre 1814, disait le souvenir de Bishop Mount, blablabla. Il parlait aussi de plusieurs compagnons. Il dit non, si de notre rêvé. Groupe. Ouais, notre groupe. Donc, peut-être juste ces trois. Ouais. Ouais, peut-être, mais ça peut être bien d'avoir une liste des noms pour voir M. Miller, si jamais... Très bien. Pourquoi, du coup, moi, ça me gêne surtout, pas de... Surtout que si on arrive à descendre la liste à, par exemple, une dizaine de personnes, on pourrait vite track down, enfin trouver, éventuellement surveiller, ou ces personnes-là, même si bon, c'est un peu tiré par les cheveux et faire des conclusions hâtives, mais on pourrait surveiller si la liste n'est pas énorme. Imaginons qu'on en ressorte deux autres noms, ces deux autres personnes, il faudrait les surveiller. Pas de souci. Donc vous deux, vous allez au pont pendant que Miller reste... on va au pont Non, je ne sais pas, je vous pose la question parce que c'est ce qu'Arthur Green propose. Vous voulez que, je voulais aller au pont. Je vous redonne les notes pour le pont ou pas? C'est bon. Les ponts, vous savez où c'est. C'est bon, moi j'ai. Oui. Non, ouais, c'est pour eux, c'est pour savoir s'ils ont tout noté, les informations clés. Au pire, je les ressors sans problème. Le pont de Bishop qui est sur Bowen Road. C'est bon. Le pont Bowen qui s'appelle maintenant d'ailleurs. Mais surtout pour le pilier. Il s'appelait. Il s'appelait le pont Bowen et maintenant il s'appelle le pont Bishop. Oui. Enfin, il est surnommé. Mais il est plus. Enfin, il est peu. Il s'appelle le pont de Bowen en vrai.
Une colonne gravée et tout. M'a dit son bishop, ok. Moi, je serais d'avis d'aller voir ce pont bishop. Et Wakrust, sur le chat, je précise quand même que Sombre Machination, c'est largement ce qui t'intéressera, je pense, le plus, sans vouloir... Voilà. Tu disais... Alors, le mec nous dénigre pendant qu'on est en train de jouer. Ah non, bah, t'es voilà. Dedans. Deux fois. Bientôt trois. Moi, non. C'est non. Vrai, pour l'instant, Jexo. Le pont de Bibi pour les intimes. Ouais. C'est quand même curieux de nommer un pont par rapport à quelqu'un qui est suspecté de sorcellerie. Ouais, mais c'est, il a été nommé comme ça bah, par rapport à ça, en fait. C'est nommé par rapport à la légende, en fait. D'un sorcier enfermé dans ce pont. Ah oui. C'est la légende qui a donné le... Bah, c'est comme quand tu dis la forêt des suicides, c'est pas glamour, mais en même temps, c'est... Enfin, tu vois. Oui, mais c'est pas le nom officiel, là, on est... Sur le nom là, officiel. C'est pas le nom officiel non plus. Non, c'est le... on l'appelle le pont de Bishop maintenant, mais c'est okay. Le nom okay. Reste pont de Bowen. C'est juste que okay. Les gens. C'est... Alors, je précise quand même que c'est un pont qui est très peu utilisé et que vous connaissez simplement le Bowen Roads parce que c'est une route, mais vous n'avez jamais pris cette route. Hein. C'est genre vous connaissez parce que vous avez déjà regardé des maps du coin, que vous avez déjà voilà, vous connaissez. C'est Arkham même. C'est ouais. À côté de Arkham, mais c'est dans en Arkham. Okay. Ça fait partie de la commune d'Arkham. Quoi. Question, juste petite question méta, tu utilises une carte, une vraie carte pour Arkham, nope. Toi ? Non, ok, parce que c'était pour savoir si tu pouvais nous la fournir, parce que j'aimerais bien. Bah, je peux vous en fournir une, mais pas parce là. Que parce que moi, j'en ai une de mon côté et je voulais savoir si c'était la bonne, en fait. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais je peux me faire en sorte que tu aies la même. Merci. Mais pas tout de suite, je suis désolé. Oui, non, aucun problème, non, c'est juste pour savoir. Pas de soucis. Très bien, et bien oui, allons au pont, et ben, Monsieur Miller, du coup, merci. Monsieur Peabody, si vous avez quoi que ce soit d'autre... J'essaierai de faire au mieux, hein. Merci beaucoup, et merci de nous avoir reçus un samedi. Ben, pas de soucis, si on peut aider à savoir, hein. Merci, Monsieur Peabody. Si je voudrais juste une petite question rapidement, je ne oui. Demande pas de faire des recherches, mais certains écrits comme le Carnamagos, vous parlerait-il Carnamagos. Comme ça, de mémoire ou Ça semble bizarre, non ça vient de quel... C'est lié à Arkham même c'est un écrit d'un arcamite Je ne pense pas, à vrai dire, je n'en sais trop rien. Je vous pose juste cette question rapidement, comme ça, de tête, si vous aviez entendu parler. C'est voilà, une curiosité qui... Vous avez l'air quelqu'un de grande culture et... Eh bien, ça ne me dit rien du tout. En tout cas, non, comme ça ne me dit rien. Et encore une dernière, les prodiges thaumaturgiques de Nouvelle-Angleterre, écrits par un certain, vous avez l'air de mieux connaître Arkham, écrits par un révérend Howard Phillips. Ah, ça ne vous parlerait pas. Alors, attends... T'inquiète pas, Cécile, je vais pas parler de l'autre bouquin. Je regarde juste un truc. J'ai pas envie de... T'es d'un seul coup, genre... Oui, ça me... C'est marrant parce que... j'ai l'impression... Bah, non, monsieur, ça doit être ma mémoire, vous savez qui me joue des tours. Mais j'ai l'impression qu'on m'a posé cette question-là, des questions par rapport à ça. Maintenant que vous le dites, il n'y a pas longtemps, mais peut-être que... Peut-être le jeune homme qui était passé juste avant nous. Le jeune homme. Vous avez parlé d'un jeune homme qui est venu poser des questions sur Ethan Williams. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est une très cultivé, hein, très cultivé, ce jeune homme. Très cultivé. Et du coup, c'était un arcamite, ce jeune homme ? Ah bah, je pense. Hein, il avait une passion, je pense, pour l'Arkham du 18e siècle. Assez, grâce à lui, d'ailleurs, j'ai pu corriger 2-3 trucs. C'est formidable de voir ça chez des jeunes gens. Vous avez corrigé quoi grâce à lui, notamment ? Eh bien, quoi, justement, par rapport... et du coup, il vous montre 2-3 docs, mais qui n'ont pas trop de rapports, notamment sur des noms de rues, sur des noms de trucs comme ça, ou par rapport à des dates précises, recompléter la date. Par exemple, il pouvait dire, enfin, si par exemple c'était avril machin chose, ben, il savait quel jour d'avril. C'est impressionnant, c'est comme si il y avait... Vas-y. Non, vas-y. C'est comme s'il y avait vécu presque. Oui, c'est impressionnant. Enfin,
Ma façon de parler. Faut pas exagérer, mais oui. Et du coup, ce jeune homme vous a-t-il dit son nom? Parce que moi-même, ma famille s'intéresse beaucoup à l'histoire d'Arkham, donc ça me ferait très plaisir de le rencontrer. Malheureusement, non, je ne sais pas. Il vous a pas laissé de coordonnées, rien du tout, pas d'écrit. Bah, vous savez, non, non. Enfin, pas que je sache, en tout cas. D'accord. Il connaissait tout cela de tête? Oh, bah, je pense que, vous savez, il était plus jeune que moi, si on s'intéresse. Malheureusement, c'est vrai que moi, mes connaissances sont moins dans mon cerveau que mes notes, maintenant, à mon âge, mais... Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, je comprends, je suis moi-même un féru. Ma mémoire me fait défaut, je préfère écrire tout. Eh bien, voilà. Comprends. Donc, je pense que lui, son jeune âge lui permet d'être un peu plus vif que moi. Très bien, et bien écoutez, Monsieur Miller, Monsieur Peabody, nous allons vous laisser. Très bien. Eh bien, bonne journée à vous, hein, et nous allons travailler ensemble, Monsieur Miller. Est-ce que je vous sers un petit thé? Ah bah avec plaisir, j'ai essayé de bouquiner. Eh bien tenez, la théière est là-bas. Incroyable. Quel accueil. Hop, très bien. Donc, mon cher Jesco. Je suis prêt. Tu cherches. T'as combien toi? En même temps, t'as un peu craqué du cul, hein, on va être honnête. Donc, eh ben, tu tombes mes points pour ça, j'ai même pas d'armes. Tu cherches et tu parcours les témoignages. Sept hommes ressortent des témoignages. Parce qu'ils ont beaucoup apporté à ces témoignages. Ces sept noms sont Peter Ames, Peter Ames, Jeremiah Crane, le Jeremiah Crane, on l'a, Jebel Noise. Le Bell Noise, ouais, on l'a aussi, celui-là. Elihu, c'est un nom bizarre. Elihu Phillips. Elihu Phillips, d'accord. James Pierce. James Pierce. Alan White. Alan White. Alan White. Ah, Alan. Et Ethan Williams, que tu as déjà. Évidemment. D'accord, c'est... Et... Alors, attends. Et du coup, Peabody, en te donnant ta recherche, il fait « Ah, c'est marrant, ça. » Du coup, tu vois dire que c'est marrant. Il fait « C'est... Vous voyez ce... Je connais personnellement le... Eh bien, justement, le descendant, enfin, voilà, de Elihu Phillips. » Il s'appelle Retribution Phillips, je le connais, il habite pas très loin. Comment ? Retribution Phillips, il s'appelle. C'est un vieux nom, effectivement. Mais vous savez, quand on s'appelle Peabody, c'est un vieux nom aussi. Et je le connais, oui, il habite pas très loin. C'est un ami. Vous avez son adresse, par hasard ? Ah oui, bah, il habite sur Stoughton Road, pas très loin d'ici. D'accord, merci. Je te laisse. Et après, tu peux... Pouette. Du coup, vous prenez la tuiture ? Oui. Oui. Okay. Manage Touring, s'il te plaît. Merci. Mm-hmm. Donc, vous conduisez en direction de Bowen Road. Bowen Road est effectivement une route qui est maintenant plus un sentier de terre qu'un reste praticable en voiture. Hein. Mais voilà, c'est une route qui a été qui est peu utilisée, en tout cas depuis quelques dizaines d'années, dirons-nous. Et donc vous conduisez. Ça, c'est rigolo. Du coup, vous avancez tranquillement en voiture. Tout d'un coup, toi, Arthur, tu te rends compte que Hélène n'a pas vu un panneau qui était sur la droite, qui signalait clairement un grand panneau. Enfin, c'était un petit panneau qui a été attaché dans un arbre.
et donc sur lequel était indiqué, plus ou moins clairement en tout cas, Non mais de toute façon, j'ai vu un panneau avec un truc qui me dit quelque chose quoi. Ouais, en tout cas c'est marqué danger, route s'arrête brutalement, un truc comme ça, cloué à un arbre. Et du coup, le temps que tu te retournes, en fait tu te rends compte que bah, t'as vu le panneau, tu te retournes, et t'as Kevin Dish qui est un peu perdu dans ses pensées, peut-être qu'elle se marmonne quelque chose à elle-même, et qui trace quoi. Et du coup toi tu lèves la... Tu lui dis stop, sauf que, bien évidemment, trop tard. Trop bien. Attends, je revérifie. Combien en conduite? J'ai 50% en conduite. Putain, oh, putain, trop bien. C'est pas dégueu, hein. C'est vrai. Mais je crois que c'est moins que 51. Oh. Je suis trop content, en vrai. J'avais trop peur que t'avais 60. Mais du coup, 51, c'est pas un échec horrible non plus, quoi. Non, non, c'est juste un échec. Ouais. Non, mais c'est un échec critique, quoi. Je ah non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Enfin, ça, c'est pas ça. C'est plutôt la dextérité qui dira, mais ouais, ouais. Ça, c'est moins drôle. Et ça... Ok. Donc, le véhicule arrive. Tu piles, tu te mets sur le côté. Le véhicule ouf, balance et vous tombez du pont. Vous voyez, en fait, en face de vous, le poteau central qui est toujours là, hein, en mauvais état, mais enfin, de ce que vous en voyez. Et vous tombez du pont avec la voiture dans l'eau. Là, comment ça s'appelle ? La voiture a un toit ou pas sur la tienne ? Je crois pas. Hein. Celle que tu m'avais montrée. Si, elle a un toit ? Si, je crois. Attends, laisse-moi vérifier. Si... Ça dépend quel modèle, quoi, mais si. Pour toi, elle a un toit ? Bah, celle que j'ai vue, moi, elle a un toit. Mais d'accord, après, il y a le modèle de Nashwing qui n'a pas de toit. Pas de soucis, elle a un toit. Du coup, vous tombez... Pas, j'ai peut-être pris une photo de pas la bonne. Vous tombez... Toi, Cavendish, tu t'en remets... Ah non, attends. Elle a pas de toit ? Je crois pas. Hein. C'est un toit... C'est un toit... Si, c'est un toit en mou, quoi. C'est peut-être un toit en toile. Ouais, attends. Mais c'est pas... Quoi qu'il en arrive... Il y a plein de modèles, c'est chiant. Mais quoi qu'il arrive, ce sera pas un toit. Non, mais de toute façon, elle a un toit. On part sur le fait qu'elle a un toit. Ok, donc, toi, Cavendish, tu te réceptionnes plutôt bien. Par contre, toi, et c'est ouf, mais attention. Green, toi, tu te... tape la tête, j'étais un peu sonné et tout. Du coup, vous reprenez. Là, d'un coup, l'eau commence à rentrer d'un peu partout dans la voiture. Et du coup, vous êtes en train de couler. Bah, j'essaie de sortir. Bah, enfin, malgré le... Ok. Vous sortez alors que là, vous ouvrez la voiture, l'eau rentre à torrent. Elle n'est pas encore... Enfin, il y a carrément l'espace pour sortir et être quand même pas plongé sous l'eau, etc. Vous sortez et vous voyez en fait la voiture s'enfoncer dans l'eau et vous êtes tous les deux complètement dans l'eau. La berge la plus proche. Je précise que... Alors, y a, techniquement, c'est un peu compliqué. Il y a juste à côté de vous, le poteau avec de la boue autour, etc., avec pas vraiment une berge, et la berge de là où vous êtes tombé, qui est à quelques mètres. En gros, pour vous donner une idée, la largeur à ce moment-là du Miskatonic est à peu près 18-20 mètres. Donc plus serré qu'à Arkham même, par exemple. Donc vous n'avez pas besoin d'un grand... Enfin, d'être très bon en nage pour arriver à la berge. Mais vous choisissez soit celle du pilier, soit... la berge. Mais je vois, est-ce que Eileen est sortie de la tête de l'eau ? Oui, mais vous êtes tous les deux sortis avant que la voiture coule. La berge la plus proche, l'endroit le plus proche. C'est, vous êtes au milieu. Bah, je vais vers la berge. Je vais vers la berge aussi, du coup. Très bien. Donc vous ressortez de la berge, vous êtes trempé. Le temps d'essorer un peu vos vêtements, etc. Il commence. Enfin, je vous rappelle qu'on est en octobre, il ne fait pas non plus. Mais du coup, j'ai pas compris, c'est la route qui était coupée ? Non, c'est le pont qui n'est pas là. Et du coup, en fait, la route s'arrête d'un coup au pont. Mais ah, toi, ok, c'est le. D'accord, au pont. J'avais pas compris du tout. Ouais. Du coup, la voiture de collection. À l'époque, ce n'était pas une voiture de collection. c'était juste une voiture. Donc, vous c'est êtes. C'est grave, j'en ai une autre, je comptais en racheter une. Vous êtes sur place, complètement choqué et... Vous êtes blessé ? Non. Vous, oui, par contre. Toi, tu saignes un peu du front, mais rien de dangereux. Je fais... faut croire, vous avez pas vu le... On est vivant, c'est plus... C'est...
Le principal. On est loin de la ville ? Non, pas très loin. Mais du coup, le pont... Le pont n'est plus... Alors du coup, ce que vous voyez, c'est le pont est détruit de chaque côté. Et au milieu, le pilier central de ce que vous voyez est en mauvais état. Maintenant, il faudrait... c'est pas tout près. Hein, donc, vous ne voyez pas spécialement de détails de là où vous êtes. On est en pleine journée, là ? Oui. Ouais, vous êtes le matin. Ouais, oui, c'est ce qui me semblait. Trompé pour mais tromper. C'est fou. Enfin, il a l'air d'avoir été détruit il y a longtemps. Enfin, c'est frais, les gravats et tout, ou pas trop ? Le pont... n'a pas l'air d'être n'a pas l'air d'être si c'est con il n'y a pas de date non le pont a été détruit il y a pas mal de temps apparemment oui il a quelques plusieurs dizaines d'années ou en tout c'est cas pas la semaine dernière quoi ok il y a de la mousse genre sur le, le sur la structure du pont et compagnie bah mouillé pour mouiller Je suppose qu'on est trempé, je vais retourner. Tu vas voir le pilier ? Bah ouais. Ouais, vous... D'accord, donc vous vous équipez un peu mieux, je suppose que... Enfin, vous équipez, vous retirez ce qui pourrait vous mettre en danger. J'aimerais... Bah oui. Juste avant, je voudrais peut-être, si j'ai de quoi faire un feu... Bah non, j'imagine que tout est trempé. Attends. Je voudrais essayer de faire un feu... Essayer de faire un feu avec... comme je fume, j'imagine que j'ai soit un bécu, soit des amates. Ouais, mais c'est... Je veux quand même essayer de faire un feu pour faire sécher nos vêtements et d'accord, après. D'accord. On... Mais non, ça ne prend pas. Il prend pas. Ouais, j'abandonne. Le bois est mouillé. Et... Voilà, tous. Très bien. Alors. Vous, toi, Mascox, enfin. Green, tu arrives à nager jusqu'à là-bas sans trop de problèmes, en battant malgré tout contre le courant. Toi, Aileen, tu te rends compte que tu ne seras pas assez en bonne forme pour le faire et que tu dévies en fait sur le côté et tu te rends compte que c'est un risque. Voilà, tu peux pousser. Ça sert à quoi que j'ai mis des points en nager, quoi. Je sais. Mais du coup, ouais, c'est là, t'es pas en forme en tout cas. Non, mais la prochaine fois, je mettrai des points en rien, ça sert à rien. C'est pas ma faute, Anne Dorb. Tu trichaudais, quoi, mais bon. Vous êtes à portée de voix. Ok, ouais. Donc j'estime que ce que tu dis, elle le comprend. Eh bien, je fais le sur tout. Place, tu peux voir que... il y a... En fait, le truc est défoncé. Il y a de la pierre fondue. Fondue ? Fondue. Wow. Tu peux voir que il y a un endroit. La pierre, en fait, il y a de la pierre et du béton, en fait, qui fait comme s'il y avait eu quelque chose. En fait, non, pas quelque chose. Comme s'il y avait eu un corps humain. Putain, encastré dans la pierre. Ouais. À l'intérieur. Ouais. Donc en gros, c'est comme si je vois, en fait, il y a des... Il y a comme, en fait, des empreintes d'un corps humain au sein même de la pierre. Mais qui a été cassé, et du coup... Ouais, je vois. Et c'est de l'intérieur, quoi. Voilà, comme si quelqu'un était sorti d'une tombe de l'intérieur, quoi. Et tu peux trouver des morceaux d'une plaque. Morceaux de plaque. Ouais. Tu trouves trois morceaux de plaque avec des symboles dessus, mais il en manque, en tout cas vraisemblablement. Ils sont transportables ces morceaux ? C'est pas simple. C'est des gros morceaux, ça demanderait vraiment pas mal d'efforts de faire les allers-retours. C'est faisable, je ne te dis pas que c'est infaisable, tu peux carrément, t'as le physique pour, mais ça te demanderait des efforts, et surtout à toi. Parce que, encore une fois, je te rappelle que tu as 6 de force. Oui, j'ai pas du tout de force, parce que en fait, je voulais savoir si c'était des pierres comme ça.
Non, tu pourrais, en fait, c'est la... des... voilà, c'est plus, c'est en gros, la plaque entière fait ça. Ok. Et ça reste de la pierre. Oui, c'est la, donc, la plaque c'est lourd. En pierre. Par contre, tu peux voir que les morceaux, tu les trouves éparpillés, il y en a qui sont encore fixés. Donc, s'il y a des morceaux, ils ne sont pas allés bien loin non plus. Tu disais, Aileen. Je dis à Aileen, fais pas dire Arthur. Je lui fais part, en tout cas, je lui fais part de ça. D'accord, ouais, mais tout ça, elle le sait. Hein, parce que okay, tu lui as dit, on est à portée de voix. Ouais. My bad. Je lui ai dit, on peut éventuellement revenir avec une embarcation, peut-être. C'est faisable. Tu peux acheter et louer. Ne vous mettez pas en danger. On peut essayer de trouver une sorte de bateau. Ce sera plus simple en plus. Vous pouvez le faire maintenant. J'ai un. Il faudrait les embarquer maintenant, si on peut. Je peux pas. Enfin, non. En fait, elle peut rentrer. Tu peux rentrer. Je peux rentrer. Si tu veux rester là 3 heures. Plus. Non, mais sur le bord de la berge, peut-être qu'on trouve une embarcation qui traîne. Je regarde, bien. Mais. Ok. Il y a une embarcation, c'est ça? Il y a une barque un peu plus loin. À la mer. Voilà. Ça se tente, hein. Par contre. C'est qui la voit? Bah, vous la voyez tous les deux. Elle est là. Madame Cavendish, vous pourrez récupérer cette barque. Il faudrait. Vous pourrez. Mère, pourquoi vous avez ça? Ah, mais c'est parce que. C'est moi qui dis qu'on allait prendre un bateau, donc oui, je peux. Ouais. Mais. Bah oui, du coup je le tente, mais après je suis pas très navigation, mais je vais. Vous devez ça, vous devez voir ça, vous devez venir voir ça. Ok, donc. Quelle curiosité. Je tente d'aller avec la barque. Alors tu galères un petit peu, etc., mais avec l'aide du courant, etc., t'arrives à en fait l'amener plus ou moins. Arthur saisit un peu la barque, vous galérez, tu retombes, tu te pètes à moitié la gueule dans la boue en essayant de rattraper le truc, la barque commence à repartir, vous devez galérer, il y a une corde, vous tirez la corde, toi t'essayes de la mettre autour du poteau, c'est trop court, enfin, vous galérez, mais la barque, finalement, est là, stabilisée dans la boue. Du coup, je m'approche et je dis, alors, qu'est-ce que... Enfin... Regardez donc à l'intérieur... Rapprochez-vous. Donc tu vois effectivement que la surface est donc creuse, que ça s'est écroulé, qu'il y a donc les restes d'une plaque avec des symboles dessus et il manque des morceaux. Maintenant, où sont-ils partis? Regarde un peu autour, pas sur les berges, etc., voir si on aperçoit des débris ou pas. Alors, vous comprenez tous les deux sans problème que les débris sont tombés et vraisemblablement sont dans l'eau. Et que pour aller, ils sont retrouvables, mais il faut aller les pêcher. Pêcher, par là j'entends plonger, aller les chercher dans l'eau. Ouais, c'est de la plongée là. Ça reste de la nage. C'est parfait. Non, ça reste de la nage. Ah, parce qu'il y a plongée. Oui. Bah, c'est de la nage, mais visiblement je m'en sors. Non, mais c'est pas ma faute si tu fais un échec aggravé, alors que je t'ai donné un bonus. Est-ce qu'on les aperçoit au fond de l'eau ou l'eau est trop trouble? L'eau est trouble, mais c'est quelque chose qui peut prendre un petit temps en tout cas. Ça vous demandera un jet de trouver objet caché, forcément. Non, mais on est là pour ça. Et puis. En même temps, est-ce que. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'exposer votre raisonnement juste. Vous pensez que c'est quoi, en fait, là, enfin... Eh bien, au vu de la légende qu'il y a autour de ça, on a tous les deux supposé que cette personne a été enfermée dans ce type de sarcophage qui était ce pont. Et on en a presque la preuve, en fait, là. Oui, ça, je suis bien d'accord, mais du coup, on pense que c'est quoi? Que c'est son descendant qui est venu le sortir de là et qui se venge sur les autres, c'est ça, probablement? Probablement, mais et puis on peut pas déchiffrer ce qu'il y a du peu qu'on peut lire de la plaque, on peut pas. Il manque au moins la moitié. Et les symboles qu'il y a dessus, je les reconnais pas. Non. Il faudrait faire étudier ça par la société d'histoire. Ils nous diront forcément. Et puis c'est une découverte archéologique assez fascinante tout de même. De ce que vous en savez, les symboles ne sont pas des symboles normaux, voilà. Et par contre, la plaque, elle, semble récente dans le sens, pas un millénaire, quoi. Les symboles... Centaines d'années.
Les symboles me disent rien non plus. Hein. Peut-être plus. On est d'accord. Non. À vous deux, elle ne vous dit rien. Ok. Bah écoutez, je... Oui, je sais pas, parce que... En même temps, est-ce qu'on part pas sur une piste un petit peu ésotérique, là, quoi? Parce que c'est vraiment juste... Est-ce que son dessin... Bon, c'est pas depuis quand c'est comme ça. On pense plus que c'est probablement un descendant qui s'en prend aux descendants des personnes qui ont enfermé son ancêtre, là. On pense pas que c'est... une sorte de démon qui a explosé le pont, quoi, quand même. Non, je n'irai pas dire tout de suite sur le démon, loin de là. Mon intime intuition me dit que ça pourrait nous faire avancer sur identifier, et que j'ai aussi peur que ce soit volé, voyez-vous, je ne sais pas comment... Mais pourquoi vous... enfin... Plus que de l'intuition, j'aimerais des arguments, là, monsieur. Enfin, je veux bien, mais j'aimerais comprendre pourquoi vous pensez que cette plaque est si importante, parce que on est plus sur une enquête qui concerne des... J'allais dire des vivants, bon, un mort, mais plus récent, mais... Je vous avoue ne pas avoir d'arguments. C'est un... Je suis mes tripes, si vous voulez. J'ai comme l'impression que... C'est important. C'est une drôle de coïncidence tout de même. On parle d'ancêtres, de ce sorcier, et on découvre ici une sorte de sarcophage. Mais ça, on le savait déjà, puisque c'est... Attention, hein, sarcophage, on va plutôt dire mec qui s'est fait bétonner vivant. Emmuré vivant. Oui, voilà. On savait déjà que, vraisemblablement, la légende disait que cette personne s'était fait emmurer vivante. Il s'avère que beaucoup de légendes sont basées sur quelque chose. Excusez-moi, mais je... Enfin, je sais pas, parce que c'est une confirmation de la légende. Probablement, c'était là que Sermon Bishop a été... des gens s'en sont pris à lui, vous savez comment on traitait les sorciers à l'époque. Et du coup, la piste que ses descendants voudraient se venger est certes, probablement, comment dire, plus... Elle n'en est que plus plausible, mais... Allez, on peut chercher la plaque, mais... Enfin, je vous avoue que le fait de partir sur votre intuition, enfin, ce n'est pas très... est-ce là le travail d'un détective, de suivre son intuition? Je ne sais pas, monsieur. Peut-être, oui, non. Notre travail, c'est de suivre les faits, je suis d'accord. Mais il y a, pour moi, une sorte de lien. J'ai bien compris votre intime conviction, monsieur, mais je... On peut regarder, et si on ne voit pas... le reste des plaques là... Il faudrait revenir pour la faire examiner visible, ou envoyer une équipe pour cela. Mais j'ai peur... Voyez-vous, j'ai peur qu'elle se fasse... Je sais pas... J'ai l'impression que quelqu'un voudrait l'emporter. Ces éléments. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous entendez des voix ou que vous avez des visions ou quelque chose? Parce que vous savez, aujourd'hui... Vous voulez aller dans le trou? voilà. C'est... Non, je ne parle pas de vision, j'ai juste d'accord. Ce genre de voilà, ce sont peut-être des légendes, et effectivement, mais ça peut attirer la curiosité de certains, et... Visiblement, ça n'a pas attiré la curiosité de qui que ce soit depuis au moins 30 ans. Donc, regardons autour, est-ce qu'on voit... Voilà, est-ce que, par exemple, l'intérieur du pilier, est-ce que ça fait longtemps que ça a été détruit? Même l'intérieur en soi, je veux dire, c'est pas comme si quelqu'un avait pris une masse il y a 3 jours. Pas 3 jours. Ok. Mais c'est crédible que ça date à peu près au vu de, voilà, une semaine. Ouais, donc voilà, ça a été détruit relativement récemment. Quelqu'un est en train de chercher quelque chose à propos de ça. Alors, attention. Non, rien. Pardon. C'est trop bien. Attention. Rien. J'ai beau pas écouter, d'accord, très bien. Je vois bien que ça a probablement un rapport. Je pense que, très honnêtement, c'était ce descendant qui a voulu chercher le corps de son ancêtre pour avoir la confirmation avant de se venger. Après, si essayer de trouver les plaques, ça peut vous... Hein, parce que je veux pas que vous vous sentiez mal non plus. Ou que... Non. Certaines choses se réveillent si vous entendez. Enfin, s'il y a des. Mais voilà, on va regarder autour si on voit les plaques dans l'eau ou pas.
Voilà. Vous passez donc... est-ce que vous souhaitez passer du temps ou réussir au plus vite? Ikaï, on va faire au plus vite quand même. Ah non, moi je veux juste voir si elles sont là. Si on les voit pas, on s'en va avec celles qu'on a et puis on viendra. Quoi, parce que... D'accord. Au moins prendre ce qu'on peut prendre. Ok. T'en trouves une, Aileen. Après être plongée, tu plonges à chercher à tâtons, etc. Hop, t'en trouves une. Arthur Green, t'en trouves une. Et en fait, tu prends appui avec ton pied. Tu glisses dans l'eau, en fait, en voulant te propulser. Tu glisses dans l'eau. Tu lâches celle que t'avais. Du coup, t'essaies de la retrouver. Et tu te rends compte que c'est pas celle que t'avais. Et du coup, tu remontes avec donc une en ayant trouvé une autre en bas, en fait. D'accord, ok. Voilà. et on pense qu'il en manque encore une en plus là, qu'il a trouvé et qu'il a lâché. Ouais, vraisemblablement, vous avez quasiment tout. Il manque qu'une toute petite partie et qui est celle que tu avais trouvée, Arthur. Donc tu peux la retrouver sans problème en plongeant. J'y retourne. Oui, bien évidemment. Donc vous trouvez effectivement des fragments et ce qui semble être une sorte de nuée de symboles. Enfin, on va dire un symbole fait avec plein de symboles. Aucun ne vous dit quoi que ce soit. Vous pouvez les mettre dans la barque. D'accord, ça prendra un petit temps, mais ça pèse pas une tonne. C'est juste, effectivement, nager avec est compliqué, en tout cas avec la totalité. Donc vous pouvez très bien mettre ça dans la barque, repartir en barque, et essayer... Alors après, il y a un truc qui est possible, vous savez, vous pouvez prendre la barque jusqu'à Arkham. J'allais dire, est-ce qu'on peut pas se déplacer vous via pouvez, la rivière, vous vu pouvez, que, ouais. parce qu'on n'a plus de voiture. On n'a plus de voiture, c'est le meilleur moyen. Très bien. On récupère nos fringues et... qui sont sur le côté. Très bien. On arrête, t'imagines, on arrête. J'imagine trop, c'est quand on va voir Miller avec notre barque. Mais c'est ça que je veux faire. Coucou. Très bien. Donc, Miller. Oula, oui. Arrête ce porno. Donc, tu es en train de... T'as fini, donc tu repars à Arkham PI. Oui, j'imagine, oui. Tu repars. Tu marches sur le pont, etc. Et là, t'entends un le bruit. Pont, tu regardes le pont qui sépare les deux morceaux de la ville, en fait. Enfin, le pont Bishop. Non. Et tu vois, sur le Miskatonic, une barque avec Arthur Green et Aileen Cavendish sur la barque qui te font coucou. Alors, attends. Donc, vous arrivez, en fait, à Arkham et vous voyez sur le pont... Miller, qui... Comme ça, qui vous regarde. Et du coup, vous lui faites coucou. Et du j'éclate coup... de rire. Ouais. Parce que le stress, tout et tout, je dis... Monsieur Miller, venez nous aider. Descendez, venez nous aider, s'il vous plaît. parce qu'on va débarquer, du coup. Oui. Bah, y a des... en bas du pont, à chaque fois, il y a des trucs. Puis il y a un port, y a tout à Arkham. Donc, vous arrivez... et donc, ils sont dans une barque. Ils sont tous les deux couverts de boue. Et trempé et ils ont 6 morceaux d'une plaque de pierre dans leur barque avec des étranges symboles dessus. Et Arthur Green a une blessure ouverte au front. C'est pas moi. c'est vous qui avez renversé la voiture, mais monsieur Miller. Pourquoi vous êtes en bateau? C'est une longue histoire, monsieur Miller. On vous expliquera. Vous pouvez nous aider à transporter toutes les plaques jusqu'au bureau? C'est la plaque du... Je vous sers pas la main. C'est le saut qui est dans le livre? Alors... qui est décrit dans le livre? Oui, c'est possible. Morceaux? Alors, nous sommes allés au pont. Nous avons eu un accident. J'ai hâte d'apporter les morceaux. On va aller jusqu'au bureau et on discutera de ça. D'accord. Donc, vous galérez un petit peu à porter. Vous vous soutenez les uns les autres à porter. Les gens vous regardent dans la rue en mode What the fuck? Genre, il y a une petite vieille qui fait une remarque, etc. en disant Oh, eh ben dis donc, ce n'est plus ce que c'était, hein, la famille Cavendish. Et genre, voilà. Donc, elle me reconnaît alors que je suis couverte de boue et complètement. Ton crédit, ça va dans les deux sens. Ouais, non, d'accord, mais... Mais voilà, mais du coup, après, tu t'en fous, c'est une OSEF. Donc, vous arrivez, la secrétaire est en mode... What? Écoutez, mademoiselle... Ça va? Je sais pas comment elle s'appelle. C'est une longue histoire, ça... Je vais aller me changer.
Oui, t'habites au-dessus. Très bien. Est-ce que vous voulez... vous avez des vêtements de rechange au bureau, Monsieur Green, ou quelque chose ou... Mmh. Bon, j'estime qu'il peut en avoir, oui, il n'y a pas de souci. Oui, bah, je... Voilà, je dois avoir une vieille chemise. Ou pire, t'es en Marcel. Ouais. Vous voulez que je m'occupe de votre blessure au front, Monsieur Green? Justement, j'avais demandé à la secrétaire si la boîte à pharmacie était pas loin. Merci, ouais. Monsieur Miller. Très bien. Monsieur Miller... Je vais aller chercher la boîte à pharmacie pour essayer de le soigner. Essayez. Ça fait longtemps. Ah. Du coup, il arrive, il commence à faire. Je pense qu'il faut recoudre. Il plante le truc au milieu de la plaie. Toi, t'es là, tu fais mais qu'est-ce que vous faites? Et t'entends le sur le crâne, tu vois. Il fait non, alors attendez. Hop, ça resaigne et il tamponne avec le tissu et tout. Et en vrai, t'as beaucoup plus mal qu'avant. Monsieur Miller, je redescends de mettre changé. Ouais, et tu vois qu'il est. Il y a Miller, les mains pleines de sang. Arthur Green qui est en mode mais arrêtez, mais vous êtes fous! Et du coup, t'as Miller qui est en train de tamponner le truc avec une seringue, enfin pas une seringue, mais une aiguille pleine de sang et tout. Et t'as la secrétaire qui est à côté qui fait Je rassure la secrétaire et je prends le téléphone pour essayer d'appeler le docteur de famille pour que. Du coup, le docteur arrive, assez vite parce que du coup, il croit que c'est une urgence. Il fait qu'est-ce qu'il y a, madame Cavendish? Qu'est-ce qu'il. Ah non, j'ai pas dit que c'était une urgence! Non, mais lui, il pense que c'est une urgence. D'accord, je tiens, mais je voulais pas vous... C'est pas... Enfin, c'est... Monsieur Green est... Enfin, oui, voilà. Ah! Est-ce que vous pouvez le... Il arrive. On a besoin d'un vrai docteur. Il fait pas de soucis. Prenez ça juste 2 secondes, mettez-le dans votre bouche, hop, et il fait... Il te plaque le front, il resserre, et il fait... Hop, et voilà. Tac, hop. Et ben voilà, bon, faites attention, désinfectez, etc. Et on se revoit dans quelques jours quand ça aura cicatrisé, hein? Et toi, Miller, il te regarde, il regarde tes mains, il te regarde ton visage, et il fait... il part. J'ai nommé Monsieur Miller, c'est... Merci d'avoir essayé. C'est la pire journée de ma vie. Je précise, Green, ça fait longtemps que j'ai pas... c'est sûr, t'auras une cicatrice à vie. Putain... Ta cicatrice sur le front, en forme de d'éclair. Et non, je plaisante. Mais t'as une cicatrice, mais pas. Merci. Bon. Quelle folle journée. Du coup, pourquoi vous êtes revenu en bas, toi? Alors. Je vous laisse expliquer, Madame Cavendish. Oui, alors le pont, il n'y a plus de pont en fait. Comment ça? Sauf que j'ai pas vu qu'il y avait plus de pont. Et il n'y a plus de voiture non plus. La voiture est au fond de l'eau là. Mais le pont est détruit, mais. Le pont est détruit. Ils ont pas barré la route, les autorités. Si, ils ont mis un panneau qui. Mais ils ont pas barré la route. Du coup, ouais, j'étais distraite, c'est entièrement ma faute. Voilà, j'étais trop violente, j'étais trop distraite, je conduisais un peu en. Sans trop penser, et voilà, j'ai même pas vu le panneau dont vous parlez d'ailleurs. Voilà, on va considérer que ce que je vous ai demandé comme un service par rapport à au fait de l'accident, et puis voilà, je ne regarderai pas. Merci en tout cas. Vous m'avez demandé un service pour l'accident, quoi? En gros, l'idée c'est d'avoir d'avoir récupéré cette plaque, c'est un service par rapport au fait que t'as mis la bagnole dans la flotte. Excuse-moi. Pas de problème. Et du coup, la colonne dont parle enfin, vraisemblablement, quelqu'un y avait été emmuré, quoi. Enfin, c'est la légende et pas une... C'est pas une légende. Il y avait quelqu'un qui était emmuré là. Ah. Voilà, et cette plaque était à l'intérieur. Voyez-vous, Monsieur Miller, ça s'est bien passé avec Monsieur Peabody? Oui, j'ai trouvé plusieurs noms, oui. Effectivement. Eh ben, c'est bien ça, Monsieur Miller, parlons-en. Il y a 7 noms qui sont ressortis parmi les témoignages. Enfin, 7 en comptant ceux qu'on a déjà. Donc, si on enlève Jeremiah Crane, Jebel Noise, Ethan Williams, si, les autres personnes sont Peter Ames, Elihu Phillips, James Pierce, Elihu Phillips. Ouais. T'écris ça comment? E-L-I-H-U. Ouais, ok, oui, d'accord. Phillips? Ouais. Phillips, oui. Ok. Et James Pierce. Il n'y en a pas un quatrième, vous avez dit? Et un quatrième? Ouais. Ah oui, Alan White. Alan. Est-ce que... Alan.
C'est des noms de famille assez communs en plus. White. Mais il se trouve que Monsieur Peabody connaît le fils de Monsieur Phillips. Et il m'a donné son adresse, donc son fils qui s'appelle Retribution. C'est pas son fils, hein, c'est son descendant. Ah, un descendant, j'ai compris fils. Ça ferait, son ça descendant ferait, en ce cas. Ouais. Retribution. Oui, c'est vrai que ça fait un peu vieux pour un fils. Retribution, c'est son prénom ? Oui. Oui, c'est un vieux prénom. C'est comme, oui, comme t'appelles les gens purification parfois, hein, ça. Du coup, voilà, c'est son descendant fils. Et il m'a donné son adresse. Vous savez, les gens très religieux ont parfois des idées un peu étranges. Donc, en espérant que cette personne soit... Ça reste une... Bah, ils ont leur témoignage... En tout cas, leur témoignage était très... comment dire, très précis, était très, très touffu. Enfin, ils avaient beaucoup apporté en témoignage, donc il est fort probable qu'il fasse partie de... Enfin, que son... D'accord. Que... Oui. Que son ancêtre fasse par et fait partie du groupe, du coup il est fort probable qu'il faille aller lui rendre une petite visite ou prévenir la police. Est-ce pour que... peut-être est-ce qu'elle le mette sous surveillance. On n'appellerait pas l'inspecteur Stocky. En tout cas, on pourra pas le surveiller. Oui, pas surveiller Monsieur Phillips. Mais peut-être que la police pourrait surveiller justement ces personnes-là, et au moins peut-être... Ah, mais c'est... On a qu'une seule personne pour l'instant. Seul, oui, parce justement. Que vous n'avez pas la... Et puis même, au-delà de ça, ouais, non, vous n'avez pas la police de votre côté. Hein. Vous avez juste Stucky. L'inspecteur, Stucky, oui, c'est oui, tout. Oui, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on appellerait l'inspecteur Stucky. On bien d'accord. C'est pas d'accord, c'est pas la police. Oui, mais après lui, là, vu que c'est un inspecteur, il a quand même... Oui, mais il peut pas dire, enfin, aller surveiller des gens random. Oui, c'est vrai. Une personne, c'est faisable. Deux personnes avec lui, non. C'est faisable. Mais on peut le prévenir, oui, histoire qu'il soit au courant, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Et ça pourra même confirmer quelque chose par la suite, si c'est avéré. Que... Bah c'est ça. Ou pas, hein. Du coup... Ah non, si ça l'est pas, il se dira juste qu'on est fou, c'est pas grave, je pense qu'il le pense déjà. Donc... Prévenir Stocky qu'on a quatre noms, enfin du moins un nom qu'il faudrait surveiller, c'est déjà bien. Ça serait intéressant pour lui et pour nous. Parce que ça peut être une potentielle victime, ce descendant. Vous voulez que je Oui, que oui, je c'est, bien, c'est ça qu'on dit. Ouais, s'il vous plaît, Monsieur Miller. Merci. Stocky. Du coup, la réponse, en fait, c'est que vous tombez sur quelqu'un qui vous explique qu'il est en congé. Depuis combien de temps ? Bah, là, il est en congé aujourd'hui et demain. Ouais. Samedi, c'est pour ça. Samedi et dimanche, il est en congé. Ah. Je suis dit. Il reviendra lundi. Il travaille où ? D'accord. Bah, il travaille à la police, au en fait. Commissariat. Est... Ah, mais putain. Travaille où, ce monsieur ? Oh, les policiers, souvent. Putain. Au commissariat. Est-ce qu'on peut... On peut toujours Ok, est-ce que vous voulez qu'on aille voir chez Retribution Phillips ? Bah... Laisser un message comme quoi on va chez Monsieur Phillips. Mais par contre... Bah, on peut pas lui laisser un message. Bah, il pourra le donner à... Ouais, vous pouvez lui dire à la secrétaire que... Oui, voilà. Laisser un message donc à la secrétaire de Stocky pour lui dire nous avons découvert un nom, un descendant voilà, lié éventuellement aux affaires et on s'y rend aujourd'hui à l'adresse de ce monsieur. Mm-hmm. Prévenir en gros que... Est-ce que je peux regarder Faudra le rappeler lundi de toute façon. Est-ce que je peux regarder dans mon carnet d'adresse parce que du coup c'est des noms très communs quand même mais est-ce que j'ai des gens à Arkham qui s'appellent Hames, Pierce ou White que je connais ça c'est les ancêtres hein, ça. Ah, tu ouais, mais le nom de famille, coup, oui. De nom de famille. Il n'y en a pas qu'un, et c'est compliqué ouais, comme c'est ça. C'est courant, quand même, on est d'accord. Ouais, et puis ça date de quasiment deux siècles. Hein. Ah non, mais les noms, non, en non, soi, mais elle noms cherche famille. Les noms, en fait, les noms de famille. Oui, du moins, les témoignages qu'on a datent ah, d'il y a oui, deux siècles. Ça, oui, c'est Donc, sûr. Oui, le... mais je cherchais les noms de famille pour voir si... C'est... Les descendants, bah, y en a plein, du coup, ouais, s'il y en a. Après, ouais, vous savez pas, peut-être que c'est... Par, j'ai ça, une famille, c'est, voilà, fait, c'est ouais. Genre, moi par exemple, des robinets, j'en connais certains qui sont connus et qui voilà. Sont pas du tout de ma famille. Mais c'est-à-dire que s'il y en avait eu un dans toute la ville, ah ouais, non. Ça, là ah, ça vaut le coup, logique. S'il y en a plein, ça vaut pas le coup. Aucun problème avec ça non plus. Très bien. Je voudrais faire une copie des symboles de la plaque que l'on a, s'il te plaît. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut les comparer on avait des symboles où ? Dans le journal, non ? Ah bon ? Non ? Non. Non. Non, non, tu as fait une copie. C'est pas toi, Miller, qui a dit tout à l'heure les symboles du livre, je sais pas quoi ? Non, qui sont mentionnés. Non, ils sont ah, mentionnés. Qui sont mentionnés dans le livre, ok. Il y a un pilier avec... Donc un... oui, ah, effectivement, tu peux les reproduire, enfin, même compléter un petit peu ceux que, tu sais, qui sont pétés par la fissure, quoi, au mieux. Maintenant,
Est-ce que c'est parfait? Est-ce que machin? T'en sais rien. Non, mais au moins j'en ai une copie et on pourra la montrer au. Certainement la société. Armitage ou la société d'histoire? Pour moi. Aileen, je parle en tant qu'Aileen là. C'est... Alors. Je pense que. Pour les deux, oui. De toute façon, ça devra attendre lundi. Oui, quoi qu'il arrive. Oui, oui, mais. Mais. Je pense que la société d'histoire d'Arkham, les symboles bizarres, c'est pas forcément leur domaine de prédilection. Oui, ils connaissent plus en histoire, alors qu'apparemment... Mais le professeur Armitage s'y connaît aussi en langage étranger, en livres rares, etc. Donc à mon avis, il est une meilleure piste. Mais... Il faudrait quoi qu'il arrive aussi, rendre cette plaque au service archéologique. Ce n'était pas un trophée que je souhaitais récupérer, je voulais juste, voilà... pour qu'on s'organise pour rendre ça, je ne sais pas, un musée par exemple ou ouais, l'université peut-être, parce que du l'université... coup le département de n'était pas un bien personnel quoi, de l'université. Que faites-vous? Il est quelle heure? Parce qu'on a mis du temps là. Ah là, le temps de recopier le truc, etc. On est le soir, hein. Vous avez passé toute l'après-midi à ramener les pierres, à vous nettoyer, le médecin, discuter de tout ça, recopier les symboles, tout ça, tout ça. Ça a pris du temps. Travaille-nous le dimanche. Vous pouvez travailler le dimanche, hein. Vous avez le droit. Hein. Attention, je ne vous oblige pas. Hein, moi. Vous n'êtes pas payé de toute façon. Donc... Bah écoutez, on va... Vous allez voir, la seule chose que vous pouvez faire... C'est bon, c'est certes, soir, chercher les trucs, mais après, vous pouvez aller voir, effectivement... La maison de Retribution Philippe, ouais. C'est faisable. Ça se fait pas trop, le soir. Ah non, pas le soir, le dimanche. Ah oui, le dimanche, ouais. Oui. Non, le soir, non, c'est chaud. Non, c'est ça, j'allais dire, non, ça se fait pas trop, hein. Oui. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier le soir, ou... Contactez une entreprise pour récupérer votre voiture. Bah, c'est ce que En fait, là, je veux juste aussi en racheter une autre. Ouais, mais pas pareil, hein, le dimanche, ça va être compliqué. Oh! Mon vendeur de voiture, il me connaît bien. Ah, c'est pas la première fois. Que j'achète une voiture, non. Que vous en plantez une. Bah si, figurez-vous. Ah. J'ai un misogyne en plus, monsieur Green, c'est... C'est bien. Pas du tout. Non mais si, le soir, moi j'aimerais faire quelque chose, s'il te plaît. Ok. C'est pas un secret en fait, finalement. Je sais pas. Non, mais trop tard. Vas-y. Est-ce que. Tu veux les égorger? Quoi? Tu veux les égorger et lui crever les yeux? Je pense plutôt les empoisonner. Comme ça. Est-ce que. Je peux. Bah non. Parce que je dois pas avoir une bibliothèque de ouf non plus chez moi, quoi. T'as une bonne bibliothèque, mais c'est pas une bibliothèque incroyable non plus. Après, dis-moi, hein. Je voulais essayer de faire des. De chercher. Des trucs sur le révérend Howard Phillips, mais je pense que ça va servir à rien là. Bah, je veux bien tester, mais. Non. Parce que le mec disait que ça lui disait quelque chose, du coup je me disais, mais en fait non, je suis chez moi. Ah bah. Howard Phillips, oui, ça veut dire quelque chose parce que ça. Ça a un rapport avec le nom, en fait, que vous avez. Bah oui, le nom de Eliu Phillips et Retribution Phillips, d'accord, mais le. Ah, c'est pour ça que ça lui disait quelque chose, en fait. À Peabody. Ok, bah tant pis. Et bah du coup, je pleure la perte de ma voiture et... Très bien. Je vais dormir. Le dimanche arrive, et donc vous allez en fin de matinée, comme il est poli, voir donc à Stoughton Road, s'il y a effectivement... un Retribution Phillips, donc vous cherchez et effectivement vous trouvez une vieille maison, une petite maison, mais vieille maison hein, qui doit dater quand même. Et donc vous arrivez et donc il y a un vieil homme. Quand je dis un vieil homme, c'est peut-être une des personnes les plus âgées que vous avez vues de votre vie. Oh. Qui répond. Oh, oui. Il a vraiment, vous savez, des yeux où tu vois à peine ses yeux, c'est des grosses paupières. Avec quand juste du noir, tellement elles sont épaisses. Et voilà, il a un très gros nez, des grandes oreilles poilues. Il a vraiment, voilà, il est son crâne avec des marques voilà, très ridées et il a quelques dents. Donc, voilà. Mais il n'a pas l'air méchant. Hein. Il est...
Je me tourne vers Miller parce que c'est lui qui a fait les recherches et qu'il a l'air de bien s'en sortir pour être plein de tact. Bonjour, monsieur Phillips. Je vois Jesse réagit, quoi. Qui c'est qui quoi ? Bonjour, monsieur Phillips. Ça, je ne veux pas, merci. Monsieur Phillips. Attendez. Ouais, mais qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Je me présente, je m'appelle monsieur Miller. Voici madame, mademoiselle Cavendish et monsieur Green. Nous sommes venus pour vous poser des questions sur votre ancêtre, monsieur Phillips Elihu. D'accord, et donc ? Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de votre ancêtre, monsieur Elihu ? Eh bien, je sais, oui, vous parlez de ce qu'il a fait par rapport au pont. Oui, donc vous êtes... Exactement. Non. D'accord. Et vous y croyez, vous, à ces histoires ? Écoutez, ce n'est pas si j'y crois ou pas. Attendez, deux secondes, je regarde juste un truc. Tu lui fais faire des jets de écouter à chaque fois ou quoi ? Oui. Oui. Ce n'est pas une question d'y croire ou pas, c'est ce que m'ont expliqué, et bien tout simplement, mes parents et grands-parents. D'accord. Donc, il n'y a personne d'autre qui est venu vous poser des questions sur votre ancêtre à part nous ? Non. Vous n'avez pas de fils ? Je parle plus fort du coup. Non, malheureusement... Je n'en ai pas, non. Je crois, est-ce que votre ancêtre aurait tenu un journal ? Ou vous auriez des... Mon quoi qui quoi ? Un journal. Oh, je suis déjà abonné à la Gazette, vous savez. Allez-y, ça a l'air de marcher mieux. Est-ce que monsieur Liu tenait un journal personnel ? Eh ben, écoutez, je ne savais pas. Merci. Vous pouvez nous le fournir ? Je crois qu'il n'a pas entendu ça. Fournir quoi ? Le journal de votre ancêtre. S'il vous plaît. Oh ben, je ne sais pas. Ben, vous parlez de quoi, du coup ? De quel ancêtre ? Elihu, je ne pense pas qu'il ait écrit grand-chose. Alors après, il y a effectivement... Le révérend, à ce moment-là, vous parlez peut-être de Ward Phillips. Ward Phillips, oui. Vous avez ses livres ? Je ne sais pas si... Du coup, il fait, si vous voulez chercher peut-être, mais là, moi, ce n'est plus ça que je peux... Donc, c'est une petite maison, donc il vous montre, et donc c'est un peu en bordel, machin. Donc il bite pas grand-chose, et puis il voit rien, hein. Vous voyez bien qu'il essaye de chercher la porte quand il essaie de la fermer. Il la cherche avant. Je la ferme pour lui. Dès que j'ai une seconde, je les mets à part. Miller et. De toute façon, t'inquiète, il t'entendra mais, pas. Mais même, on sait jamais. Parce que tu vois, il va faire un jet d'écouter à ce moment-là. Oh, et il va faire une réussite critique. Pile poil. Ça serait trop bien. Je t'attends. C'était un échec critique, donc non. Bon. Révérend Howard Phillips, c'est son ancêtre, le fameux bouquin Thaumaturgie, vous en avez parlé, vous vous souvenez ? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis oui, est-ce qu'on peut rentrer voir les bouquins ? Vous cherchez ? Totalement. Monsieur Miller, il cherche parce qu'il a plus de trouver objet. Je cherche aussi direct le bouquin, dans sa bibliothèque dans tout. Alors toi, tu cherches dans la bibliothèque, Arthur, tu vois plein de trucs, mais pas ça. Du coup, Miller, toi, tu cherches un peu ailleurs et tout, et d'un coup, en fait, tu te rends compte que... Attends. La porte d'entrée... Et tu regardes, et en fait, ce qui sert de butoir à la porte d'entrée est effectivement les prodiges thaumaturgiques, mais une copie genre héros. Un peu pourrave, etc.
Je montre le livre à Green. Et qu'il était en train de chercher dans la bibliothèque. Bien joué, monsieur Miller, je savais qu'on pouvait compter sur vous. C'est un coup de chance, je pense. Très bien. Vous arrivez vraiment bien à trouver les objets cachés. je regarde Green et Cavendish, j'ai fait pour... mais on fait quoi pour la sécurité de... Je vous ai fait un petit truc à grignoter. Et vous voyez que c'est pas... Enfin, ça a l'air d'être du pain un peu moisi et... Oh. Bon, de toute façon, on peut le prendre et faire semblant de le manger, il voit rien. Tenez. Sa sécurité, il va crever dans 2 mois. Il y a plein de putain de miettes qui tombent par terre quand il vous le tend. Merci, monsieur Phillips. Merci. Ça, c'est bon. Ça, c'est de la brioche. C'est du pain. J'étais plus jeune, je mangeais de la brioche sur les bancs, parce qu'à l'époque, on était plus calme. C'est vrai que tout va vite maintenant, il y a des voitures, il y a des avions. Moi, à mon époque, c'était plus tranquille, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, monsieur Phillips, quand vous étiez jeune à l'époque et que vos parents et vos grands-parents vous racontaient des histoires, ils vous disaient quoi sur le pont ? Oh, le pont, j'y vais pas, là, vous savez, le vieux Bishop. Il me disait, je m'en rappelle, le vieux Bishop, faut pas y aller, quoi. Apparemment, c'était pas une bonne personne qu'ils ont enfermé là-haut. Bah oui. Prenez. Il te tend un morceau de brioche. Enfin, de brioche. C'est de pain moisi. Ben, je le prends. Mangez. Il lève ta main vers ta bouche. Tu vois ce que je veux dire ? Mangez. C'est bon. Je le fais passer à côté de ma bouche. D'accord, et je le mets dans ma poche parce que... Alors, ça a un petit goût. Ça, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Enfin, on inventera l'expression plus tard. Je l'ai dit, mais c'est qui Proust, hein ? C'est votre ami ? Oui. J'appelle ça la brioche de... la brioche de Ward. De Phillips. Bah merci beaucoup, monsieur. Écoutez, vous nous avez déjà beaucoup aidé. Faites bien attention à vous et surtout, voilà, fermez bien la porte le soir. Vous savez, hein, c'est plus que c'était les rues d'Arkham. Vous le disiez vous-même. Vous avez bien raison, mais je la ferme toujours. Et du coup, c'est il bien. Ouvre la porte et la porte se tape contre le mur et il y a un des carreaux qui tombe et qui se casse par terre. Parce que du coup, il n'y a plus le bouquin pour arrêter le... Oh, ben mince, j'avais mis un truc pour arrêter. Où est-ce que je l'ai mis ? Je prends vite un bouquin et je repose. Ouais. Et il te voit pas faire. Alors que tu le fais devant lui. Il fait... Ah ben il est là pourtant. Non. Vous l'aviez... J'ai dû par inadvertance lui mettre un coup de pied dedans, monsieur. J'en suis désolé. On va appeler une entreprise pour votre fenêtre. Oh, c'est pas la peine, vous faites pas de soucis, j'en ai d'autres là. Et il te montre des assiettes. D'accord. Eh ben, on y va. Merci, monsieur Phillips. Merci monsieur Phillips. C'est trop bien, si tu réussis déjà au moment où ça sert à rien. Ah, ben merci à vous, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de compagnie, parce que vous savez, quand on a 100 ans, comme moi, ce n'est pas facile tous les jours, hein, des fois... Oui. Voilà, même se lever, ça demande un effort, alors... Ça durera plus très longtemps, vous inquiétez pas. Et monsieur Phillips, avant de partir, est-ce que vous avez des amis qui s'appelleraient Pierce ou White ? Putain, mais vous faites tout le temps 8. Trop bien. Ça ne me dit rien, non, du tout. Ou Ames ? Non. D'accord. Tu veux dire, eh ben, dire 7 noms. Ou Pierce ? Ah ben non, ou White. Du coup, vous partez, vous le laissez et... Il essaye de... Il commence à essayer de trouver la vitre. D'accord. Et on va du coup, déjà, ça lui fera de la compagnie. Et je le paye, on s'en fout, mais... Il risque pas de recevoir une visite d'ici... demain. Vous voulez faire le guet ? Parce qu'en même temps, on en a... Vous savez, je suis pas un... pas un homme de combat. Mais... Si je fais le guet, je pense pas pouvoir faire grand chose si le tueur vient. Non, mais par contre, je voulais dire, est-ce que vous voulez qu'on fasse, enfin, que tout le monde, est-ce que vous voulez que, voilà, qu'on envoie quelqu'un de l'agence faire le guet, je sais pas.
ce qui me chagrine, c'est que la copie qu'on a des produits somaturgiques, ce serait pas ça qui cherche l'ancêtre, enfin notre tueur. C'est pas de quoi ça qui parle cherche. Déjà Non, c'était Carnamagos. C'était mentionné dans le journal d'Ethan Williams. Ça a été mentionné juste par Monsieur Armitage. Je crois pas qu'il y ait un grand rapport avec l'enquête actuelle. Que ce livre n'existait pas encore. Ce livre a dû être écrit après toute cette histoire. Mmh. Ouais, mais putain, c'est pas ça qu'il cherche. Il manquait pas. Ce livre-là ne manquait pas à. N'a pas été volé quand on a été chez Williams. Non. Ok. Non, il y était. Ok, donc c'est pas là. On est d'accord. Donc c'est pas ça qu'il cherche. Mais bon. Va lire. Il faut le lire ce bouquin. Parce que. Ouais. Oui. J'aimerais le feuilleter pendant. Est-ce que c'est la meilleure idée? De quoi? Par rapport à la bibliothèque. Je pense que Monsieur Miller. Ouais, il faut bibliothèque pour lire un livre. Ah bah non, mais pour le lire rapidement, oui, sinon ça prendra du temps, cette vieille anglais. C'est pas. Voilà. Ah ouais, donc c'est du. Ouais, j'arrive pas à le. Bah, tu peux le lire, c'est juste. Ça va te prendre genre 8 heures et lui ça va lui prendre une heure. Non, ça lui prendra pas des heures. C'est pas une terme d'heure, c'est un terme de jour. Même là. Je précise. Même avec les compétences de Miller. C'est un gros pas, livre. C'est pas le sujet principal de l'enquête, là, donc peut-être qu'on peut le confier à Monsieur Miller. Il peut faire Alors, je précise, c'est pas le sujet principal de l'enquête. Ça parle de la sorcellerie en Nouvelle-Angleterre en mettant un accent sur la zone de la vallée de Miskatonic. Donc après, c'est vous qui voyez. Mais du coup, c'est sur la guérison, vraisemblablement, comme bouquin, donc c'est peut-être pas non plus. Prodiges thaumaturgiques dans la Canaan de Nouvelle-Angleterre. Ça veut dire les prodiges de guérison, donc. On n'est pas sur le. C'est la guérison miraculeuse, thaumaturgie, d'ailleurs. Non, c'est pas ça? C'est toi qui vois. Thaumaturgie, c'est juste une forme de magie. Hein. Oui, c'est pas la thaumaturge qui fait des miracles. Je croyais que thaumaturge, c'était des miracles sur la guérison. Plus des prodiges miraculeux. C'est des miracles, c'est tout. C'est de la sorcellerie, plus ou moins. Mais c'est tout. Ben, on avait... Ouais. De toute façon, après, demain, il faut contacter... Comme vous voulez. C'est vous qui voyez, si vous voulez pas chercher ça, cherchez pas ça. Oui. Pas mais est-ce que ce serait... Moi, je On peut le confier à Monsieur Miller pour qu'il le fasse en temps... Oui, Je ne connais pas Monsieur Armitage, mais est-ce que vous pensez que c'est qu'on peut lui faire confiance et étudier à deux? Ça permettrait d'aller plus vite. C'est Monsieur... Peut-être qu'il n'en a peut-être rien à foutre, Monsieur Armitage. Mais voilà. Peut-être qu'il n'en a rien à foutre aussi. C'est pas chez lui, en tout cas, c'est pas lui qui vous en a parlé. Hein. C'est un des livres qui avait été volé, qui était présent chez Williams, et c'est un livre qu'il a reconnu. Ouais. D'accord. Exactement. Voilà, Monsieur Armitage m'a mentionné ce livre dans la liste des étranges titres qu'on avait récoltés de Madame Williams. J'avais c'est d'ailleurs un livre qui parlerait d'incantation de foudroiement, si ça vous rappelle quelque chose. Ce sont les mots interdits et les incantations, ce genre de choses-là, effectivement. Donc, du coup, est-ce que Miller cherche dans ce bouquin? Oui, non. Qu'est-ce que je cherche? Non, est-ce que tu cherches dans ce bouquin, généralement? Est-ce que tu lis? Je vais essayer de... Oui, d'accord. Bah, du coup, je pense. Hein. Du coup, vous ne faites rien d'autre ce dimanche? Non. Moi, j'ai mes activités habituelles le dimanche, donc je vais faire mes occupations. Donc, le lundi matin arrive, mais avant, nous faisons la pause. Ah. 22h. Attends, mais je vais aux toilettes. Moi, je vais y aller après. Allez. Allez. Parce qu'on parle du mythe des rois thaumaturges, rois anglais et français qui étaient réputés soigner certaines maladies par le fait de toucher les malades de manière miraculeuse. Ah oui, c'est à ça que je pensais. C'est Louis XIV qu'on appelle roi thaumaturge et qui guérissait les écrouelles. C'est pour ça que je pensais. Mais c'est généralement des miracles. Après, c'est pas la thaumaturgie. En plus, je crois même que c'est dans Donjons et Dragons qu'ils en parlent. C'est un tour de magie dans Donjons et Dragons qui te permet de faire pas mal de petits trucs. Ouais, mais c'est sympa. Ouais, c'est des miracles. J'ai été trompé par les rois qui tripotaient les malades avec des écrouelles pour les guérir. Pardon. C'est pas grave. Hein, on a tous le droit de se tromper. On a tous le droit de se tromper. Dimanche 17, nous avons visité notre cher Monsieur Phillips. Oui. Je profite de la pause pour poser une question aux essuies. Est-ce que l'enquête des jeunes campeurs est liée à cette enquête? Béni des dieux, pour l'instant, non.
Ils ont résolu l'énigme, enfin l'énigme, l'enquête des jeunes campeurs. Il reste, vous inquiétez pas, il reste plein de trucs qu'on n'a pas découvert. Hein. Par exemple, première enquête, on a un cadavre d'un vagabond non identifié. Mm-hmm. On a ensuite, d'ailleurs, il faudrait que... Ah, pendant qu'ils sont pas là, putain, pendant qu'ils sont pas là, le dimanche, est-ce que... Ah putain, non. Non, c'est hors de la pause, on peut pas en parler. Puis Stucky, de toute façon, Stucky... Ouais, mais même, on parle pas. Il est pas là, quoi qu'il arrive. On parle pas de la partie pendant la pause. C'est illégal, monsieur. Bon. Non, mais c'était parce que, de toute façon, c'est Stucky qu'il faut que je demande, donc il est pas là. Donc je pouvais pas le faire le dimanche. Moi, j'ai une question, il y a un problème depuis le début, et Broski, il a pas vu, mais enfin, le coup de la porte. Putain, vous me saoulez du cul avec ça. Ne vous inquiétez pas, c'est mon PC qui a fait poudoudoum. Là aussi. Poudoudoum! Ça biche les gens. Du chat. Je trouve que Maxime joue bizarrement. C'est vrai. Hop. Oui, je vais aux toilettes aussi. Toujours pas vu que leur Outer Space, moi. Le nouveau film avec Nicolas Cage. Nichola. Et j'ai toujours pas. Tu peux venir sur le chat pendant la pause ? Oui, pas de soucis. Je suis au boulot, vous êtes mon divertissement du soir, merci. Ah, cool. Je propose de renommer l'agence Arkham PI en Enquête du Slip. Ça sonne mieux, je trouve. Salut le Nicureuil. Ça me donne vraiment trop envie d'en faire. Le Nicureuil, faut pas hésiter. Hein. Du JDR, ça peut se faire à distance. Merci, chef de FNIR. Un avis sur Tales from the Loop. Alors, j'ai vu que l'épisode 1, comme j'ai dit, et j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode 1. Je trouve que c'est parfaitement en accord avec Tales from the Loop. Maintenant, je n'ai pas vu le reste, mais ça n'augure que du mieux. On verra si ça tient, voilà. Un peu déçu, on m'avait promis du mastering avec sucette en bouche et rien. Trop bien. Oh la purge que ça aurait été. En plus, ils auraient rien compris. Ouais, on comprend déjà rien, donc... Parce qu'on est bête. C'est tout dit que je parle comme l'ami attardé mental de Cornaline. Oh non. La pause. Mon dieu. Est-ce qu'ils ont mis des raptors dans la tête sur le loup ? C'est ce qu'on attend. Hein. Moi, avec Delta Green, je me suis équipé en V7 de l'appel de Cthulhu. Delta Green, c'est Delta Green RPG qu'on faisait. Mais du coup, c'est une V7. Comme je vous ai dit, je pense faire bientôt recette pour une sombre machination qui vous aidera notamment à trouver le système de jeu pour vos parties de jeux d'horreur et ou à des parties un petit peu horreur. Et pareil pour vous donner des conseils de jeu, des conseils d'écriture, des conseils de scénario, etc. Voilà. Recette pour une obscure gourmanderie. Merci Gloptopus pour le tip de la maison Corbut. Je l'ai fait à mes joueurs il y a 3 jours. Ils ont adoré. Demain, c'est l'horreur de Lensville. Je ne connais pas ça. Je vais regarder. Après, je connais pas beaucoup les titres français. Et quelqu'un demande, est-ce que The Fall of Delta Green, ça vaut le coup ? Alors, je ne l'ai pas encore lu, malheureusement. Mais il paraît que c'est bien. Mais il faudrait que je demande à... Dame Falche, c'est sur Amazon. Que je demande à voir... comment ça s'appelle Je crois que c'est pas Twelve Monkeys qui le fait, en plus. Ah non, c'est Dead Crow. Il faudrait que je vois avec Dead Crow. Faire un partenariat là-dessus, ce serait sympa. L'horreur de Lensville, c'est là pour Cthulhu Dark. Je ne connais pas du tout. Je regarde vite fait. Prime Vidéo. Il me le propose. Tales from the Loop. Recette pour une sombre machination, on dirait une émission de cuisine avec des plats sur des thèmes horreur-conspiration.
Ça peut être pas mal, hein. Ouais. C'est peut-être ce que je vais faire moi, du coup. Confiné. Non, ça me dit rien du tout. J'ai pas fait ça. J'ai jamais lu. Ça a l'air cool, là. C'est du... Putain, j'ai jamais vu. Ça a l'air sympa. Ouais, je sais pourquoi je l'ai jamais lu. Je n'en dirai pas plus. Non, désolé Pravida, là, cette semaine, j'ai pas eu le temps du tout de m'occuper de tout ce qui est pas pro. J'ai pas... J'ai mis de côté, je suis désolé, mais là, en ce moment, mes journées se résument à un peu me lever, travailler et ensuite me coucher. Et faire du damage control, quoi. Donc, voilà. Bon, on est tous là, Maxime, tu peux y aller. Hein. Je vais aller faire pipi, ouais. À tout de suite. En vrai. Qu'est-ce qu'il dit comme bêtise de chat? Tu manges quoi? Alors, ça, c'est un petit bout de pain. Tu le demandes à moi. Avec brioche, tu veux dire? Oui. Petit bout de pain avec du beurre et du fromage. Et toi, Jesque, tu manges quoi? Une pomme. Une pomme de main? Bon, hop. Alors. Alors, Shade, j'ai pas encore eu le temps, non. Mais ça sera fait incessamment sous peu. Il y a pas mal de trucs à régler aussi de mon côté. Puis je dors beaucoup. Et vous, les gens, vous faites du GDR pendant le confinement un peu? Bah ouais. Par le chat, mardi, hein. Ah, bah super. On est d'accord. Bah, c'est-à-dire, vous, je sais, quoi. Elle en a déjà marre. Enfin, je crois. Elle nous supporte déjà plus. Bah, c'est pour ça qu'Aileen meurt aujourd'hui, du coup. Attends, c'était aujourd'hui ou demain? En fait, elle a échoué son jet de l'accident de voiture. C'était là qu'elle devait mourir. Elle a échoué. En fait, je suis morte. Je suis un fantôme, mais ils vont s'en rendre compte au bout d'un moment. Mon MJ est occupé, hein. Alors, le MJ qui est occupé, excuse-moi, il peut pas vous faire des... Jeu de rôle, c'est interdit par la loi pour le moment. Pourquoi? Parce que Magnus dit mon MJ est occupé. Ouais, mais pourquoi c'est interdit par la loi de que tu fasses des jeux de rôle? Le confinement et tout. Bah, tu peux le faire en ligne. Ouais, mais on le fait quand même IRL et je sais que peut-être pas toute mon équipe a de quoi faire dans de bonnes conditions une partie. Enfin, c'est pas un live là, hein. Un micro et une cam, c'est bon, même si elle est pas ouf. Ouais, mais. C'est, on pourrait le faire, mais ça je sais pas, ça... C'est soit ça, soit rien pendant X temps. Vos lives de Delta Green m'ont donné le coup de me lancer... Ah, c'est cool. C'était il y a longtemps, Delta Green, maintenant. Ouais. Non, pas besoin de câble. Quand j'étais encore attaché à mes personnages du JDR. Bah justement, je suis en train d'écrire une petite campagne pour le confinement. Ah, vous, tu l'aimes bien, en vrai, William Miller, il est mignon. Un bon gamin. Bah, moi j'ai pas eu le choix, j'ai pris les compétences les plus ennuyeuses. Genre bibliothèque, trouve objets cachés. Moi je suis là, je fouille dans des documents pendant qu'eux ils sont en voiture, ils ont des accidents et tout. Non mais par contre, c'est vrai que faire tes one shots. Je vais peut-être faire des one shots. En même temps, sinon bah, vous pouvez boire à la canne, hein, c'est pas interdit ça. Non mais Magnus, je te tiens au courant, peut-être qu'on va essayer de s'organiser un one-shot sur du justement sur du Cthulhu ou des trucs cool comme ça. C'est prêt à être marrant. Et oui, faites du JDR. Et en fait, je disais que là, c'était compliqué par Discord, pas le fait que la campagne qu'on fait est déjà en IRL. Passer sur le côté Discord, ça peut être un peu compliqué. Mais par contre, ouais, si on... Ouais, je sais pas. C'est le côté campagne, j'ai envie de garder cette campagne en IRL. Et on va faire peut-être d'autres jeux de rôle, cool. Sinon, vous remplissez une attestation. Ouais. Hop. Adrien. On fait du JDR, on fait comme bon si courage. On était soignants qui avaient des moyens adaptés à la situation. Ouais. Bah après, vous avez même pas besoin
d'un micro, vous avez besoin d'un téléphone en fait, hein, pour Discord et compagnie. Un téléphone suffit amplement. Hein. Bah oui, en plus. Après, vous mettez des photos, si vous n'avez pas de cam, sinon vous prenez une photo de vos amis, vous l'imprimez, vous la mettez autour d'une table. Ozrin, franchement, pour Tales from the Loop, le mieux, c'est vraiment de l'écrire soi-même. Tous les scénarios que j'ai lus n'étaient pas incroyables, et souvent, bah, c'est carrément mieux, comme le dit, j'allais dire Aileen, c'est ses trouilles. C'est vraiment mieux de s'inspirer de background des personnages et d'en tirer en fait des trucs, et c'est vraiment plus simple de faire ça que de... Après, tu peux les lire, hein, les scénarios, il n'y a pas de souci. Après, quand tu n'as pas l'habitude d'écrire, c'est compliqué. Hein. Bah, en vrai, ça vient naturellement. Tu fais des petites pistes, etc. Mais si tu prends un truc déjà écrit, je pense que ça casse un petit peu le principe. Et tu as des pistes de scénarios dans le bouquin de base qui sont bien. Ce qu'on avait fait, ils étaient cool. Bah ouais, c'était des créas, je crois. Hein. Je sais plus. Peut-être inspiré de trucs, mais... voilà. Bon, c'est con que t'aies donné à Zach le pouvoir de tout détruire, mais après... Je fous. Hop. À la fin de son truc, genre ouais, je donne un coup dans le truc et bah t'as tué tous les aliens. Ah bah d'accord, bah cool. C'était vraiment ça. Et bah au revoir. Hop, très bien. Nous reprenons donc. C'est la fin de la pause. La fin de la pause. Et maintenant, tout le monde quitte le chat. Tout le monde relance la playlist. Je fais semblant de quitter le chat. Synchronisation de la pause. Des montres. Allez hop, on synchronise nos montres. Ça dans Tales from the Loop. C'est synchronisé. Donc nous arrivons le lundi matin, lundi 19 octobre. 18. Oui, puisqu'on était samedi 16. Ah ouais, t'as raison. Dimanche 17, lundi 18 octobre. 18. Est-ce que dans le journal ce matin, il y aurait eu une histoire d'un certain monsieur à Twitter qui aurait été retrouvé? Par contre, vous avez un appel de Stucky. Ah. Wesh. On a trouvé le quatrième. Putain, c'était cette nuit. D'accord, bah de l'adresse, on arrive. 233 Personage Street. Je vous amènerai jusqu'à l'appartement. Au moins, c'est pas Retribution Phillips. Okay. Ouais. Ben, on y va. Ouais. Du coup, vous arrivez. La première chose, celui qui fait, j'ai pas compris, vous avez laissé un message par rapport à quoi? Allez voir un vieux... On vous expliquera du coup, c'est... qui est la victime. Est-ce que le nom de la victime, là, ce serait Ames, Pierce ou White par hasard? White. Fred White. Et voilà. Donc, 47 ans. Bon. Vous vous rappelez l'hypothèse que j'ai émise l'autre jour? Des descendants de je sais pas quoi? La vengeance sur les descendants. Comment vous croyez qu'on savait le nom de la nouvelle victime? C'est comme ça. On a le nom de toutes les personnes qui ont potentiellement participé à la histoire de rite. Il y en a encore beaucoup. Il en reste 3. Il y en a un qu'on a rencontré. D'accord, c'était lui que vous êtes allé voir. Monsieur Phillips. Monsieur Phillips, Retribution Phillips. Il a 100 ans, il est sourd comme un pot, mais il est charmant. Bon. Ça serait triste qu'il lui arrive quelque chose. Il habitait à Sutton Road. Et les noms suivants, c'est Ames et Pierce. Malheureusement, c'est des noms assez courants, tout comme White, donc on n'a pas pu... Alors, on a eu qu'une journée, on n'a pas pu creuser tant que ça, quoi. Ok. On pourrait au moins surveiller toutes les personnes qui... Enfin, quelle serait la Lille qui ont ce nom de famille. Ça fait beaucoup. Non. Il n'y a qu'une personne dont on est sûr. Non, les noms, c'est comme si tu disais là, demain, on va aller à tel endroit et vérifier tous les noms qui ont le nom. Enfin, tous les gens qui ont les Dupont, Martin. Dans une ville. C'est pas bah ouais, mais dans une ville vraiment beaucoup. En plus, de 40 000 habitants. Ouais, merde. C'est une ville, à Arkham. C'est une vraie ville. Ouais, non, mais. Du coup, vous arrivez. Donc, sur le mur, déjà, il y a un énorme 4. C'est quoi le nom de la victime, déjà, le prénom? Humphrey White, 47 ans. White, 47 ans. Sur le mur. Oui. On a de moins en moins de... Il cherche de moins en moins à cacher le chiffre, on dirait. Vous avez donc quelqu'un qui est mort
apparemment, de ce que dit Stucky, d'asphyxie. Donc il est comme ça. La bibliothèque est mise à sac ? Il n'y a pas de bibliothèque à proprement parler dans l'appartement. L'appartement est en bordel ? Il n'y a pas de... Il y a juste des tiroirs quoi, d'une armoire qui ont été tirés et vraisemblablement vidés. Il y a des traces de fouilles quoi, encore. Ouais. Mais il n'y a pas de bibliothèque, donc il n'y a pas de... Voilà. Ouais. Il y a des bouquins qui traînent par terre ou pas ? Non, il n'y a pas de bouquins. Asphyxie, il y a des marques de des traces autour du cou. Donc t'arrives, tu mets tes mains pour regarder et là en fait pas vraiment touche. Enfin, quand, si je touche avec un stylo. Oui, oui, pas de souci. D'un coup en fait, tu sens quelque chose et tu vois de sa bouche un ver rond. Donc c'est des vers voilà qui sort. Un lombric. Et qui sort de sa bouche, qui cherche son chemin, tu vois. Donc tu te recules et qui tombe par terre et qui commence à chigoter par terre. Donc tu es un peu près de recul, vous deux, vous avez juste vu Arthur Green reculer d'un coup et qui regarde le sol. Et donc il y a la créature qui gigote par terre. Ça m'affecte beaucoup ou pas ? Sinon, par réflexe, je peux écraser la bestiole. Ça t'affecte pas trop. Enfin, t'es choqué, mais pas. Okay. Voilà. Est-ce qu'on voit le truc au sol, nous ou pas ? Oui. C'est un verre normal ? Vous n'avez pas les compétences pour dire ça. D'accord, mais c'est pas vert et lumineux et voilà. Non, mais c'est pas un verre de terre. C'est pas un verre de terre. Non, mais ça a pas l'air... C'est typiquement le verre que tu verras, c'est un chat, mais en plus long. Et voilà. Sa chemise est ouverte ou pas ? Non. Est-ce que la créature essaye de se barrer ou elle est au sol et elle meurt là ? Elle essaie de se barrer et elle gigote. Oh, c'est après, ça, elle avance pas, c'est, elle gigote sur place comme ça. Ouais, d'accord, ça peut pas se casser. Non. Il y a des autopsies à l'époque ? Autopsie, oui. Ouais, mais bon. Maintenant, voilà. Je pense que vous pouvez prévenir votre médecin qui va peut-être avoir des surprises dans l'estomac de cet homme. Du coup, inspecteur Stucky, qui est-ce qui a retrouvé la victime ? Eh bien, la victime a été retrouvée, malheureusement, par la suite, par sa femme qui était à Boston et qui est revenue ce matin. Elle avait passé le week-end à Boston par rapport à une tante malade, je sais pas quoi. Est-ce que... C'est pas le même type de verre qu'on a vu avec la seconde victime. Non, c'était des asticots. Non, c'est des asticots. Et là, vous, là okay. Non, mais pas le même. C'est genre... Vous ne savez pas, vous n'avez pas de compétences de zoologie ou de biologie. Non, juste, moi, je veux juste savoir si c'était les mêmes ou pas. Okay. Bah écoutez, voilà. Si vous aviez un entomologiste pour les premiers verres, je conseille que vous emmeniez celui-là aussi ouais. À ce monsieur maintenant. Bonne idée. Du coup, il essaie de le prendre tant qu'il peut dans un... Dans un sac carton, enfin cartonné là, et genre. Ouais. Fais-je pas de bocal. Monsieur Inspecteur Stucky, vous pensez que c'est possible de mettre sous surveillance Bon, je sais qu'il est déjà vieux, mais c'est potentiellement une victime, monsieur. Phillips Retribution. Je peux, mais je pourrais pas le laisser longtemps en surveillance. Si j'ai pas d'argument... Il y avait combien d'écart de temps entre chaque mort ? Là, jusqu'à maintenant, 1 à 2 jours. Écoutez, c'est l'affaire de... Il reste 3 personnes, c'est l'affaire de 6 jours tout au plus. Je pourrais pas pour 6 jours. Je pourrais peut-être le faire ce soir, avec un peu de chance demain, mais pas plus. J'arriverai jamais à justifier ça. Vous dites avoir besoin... Dès que vous pouvez plus, on prendra le relais, quoi. On a la liste des témoignages ? Enfin, d'accord, mais ça... Ça va rien dire. C'est vous êtes en train de me dire que vous avez une liste de gens et qu'il y a des noms qui correspondent, mais on n'a pas de motif, oui, on n'a pas de... Oui, c'est pas suffisant, donc. Pour au moins avoir une journée ou deux en plus. Bah, ce soir, je peux vous garantir qu'il sera surveillé. Mais c'est tout. D'accord, bah, tenez-nous au courant et si vous pouvez plus, écoute, on... Et moi, je vais faire... On prendra le relais. Très bien.
des témoins, des gens, enfin c'est sa femme qui l'a trouvé, mais les voisins ont entendu quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une trace d'infraction, d'entrée forcée? On n'a pas encore questionné les gens de l'immeuble. Okidoki, ben oui. Oui, au fait, pendant que j'y pense, ça semble confirmé qu'il y a un jeune homme qui s'est renseigné, parce que quand nous sommes allés à la société d'histoire dont vous nous aviez parlé, avec Mademoiselle Cavendish, et il se trouve que nous ne sommes pas les seules personnes à avoir posé des questions sur ses noms de famille. D'accord. Un jeune homme était passé avant nous. Qui ça, un jeune homme ? C'est qui m'a refait penser au jeune homme que la servante de monsieur... De Madame Williams Hope, ouais. De Madame Williams Hope avait vu un jeune homme aussi sortir. Donc apparemment, ça semble... On n'a pas réussi à obtenir de nom ou description plus qu'un jeune homme très cultivé. C'était... semble confirmer l'hypothèse de la revanche. Étrange. Et qui aurait cru qu'une histoire de sorcier mènerait à tout ça? Et aussi, écoutez, Inspecteur Stucky, voilà, on est allé au pont, enfin ce qu'il en reste. Ouais. La légende était vraisemblablement plus qu'une légende, puisqu'on a trouvé les traces de quelqu'un qui aurait été emmuré vivant à ce pont. D'accord. Et si je dis ça, c'est parce que c'est les traces, parce que ça a été, comment dire, c'est ouvert, quoi. La colonne, le... Par quoi? Par qui? Aucune idée, c'est très très étrange. D'accord. Sûrement ce jeune homme, j'imagine. D'accord. Écoutez, Miller, ça semblait être l'œuvre de probablement peut-être plusieurs personnes. Enfin, je sais pas. Écoutez, mais juste, tout semble. Enfin, il y a quand même. Écoutez, vous me connaissez, je suis pas superstitieuse, mais il semblerait quand même qu'il y ait un rapport avec ce pont, cette vieille légende, quelqu'un qui veut venger son ancêtre, ça me paraît. Là, ça commence à paraître plausible, quoi. Bah écoutez, le problème, c'est que je peux... Enfin, moi, je veux bien vous croire, mais j'arriverai jamais à convaincre mes supérieurs qu'un sorcier est en train de se balader, ou le descendant d'un sorcier est en train de se balader, pardon. Non, pas d'un sorcier, mais le descendant de quelqu'un qui a été injustement tué. Qui a été accusé de sorcellerie. Qui veut se venger, quoi. Oui, mais même ça, vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas de... Qui sait ? Non, mais on vous le dit. On a le nom de famille de la personne qui a été tuée à l'époque. Qui ça? Bishop, il y a des familles Bishop, il y en a beaucoup. Quoi. Non, c'est Bishop, c'est pas le prénom. Non, c'est le nom de famille. Sermon Bishop. Bishop. Hein, c'est Sermon le prénom. Oui, mais ouais. Ça, c'est le truc de votre légende. Oui, de l'époque. Ouais. Donc, voilà, des descendants des Bishop, il y en a sûrement beaucoup, donc on peut pas vous fournir plus. On vous le dit parce que, du coup, avec ces informations-là, si vous voyez autre chose, peut-être que ça. Voilà, je comprends bien qu'il n'y a ni les moyens, ni les. Enfin, que vous pourrez pas convaincre les gens, mais j'estime que vous avez le droit de savoir. Voilà. C'est. Très bien, que faites-vous? Il a promis qu'il allait surveiller Retribution Phillips ce soir. Pour ce soir. Ok. C'est tout ce qu'il peut promettre. Est-ce que... histoire de verre. Hein. Est-ce que ça vaut le... Ah bah non, on est le soir. Non, on est quel jour là? Non, on est le lundi midi. Midi. Du coup, Armitage, il est plus à son bureau là, c'est plus le matin. Nope. Merde. Écoutez, avec ces histoires de vers, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de consulter ce bouquin sur les vers. Je sais pas, peut-être que le fou, là, le descendant de Bishop, tire ses idées morbides avec des vers de ce livre. Green. Divermis Mysteris. Oui. Oh, il sort d'où ça? Il sort de... Écoutez, Miller, c'est ce que vous avez pas voulu savoir auparavant. Ah. Il y a un livre qui était mentionné dans le journal qui parlait de vers, en fait. D'accord. Mais au départ, évidemment, ça ne me paraissait pas... Ouais, il n'y a pas que ça, il y a quand même... Relevant. Oui. Il y a une des personnes qui a été carbonisée, c'est pas... Ouais, mais on en a deux avec des vers, là, quand même. Ce serait... Voilà. C'est aussi tiré par les cheveux que l'autre livre de thaumaturgie... Je comprends Miller lit. Hein. Mais il est en train de le lire justement, parce qu'en fait, si c'est un fou qui s'inspire de peut-être. S'il pense que son ancêtre est très vraiment sorcier, peut-être s'inspire-t-il d'un ouvrage comme mais ça. Mais tu m'as donné des infos pour commettre ses meurtres. Pour l'instant, non, t'es en train de le lire. Ça, je le disais. Parce que si c'est l'œuvre de quelqu'un qui délire,
Peut-être qu'il se sert de ça comme, comme exemple, vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait je dis pas que t'es un sorcier, il n'y a pas de sorcier. Oui, mais... peut-être que... Et avec les symboles, peut-être aussi, si on faisait traduire ces symboles, peut-être qu'on trouverait la source de, d'inspiration. De... Effectivement, ça peut être ce livre, comme vous dites, ou ça peut être aussi le livre de thaumaturgie. Certainement que les symboles que nous avons relevés au pont nous donneront le lien et l'inspiration. Voyez-vous, si les symboles sont reliés au Vermis Mysteris ou au livre de thaumaturgie, on saurait donc de quel livre il s'inspire. Oui, mais oui. On... Effectivement, ce serait, c'est nos seules pistes et il y a vraiment pas moyen de réussir à choper. Ouais, c'est vraiment trop commun, quoi. Ah bah les noms de famille. Trouver quelqu'un qui sait traduire des trucs occultes. Hein. Et pour trouver les descendants, il faudrait quelqu'un qui puisse rejeter, rechercher effectivement la descendance de quelqu'un. Ouais, il quelqu'un qui... à la société. Mais... Ah, ouais. On peut retourner voir Monsieur Peabody, mais... C'est le seul qui peut vous aider à ça. Ouais. Et il pourrait éventuellement nous faire traduire aussi les symboles. Non, lui, c'est connu en histoire et en généalogie. D'histoire, ils font pas de... Lui, il connaît en généalogie, ouais. En histoire, en plan, lieu, tout ça, surtout. On pourra toujours tenter de lui montrer. Vous allez donc chez Peabody pendant que Miller continue de particulièrement passer sa journée dessus. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah, oui, ouais. Ok, très bien. Bon, ben... Miller. Attends, deux ans, il faut que je me fasse un truc pas de soucis. Spécialement pour le les prodiges thaumaturgiques. Tu n'as pas tout à fait fini, hein. Je précise de lire, tu pourrais passer plus de temps pour finir. Mais, ouais. Tu lis cet extrait. D'autres hommes qu'on pensa s'être ligués avec le démon étaient le dénommé Sermon Bishop de Bad Water Road à Arkham, ainsi que son camarade sorcier Richard Russell. Ce Russell-là vivait à Arkham lui aussi, à l'extrémité ouest de la rue que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Main Street. Tous deux étaient supposés adorer un démon qui vivait sous la terre, avoir passé un pacte avec lui et ne plus pouvoir mourir. Parmi ceux encore en vie aujourd'hui, certains se souviennent de ce Sermon Bishop qui faisait partie des premiers colons de la ville et ceux-là jurent ne jamais ne l'avoir jamais vu vieillir au cours des longues années où il résida ici. Son pacte tordu, disait-il, l'avait rendu courbé et bossu. Des témoins parlent également des actes maléfiques que les deux hommes exerçaient sur les terres consacrées et des blasphématoires résurrections qu'ils y tentaient. Les citoyens d'Arkham se soulevèrent contre lui et d'après certains, le kidnappèrent et le tuèrent, enterrant son corps dans la forêt ou le plaçant dans un sac lesté et le jetant dans le fleuve Miskatonic en l'année de grâce 1752. Russell s'enfuit et on n'entendit plus jamais parler de lui. Est-ce que c'est qui a été mis dans la forêt Soi-disant, c'est Sermon Bishop. Ah ouais, putain, c'est pas très... erroné tout ça. Après, les écrits que vous trouvez sont pas forcément fiables à 100%. Les adresses... Les adresses, c'est Badwater Road, t'en as déjà entendu parler, je le rappelle, et on t'avait dit que c'était pas Badwater Road, le vrai nom. Le vrai nom de la rue, on t'avait dit, ce que t'avais trouvé dans l'autre truc, c'était que Badwater Road, c'est Hill Street à l'heure actuelle. Et ça, c'était l'adresse de Sermon Bishop. Et ensuite, pour l'adresse de Russell, c'est Main Street. Voilà. Ça, j'avais noté, c'est la première adresse qui me manquait. Voilà. Donc ça, c'est celle de Bishop, il oui. Badwater. C'est pas la première fois que tu l'entends. Non. Voilà. C'était à l'arrache, mais ça va, j'ai les principales infos. Un magicien très bossu. Trop bien. Vous êtes mort. Mince. Donc, okay, bah bonne nuit. Salut. A plus. Retribution Phillips, c'est qui nous avait filé l'info? Peabody, hein. Ouais. Peabody. Mais du coup, vous allez voir Peabody. Enfin, vous allez, machin. Vous arrivez, et donc vous êtes accueilli, et donc vous arrivez devant Peabody qui fait « Eh bien, on ne se quitte plus !» C'est-à-dire que vous nous avez tellement aidés. Alors, je ne pensais pas faire autant d'effets aux jeunes dames.
Bah d'ailleurs, on vient vous demander encore un service. Parce que vous êtes au final le... Vous êtes le... Comment dire, historien le plus... Renommé. Renommé sur Arkham. Ah, si vous voulez, en tout cas, des choses par rapport à Arkham ou... voilà, tout ce qui est arbre généalogique, c'est ma spécialité. Effectivement. Donc, Monsieur Miller nous a dit que... Vous étiez également penché sur les témoignages de Peter Hames, James Pierce et Alan White. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez... Donc, et d'ailleurs, vous connaissiez le descendant de Elihu Phillips, Retribution Phillips. Mm-hmm. Un centenaire bien, bien sympathique, somme toute. Est-ce que vous sauriez quelque chose sur les descendants de Peter Hames et James Pierce, par hasard? Vous qui êtes... Je peux passer un petit peu de recherche. Lequel des deux voulez-vous en premier? James Pierce. Très bien. Eh bien, écoutez, est-ce que vous voulez bien m'aider? Oui. Très bien. Bien sûr. Dites, monsieur Peabody, lorsque ce jeune homme est venu vous poser des questions, certainement des questions qui sont similaires aux nôtres, avez-vous mentionné le nom de monsieur Phillips, Retribution? Avez-vous dit ce nom? Bah oui, c'est mon ami, je l'ai conseillé à Miller. Mais au jeune homme qui est venu vous poser des questions? Peut-être oui, je ne sais plus, pour être franc. On a cherché beaucoup de choses, c'est possible. Non, mais je vous inquiétez pas, je comprends. C'était une question... Désolé, hein, comme je vous ai dit, ma mémoire me joue des tours. Il n'y a pas de problème, monsieur. Bah, du coup, on fait des recherches ensemble. Ouais. Et... Donc, à la fin, vous trouvez effectivement que le descendant donc, de James Pierce serait Alexander Pierce. D'accord. Qui a donc 62 ans. Et qui vit à Arkham. Maintenant, où il habite exactement, etc., ça, c'est une autre information. Et est-ce qu'on peut chercher... Ah, vous pouvez trouver son Peter adresse. Hames. Ouh, bah, désolé, mais demain, si vous le et voulez bien. Ça a pris l'après-midi, hein, entier. C'était ma question, d'accord. Putain, c'est une chance sur deux, quoi. Ouais. Très bien, bah merci beaucoup. Bah, on reviendra demain, probablement. Hein, donc. À plus, ma couille. On y va ce soir, tout de suite. Vous pouvez trouver l'adresse dans un annuaire. Enfin, voilà, c'est pas une recherche incroyable. Puisque la police surveille Retribution Phillips, oui, on peut aller voir... Très bien. Alexander, on récupère M. Miller. Oui. Alors, vous prenez Miller, qui a fini, en tout cas, une partie de la lecture. Sous son bras, sous le bras. Nous allons chez Alexander Pierce, M. Miller. Ah, vous avez trouvé... On en a trouvé un. Oui, et ça nous a pris du temps. Il y a eu des infos intéressantes dans ce prodige thaumaturgique. Vous aimeriez vraiment passer autant de temps dans les bouquins, Monsieur Miller? Je vous avoue que j'ai une migraine incroyable. C'est avec ça qu'on apprend plein de choses. Et du coup, Monsieur Miller, vous avez dit que vous avez trouvé... Alors oui, ça parle de Bishop. D'accord. Et de quelqu'un d'autre. En fait, de ce que j'ai pu comprendre... Attendez, je reprends mes notes. Attendez, non! Ah! Il disparaît. C'était lui, Bishop, voilà. Depuis le début. Donc, oui, ça parle de gens, de personnes qui seraient liguées avec le démon, dont Sermon Bishop, qu'on connaît déjà, mais aussi un certain Richard Russell, qui vivait à Arkham, à l'extrémité de la rue Main Street. Richard Russell... Ouais. Et Bishop aussi, il habiterait à Badwater Road, qui est plus connu sous le nom actuellement de Hills Street. Ouais, ça, Hills Street, mais ça on l'avait déjà. Bishop habitait là-bas? Ouais. Oui, enfin, supposé, c'est écrit dans un vieux bouquin après, donc... C'était aussi ce que nous avions trouvé avec Monsieur Peabody. Oui. Sur la condamnation de Sermon Bishop qui habitait à Badwater Road. Ces deux personnes ont été soupçonnées d'aduler un démon qui vit sous terre. Et d'avoir passé un pacte d'immortalité, enfin qui les ont rendus en tout cas immortels, hein. On ne sait pas qu'est-ce qu'était le pacte en tout cas en détail.
Et donc, il y a eu des témoignages, enfin, des témoignages, des on dit, c'est plutôt, on dira, de personnes qui auraient vu Sermon Bishop et il n'aurait pas vieilli au fil des années. Et, mais ce serait aussi, il ferait partie des premiers colons de la ville d'Arkham. Donc, ça remonte. Et donc, son nom de Bossu, parce que le pacte l'aurait rendu courbé et bossu. Et après, bon, après, c'est des témoignages de gens comme quoi ils avaient des actes maléfiques sur les terres consacrées et des résurrections blasphématoires. Mais ce qui est intéressant, enfin, ou plutôt bizarre, c'est que les histoires racontent qu'il aurait été kidnappé, donc Bishop, et enterré dans une forêt ou dans le fleuve Miskatonic en 1752. Mais apparemment, c'est plus dans le... Ça concorde avec la date des témoignages. Exactement. Oui, mais il n'a pas été enterré dans un fleuve. C'est plus dans le pont. Non, mais après... C'est... Et Russell se sera enfui. Du coup, peut-être, n'est-ce pas... Peut-être, est-ce que... Les descendants de Russell qui se... Oui. Ce qui est bizarre, c'est que du coup, Bishop, vous avez pu chercher, il avait une descendance ou... Enfin, il a eu une descendance. Alors, on a pu chercher une des familles, on s'est concentré sur une des familles des victimes. D'accord. Pour essayer de trouver Bishop là où il est. Donc là, on a. La Parce police va surveiller chez Retribution Phillips et on va surveiller chez Alexander. Dans toutes les histoires qu'on a lues, il est fait mention de Sermon Bishop, mais il n'est jamais fait mention d'une quelconque famille qu'il aurait. Non. Bah non, puisqu'il a été. Il y a des rumeurs comme quoi il a disparu et. Lors d'une visite à Dunwich. Oui, c'est ça, mais bon. Donc on n'a jamais été retrouvé, donc visiblement. Aucun des témoignages ne faisait mention d'une descendance, donc. Vous cherchez qui déjà là? Il parle de Bishop là. Oui. Et non, mais en ce moment, dans l'enquête, vous cherchez qui? Je sais plus. On va chez Alexander Pierce là. On va aller surveiller. Oui, non, mais le tueur, c'est qui? On était parti sur un descendant de Bishop. Ah oui, bah oui. C'est pour ça. Bah oui, c'est vrai. C'est pour ça que je disais qu'il n'était pas fait de mention. Mais si Russell, est suspecté et qu'il s'est possiblement enfui, c'est peut-être ça peut être de la famille de Russell aussi. Et pas Bishop. Ouais. Parce que maintenant, on a une information en plus. Avant, on pensait que Bishop était seul. Et maintenant. Ouais. Ils ont tous des noms bien communs. C'est sympa. Donc, vous allez chez Alexander Pierce maintenant? Vous allez autre part. Ouais. Non, on va chez Alexander Pierce, je suppose. Du coup, vous arrivez en début de soirée chez Alexander Pierce, donc au 648 Federal Street. Du coup, vous êtes accueilli par effectivement cet homme de 62 ans qui arrive. Donc, il vous ouvre la porte, il fait bonsoir. Vous êtes. Bonsoir Monsieur Pierce, nous représentons la société Arkham PI, nous sommes des sociétés de détectives privés. Très bien, en quoi puis-je vous aider? Voyez-vous, nous enquêtons sur une... Je ne peux pas vous divulguer plus d'informations que cela, mais nous enquêtons sur un lien de descendance. Voyez-vous, vous serez le descendant. D'une personne liée à un groupe. Et nous James enquêtons. Pierce était votre ancêtre, savez-vous? Oui, effectivement, oui. Voilà, notre enquête concerne un lien entre vos ancêtres, du moins votre ancêtre et d'autres ancêtres, et nous voulions savoir plus d'informations, si vous avez des informations justement sur votre ancêtre, monsieur Alexander Pierce. Je vois que vous êtes un peu surpris parce que ça parle de détective privé, tout ça. Mais sachez que vous n'êtes en aucun cas suspect. Vous n'aurez pas de problème avec la justice, rien. Ne vous inquiétez pas, nous sommes juste à la recherche d'informations. Eh bien écoutez, vous parlez de descendants. Enfin, je suis personnellement effectivement antiquaire. Il y a bien ce... Vous voyez qu'il est un peu gêné d'en parler, mais en même temps, ce que vous dites là, un peu... Enfin, vous l'avez convaincu. Voilà, mais oui. Il est un peu...
Je ne peux pas vous divulguer plus d'informations concernant notre enquête, mais cela concerne des droits de descendance et des droits de propriété, voyez-vous, très éloignés. Je ne peux pas vous donner plus d'informations légales à ce propos-là. Cherchons juste des informations. Des informations de quel genre ? Sur votre descendance. Vous alliez parler, je crois, monsieur. Oui, non, c'est... Il se trouve que... Enfin, on m'a... Il y a une... Tout simplement une descente, enfin une chose une que mes avec, non mais que mes voilà que mon père m'a donné et que son père lui avait donné, et enfin voilà, ça me fait penser forcément à ceci. Ils vous ont raconté un peu leur histoire, enfin, vous connaissez? Non, c'est votre, juste un livre, enfin peu importe. Pernamagos, ça sonne comme ça. Oui, vous avez ce livre avec vous, monsieur? Bah oui, évidemment. Enfin, attendez, rentrez. Déchaussez-vous, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Oui, fait. Alors attendez, parce que et là vous arrivez, il a une putain de bibliothèque, genre gigantesque. Il fait. Alors il faudra un peu de temps pour le retrouver, mais oui, il doit être là-dedans. Mais on va vous aider. Oui. Très bien. Du coup, vous commencez à chercher et tout, et là, vous passez vraiment beaucoup de temps, parce qu'à chaque fois, il doit être... Enfin, voilà, en tant qu'antiquaire, il ne veut pas que vous touchiez au livre. Donc, à chaque fois, il regarde, il fait... Non, ce n'est pas celui-là. Et à chaque fois, il raconte une petite anecdote sur le livre, etc. Donc, l'heure avance, et au bout d'un moment, effectivement, vous tombez sur un livre... qui est clairement un livre en cuir vert avec des reliures, des charnières pardon, et vraiment un fermoir, etc., qui semble d'une manière que vous arrivez un peu de mal à identifier, blanche, un petit peu sèche comme du bois, mais ça semble différent. Comme d'une sorte de craie ou de la cendre, non ? Non, plus comme... De l'os ? Ouais, de l'os, quelque chose comme ça. Les charnières sont comme ça ? Oui, et donc, c'est écrit effectivement Karnamagos. Par contre, c'est écrit en grec, sur du parchemin, à l'aide d'une encre brune et sombre, un peu passée. Et du coup, il explique, en fait... il y a des pages dedans qui sont refermées et qui n'a pas le droit de... Enfin, voilà, que, en gros, la tradition, c'était que les descendants ne devaient surtout pas ouvrir et déceler ces pages. C'est intéressant que ce soit votre famille. D'après les informations que j'avais pu retrouver, j'aurais pensé que c'était... je ne sais pas si vous le connaissez, la famille des Williams... Il y aurait eu... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop si vous êtes intéressé à l'histoire, à l'histoire très en détail, mais c'est vrai que votre ancêtre était en contact avec un monsieur Williams. Et, d'accord, parce que ce livre apparemment a été acheté en Angleterre, je crois, par un de mes ancêtres. Bizarre, je n'ai jamais entendu parler d'un Williams. Non, c'est possible, c'est juste que c'est comme ça qu'on a sorti le nom de ce livre. On ne l'a pas sorti au hasard, vous en doutez. Hein. Mais que est-ce oui, apparemment, que... il était en possession de ce livre. Et il se trouve que c'est intéressant de voir qu'en tout cas, c'est toujours resté dans le, plus ou moins dans le même cercle. C'est... Est-ce qu'en transmettant ce livre, on vous aurait transmis aussi peut-être des histoires familiales, peut-être concernant un certain Bishop ? Voir un Russell. Ça ne me dit rien, non. D'accord. Nous avons des raisons de penser que quelqu'un est probablement à la recherche de ce livre. Très bien. Et donc Vous souhaitez le garder, c'est ça, pour le mettre en sécurité, ou je ne comprends pas? Eh bien, tu
entends distinctement un bris de verre qui vient de la porte, enfin de l'arrière de la maison. De l'arrière de la maison. Ouais. D'un coup, je vous voyez Arthur Green se retourner. Vous savez pas trop pourquoi. Je me rapproche de Dailin et j'ai dit, il est là. Je monte mon arme, il y a eu des bruits de verre, quelqu'un qui vient de péter. Là d'un coup, Alexander Perth fait Qu'est-ce que vous faites? Attendez, il prend le livre contre lui et tout. Il fait attendez, je vais bien le donner, pas besoin de me menacer, il n'y a pas de. Non, mais c'est pas. Monsieur Pierce, mon collègue a entendu. Je vais voir. Quelqu'un qui est rentré par effraction là. D'accord. Tu vas voir Miller. Ouais. Donc, qu'est-ce que fait Miller? Qu'est-ce que fait Cavendish? Qu'est-ce que fait Green? Miller. Moi, je reste pour protéger. J'ai oublié son nom, Pierce. D'accord, Miller. Moi, je voulais essayer d'emmener Pierce s'il avait une porte de derrière pour peut-être essayer de sortir. Ah, c'est là que vient le bruit en fait. Ah, il vient de la porte de derrière. Ouais. D'accord, j'ai pas compris. Enfin, non. Vas-y, du coup, peut-être l'amener vers la sortie de devant. Bonne idée, Miller. Bon, bah, du coup, on essaye de le. D'accord. Avec Green. Le livre. Green. Je vais derrière tout droit. Tout en lui parlant à Pierce, hein, bien sûr. Ouais. Je veux pas l'emmener comme un sauvage, mais on lui a. Oui, bah, ça c'est. Il y a quelqu'un d'autre dans la. Monsieur. Monsieur Pierce, quelqu'un d'autre dans votre maison? Non, je suis tout seul. Donc t'avances. Et là, t'arrives et tu fais face à face. Arme au clair. Ouais. Tu fais face à face à Henry Atwater. Oh putain de merde. Je le braque pas. Monsieur Atwater. Du coup, il te regarde. Il écarquille les yeux. Et bam, il se barre en courant. Genre, immédiatement. Et je crie, monsieur Atwater, je crie. Ok, d'accord, deux secondes. Deux secondes. Oui. Donc vous partez avec Alexander qui fait, mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Écoutez, monsieur Pierce, c'est pour ça qu'on voulait... Là, vous entendez... De sécuriser le livre. Vous entendez au loin Green faire, Henry Atwater. Ok. Deux secondes. Très bien. Donc il s'est barré en courant. Je cours après. D'accord. D'un coup, pouf, t'as une balle qui fuse juste à côté de toi. Je continue. C'est lui qui m'a tiré dessus. Je continue de l'observer à distance et il continue. Court. Tu remarques que c'est bizarre. Il a la. Il est un peu. Tu sais. Bossu. Pas. Ouais, un peu. Mais je continue de courir après et. Très bien. Simon, je continue de lui crier dessus en lui disant de s'arrêter. Arrête-toi. Il continue de te tirer dessus. Très bien. Alors, deux secondes. Sur l'accident. Non, vraiment. Ouais. Donc. Okay. Excusez-moi, je voulais pas bien déplacer. Donc, vous entendez d'un coup des coups de feu qui viennent de là-bas. Oh, c'est que moi, j'ai pas d'air. Putain, Miller, allez mettre. Je lui donne les clés de la voiture. Je lui dis, écoutez, planquez-vous dans la voiture. Si jamais ça a l'air d'être vraiment la merde. J'allume le moteur et je vous attends. Conduisez, mais par contre. Très bien. Voilà. Et du coup, je vais voir l'arme à la main. Voir. Suivez-moi, monsieur Pierce, on va vous mettre à l'abri. D'accord, mais. Si on vous a posé des questions sur ce livre et qu'on voulait le sécuriser, c'est exactement pour ce qui est en train de se passer en fait. D'accord. Du coup, tu l'accompagnes jusqu'à la voiture sans problème. Bon, mais j'allume le moteur, histoire d'être prêt à partir. Pas de soucis. Donc, tu cours, t'as du mal à quand? T'as du mal à courir derrière lui et tout, et tu le vois courir vers une maison, effectivement. Et il rentre dans la maison. Je continue de le poursuivre. Et si à un moment j'ai un angle, je lui tire dans la jambe. D'accord. En fait, à partir du moment, dès que j'ai un angle, je lui tire dans la jambe. D'accord, mais il est déjà rentré dans la maison. Mais dans la maison. Ouais, d'accord. Donc, juste au cas où, t'as vraiment failli plusieurs fois te prendre une balle, hein. Genre, vraiment. Je sais. Je le dis quand même. je tiens à dire que c'est pas genre scénarisé que les balles ne t'ont pas touché, d'accord? Non, bah, je continue. Oui, je te le dis. L'adrénaline. Pas de soucis. Bah, ouais, c'est ça.
Alors, attends. Ah ! Voilà. Donc, tu avances. Voilà. Tu avances. Et donc, tu vois effectivement que la porte est ouverte. Tu vois un impact de balle. Et, ouais. Et la rue. Et t'entends des... Et des... Plus loin. Mais beaucoup plus loin. Des quoi ? Des gens qui courent et des... Enfin, une personne bloquée qui court sur les pavés. Et des coups de feu, mais au loin. Au loin ? Ouais. Genre, plus loin. Tu sais pas exactement où, quoi. Ça va demander un petit temps de retrouver. Ok, bah dans ce cas, je retourne à la voiture et je vais mettre le bouquin et... parce que ça sert à rien de... Ouais. Donc, tu vois Aileen arriver et un peu paniquée avec toujours son arme sortie, etc. Bon, bah allons-y. Écoutez, je crois que Green est parti courir après l'intrus. D'accord. Donc j'ai pas vu où vous étiez parti, donc bah ouais, on part en voiture. On essaie de faire un tour, voir si on... Ouais. Vous voyez... Si on l'aperçoit, quoi. Vous voyez Arthur Green en voiture. Quand vous passez. Qui conduit du coup là. Et qu'il est en train de tracer. C'est toi, bah, c'est ah. Toi qui vas passer devant du coup. Non. Donc vous voyez Arthur Green qui est devant une maison et qui commence à avancer comme ça. Enfin comme ça. D'accord, bah, on arrête la boîte. Enfin. D'accord. Parce qu'on l'a pas. Tu vois Green qui avance. T'es en train d'avancer, t'entends et tu vois la voiture de Cavendish derrière toi. Enfin derrière. Je suis au niveau de la porte. T'es de la maison. Ouais. Ok, bah du coup, on arrête la voiture. Du coup, il y a Alexander Pierce, mais qu'est-ce qui se passe, mec ? Je passe la... je l'entends dans la maison ? Ouais. Il est dans la maison. Vraisemblablement. Okay. Il fait quoi Il est en train de bouger des meubles et tout Tu sais pas. Je rentre. Donc, vous le voyez rentrer dans la maison. Mais tu sais, en mode... Ouais. Est-ce que tu nous regardes en mode... Venez m'aider ou en mode. Bah oui, en fait, je vous ai fait. Ouais, okay. Excuse-moi, c'était peut-être pas vu par la caméra. Ah, je croyais que tu me pointais la porte en fait. Excuse-moi, non, excuse-moi, ouais. Je vous ai fait signe de dire. C'est compliqué quand on n'est pas. Non, ouais, c'est vrai. Excuse-moi. Donc, je lui fais signe qu'en gros, il est dans cette maison-là et. Miller, tu les suis ou pas ? Bah, moi, j'ai pas vraiment. C'est toi qui choisis. Hein. Bah, non, je reste au volant en vrai. Ouais, d'accord. Très bien. Donc, vous rentrez dans la maison. Et je crie Henri, Henri, rends-toi! D'accord. T'es cerné, la police, elle arrive. Vous entrez dans la maison. Donc vous êtes sur vraiment une maison qui était entre deux maisons. Enfin, c'était un peu galère à y accéder. Et vous rentrez et la maison est tout à fait. Oh, putain, attends, deux secondes. Hop là. Désolé. Un bon jet au moins. J'ai juste bousculé le truc, j'ai pas cherché à savoir. La maison est abandonnée, clairement. La porte, du coup, vous rentrez, il y a effectivement des boîtes de conserve ouvertes, des vieux journaux et un truc qui vous attire l'œil, c'est effectivement une balle, enfin une balle entière, hein, une cartouche de calibre 38 qui est par terre, comme ça, neuve. Et on n'entend rien ? Pas de bruit ? Non. On n'entend plus de bruit ? Non. Tout ce que tu as entendu, toi, Arthurine, c'est effectivement un bruit comme une porte. Je me vais vers l'arrière de la maison pour voir s'il y a une porte à l'arrière. Non. Il y a un escalier ? C'est comment, en fait ? Alors, il y a une grande pièce avec, effectivement, une cheminée. Il y a un étage, mais tout est en très mauvais état. Monter à l'étage, par exemple, l'escalier, ça semble peu probable, quoi. Peu probable, donc il n'a pas pu monter à l'escalier, quoi. De toute façon, quand je suis d'assez près, parce que je l'ai entendu monter à l'escalier. La porte que j'ai entendu claquer venait du rez-de-chaussée. Il n'y a pas de porte au rez-de-chaussée. Donc la porte venait de là-haut. Non. Attends, j'entends le bruit d'une porte, pas en haut. Il n'y a pas de porte au rez-de-chaussée ? Une pièce avec une cheminée ? Ouais, mais une pièce avec une cheminée, notamment. Il est ici, il est caché quelque part ici. Une porte, est-ce que je cherche une fausse, tu sais, une fausse porte ou une trappe ? Tu cherches et tu te rends compte que, à côté du foyer, en fait, il y a vraisemblablement un passage. Ouais. Et en cherchant près de la cheminée, tu peux trouver un anneau de métal en dessous. Tu comprends pas trop pourquoi il y aura un anneau là, dissimulé dans la cheminée. Une chaîne avec un anneau.
Ça ressemble à un... Est-ce que ça ressemble à une goupille ou à un truc que je connais? Non, c'est un anneau au bout d'une chaîne de métal. Ok. Vous avez trouvé quelque chose, Green? Je crois. Et je... Préparez-vous. Je tire le... D'accord. Là, ça révèle en fait une porte. Enfin, en fait, ça fait un petit clic. Et tu vois le... la porte, le... enfin, le mur fait... Et donc, il y a un petit passage, effectivement, qui s'ouvre. Je pousse, ouais. En étant sur le côté avec, le, avec mon arme, je le pousse. Il y a un escalier étroit en colimaçon de briques et de pierres qui descend. Pour l'instant, Pierre, c'est en sécurité, je sais pas. Eh bien, on va appeler des renforts là. Si, il faut appeler la police immédiatement. J'espère qu'il c'est pas un réseau de tunnels en dessous. Je reste à l'entrée à surveiller. Comment on appelle la police? Est-ce qu'on demande aux voisins? Enfin. Il est loin le commissariat là? Bah vous êtes... Enfin il est fermé surtout... Enfin il est fermé. Il n'y a personne de... C'est pas... On n'est pas en... La nuit il n'y a pas grand monde hein, dans le commissariat. Ah c'est vrai qu'on est en pleine nuit en plus. Du coup maintenant... Parce qu'on était en début de soirée au début. La soirée est tombée donc... C'est vrai qu'on a cherché pendant des heures avec machin. Vous êtes là, il est passé minuit. Ah ouais bon bah... On a pas... Il n'y a pas de lampe qui traîne, des lampes torches dans la voiture ou un truc comme ça? C'est possible. On va le chercher? Très bien. Bah, je peux voir dans la voiture s'il y a une lampe, ouais, mais... Bon, c'est la question que je posais à Aileen. Ouais. Donc elle va chercher toute seule. Je sais pas, je vais voir s'il y a une lampe ou quelque chose. Oui, j'y vais. D'accord. Tu vois d'un coup, au bout d'un moment, Aileen revenir essoufflée et arriver vers toi. Elle a un peu de poussière sur elle. Donc toi, t'as attendu avec Alexander Pierce qui arrêtait pas de faire « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il est un peu énervé. Il fait « Bon, excusez-moi, mais vous venez chez moi au milieu de la nuit, vous sortez des armes, on est où, là ?» Vous avez pas entendu le bruit de verre, mais quelqu'un s'est introduit chez oui, vous. Oui, j'ai bien compris ça, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, je suis... Mais on sait pas, en fait, on a poursuivi la personne qui s'est introduit chez vous jusqu'ici. On pense que cette personne en a après le livre que vous avez. Bah, très bien, à ce moment-là, je regarde dans la boîte à gants s'il y a une lampe ou quoi, et je fais signe à Miller de parler à Pierce, parce que... Il y a une lampe torche. Je la prends et je me casse. D'accord. Tout va bien, Kevin? J'ai pas eu le temps. Non, elle est partie. Mais du coup... Toi, t'es avec lui, il fait bon, ça commence à... Est-ce que vous pouvez pas me ramener chez moi? Écoutez, monsieur Pierce, je crois que vous comprenez pas ce qui se passe et cette personne n'est pas venue vous emprunter le livre gentiment. Bah oui, mais bon. Enfin bon, c'est tout, j'attends, mais... Et vous savez, c'est pour votre sécurité qu'on fait ça. Ouais. Une personne n'est malheureusement pas... Oh, de... Bah bon, ça va me dire, on va dire que ça me ramène à ma jeunesse, tout ça. Donc il attend avec toi. Aileen arrive avec la lampe torche que tu vois arriver, évidemment. Je l'allume et j'éclaire dans l'escalier étroit, passage, machin. D'accord. Et je crie... Henri, rends-toi, ça se passera mieux. La police en tiendra compte, tu es cerné, tu ne pourras plus t'en sortir. Tout le monde était très inquiet pour vous, Henri, en plus. Vous avancez donc... Moi j'avance. On avance. Vous avancez dans un... On avance. Le MJ avance, on avance. Un couloir, d'accord. Il y a un air froid et humide qui remonte et... Je voulais pas aller dedans. Au bout d'un moment, il y a une petite lueur que vous pouvez voir puisqu'il y a effectivement régulièrement des petits chandeliers avec des faibles lueurs qui sont là... Des chandeliers, quoi. Ouais. Putain, avec des bougies allumées. Qui viennent d'être allumées. T'en sais rien, ils sont là, ils brillent. C'est un long couloir. C'est un long couloir. Et sur la gauche, vous voyez une ouverture. Et au loin. Oui, c'est sûr, maintenant, vous voyez la silhouette de Henri au bout du couloir. Henri! Encore une fois, il tire de loin, etc. Vous êtes dans une ligne droite, hein, par rapport à lui. Bah ouais, bah, il est armé, dangereux, il faut... Qu'est-ce qu'on fait? Je regarde... Je tire. C'est la jambe, quoi. Ouais. Je pense que là, avec l'adrénaline... Tu tires, au moment où tu tires, vous le voyez faire un...
geste comme ça, comme si vous faisiez coucou près du mur. Et d'un coup, tout se met à trembler. Je m'enfuis, je cours vers la sortie. Bah, je monte aussi. Bah, t'as à peine le temps de faire ça que tu vois en fait devant, entre vous et lui, avant, enfin après la zone qui tournait, enfin l'entrée qui avait à gauche, tout s'écroulait en fait. Genre, pff, ça s'écroule. Entre nous et lui, du coup. Ouais. Ok, mais pas vers la sortie. Non. Okay. Bah, je... Donc, vous êtes comme ça, et donc il y a de la poussière qui tombe, etc. Enfin, voilà. Pas vers la sortie. Je tousse dans mon coude. Ouais. Bah, donc, il n'y a plus que le couloir, on ne peut plus accéder à la truc à gauche. Y a... Si, vous pouvez. Putain. J'ai tracé vers la sortie. Hein. D'accord, donc tu sors. Au revoir, oui. Très bien. Est-ce que tu avances vers la petite porte? Elle a pris la... Là, non Oui, mais c'est éclairé, hein, de toute façon. Ah oui, bah, c'est éclairé. Bah, je... Toujours, arme au point, toujours, je vais voir. D'accord. Mais tu sais, je pique comme ça, je regarde vite fait. J'y vais pas tout droit en mode bourrin. Ouais. Tu avances et donc tu vois une pièce, effectivement. À l'intérieur, ce qui semble être une sorte de vieux, je sais pas, vieille pièce en tout cas. Il y a effectivement, ça fait un peu, c'est pas très grand, hein, ça fait. 5-6 mètres sur 6-7 mètres. Et du coup, il y a des meubles en bois délabrés, une grande table, des chaises. Tout ça vide, hein, bien évidemment. Vous pouvez voir qu'à droite, il y a une... Enfin, tu peux voir, pardon, à droite, qu'il y a une petite pièce encore. Où tu as l'impression d'entendre quelque chose ? T'es pas sûr. Et il y a un... Parce qu'avec les débris, c'est peut-être les débris. Hein. Il y a aussi une note visible par terre. En note papier. Note en papier. Voilà. Je check. Ouais. L'autre pièce, il y a, avant de regarder la note, hein, s'il y a D'accord. quelqu'un dans la pièce. Donc c'est une petite pièce où tu peux voir que. Eh bien, quand tu arrives, en fait, tu vois à travers des grilles, enfin des barreaux, pardon, et tu entends clairement quelque chose venir de là, dans l'obscurité. J'entends quelque chose qui vient de là ? Qui est dedans. Un son qui vient de là. Qui s'approche de moi ? Non. Il y a quelqu'un ? Henri ? Et tu entends quelque chose, effectivement, une sorte de gémissement. Tu comprends pas trop. Il y a quelque chose dedans. J'éclaire, je vois. T'as pas la lumière. Putain. Je fais demi-tour, je chope la note au passage. D'accord. Que je regarde pas tout de suite et je remonte. Ok, très bien. Probablement. Merde. Sécurité parce Pardon. Que... Hop, voilà. Tu disais, donc excuse-moi, je disais, donc tu remontes 4 à 4 l'escalier, t'arrives en haut et donc là la voiture est non loin. Est-ce que j'entends quelque chose qui se passe en bas ou pas ? Non. Rien. Si je crie Green ? Bah c'est trop loin pour qu'il l'entende, vraisemblablement. C'est trop loin maintenant, c'était très loin. Ah bah t'es remonté tout, hein. T'as remonté le couloir, t'as remonté l'escalier, là t'es dans la maison. Putain, mais comme il m'a pas suivi, je suis. Je veux pas partir sans lui en même temps, mais j'ai envie de mettre machin en sécurité. Bon bah, je retourne dans la voiture avec les autres et puis on va retourner chez Pierce voir les dégâts, etc. Donc tu as, vous voyez Aileen, enfin tu vois Ray, enfin vous voyez parce que vous êtes deux, Aileen arriver et donc là tu la vois, elle est paniquée, essoufflée. C'est bizarre parce que avant qu'elle revienne, genre quelques minutes avant, t'as senti un petit tremblement, mais tu sais pas si c'était la voiture ou quoi, bizarre. Du coup, Aileen arrive un peu paniquée. Est-ce que, question MJ, oui. Est-ce qu'on peut estimer que la sécurité serait meilleure dans l'immeuble où moi j'habite, où il y a nos bureaux, que dans la maison du mec, ou c'est genre kiff-kiff ? Enfin, sinon, on peut l'amener à la police. Hein. Bah, chez toi, c'est on plus peut pas safe. L'amener à la police, c'est fermé. Vraisemblablement, chez toi, c'est plus safe, puisqu'il sait pas qui t'es. Ouais, c'est ça. En soi. Écoutez, on va vous mettre en sécurité, monsieur Pierce, parce que là, je pense que.
arrive Arthur Green. Ah putain. Donc Arthur Green arrive, il a un regard un peu paniqué et... Bah j'ouvre la porte de la voiture pour qu'il rentre. On va aller monter, on y va. Arthur Green. Il y a quelqu'un en bas, il y a quelqu'un d'enfermé en bas. Quelqu'un est emprisonné, j'ai vu des barreaux, il faut faire quelque chose. On va pas laisser un homme certainement... Comment ça quelqu'un est emprisonné avec... Dans la pièce que j'ai fouillée rapidement, il y a une pièce avec des barreaux, j'ai trouvé cette note, je sors la note. Je regarde peut-être, je lis vite fait. Alors, la note est écrite en ancien anglais. Tu n'arrives pas trop, tu vois que ça parle de Bishop quand même. Il y a quelqu'un qui est enfermé là-dedans, on va pas le laisser, on va pas s'en aller. Peut-être dans la note à Miller. Elle est courte, écrite en ancien anglais, de pouvoir le lire. Bah, ouais, Miller, t'essayes de la lire? Oui. Ok. Sir Bishop, je crains que ton absence de plusieurs jours ne signifie ta mort entre les mains de Phillips et de ses complices. La façon dont ils ont pu défaire la marque de l'arpenteur est une énigme que je n'ose résoudre, mais leur pouvoir doit être grand. Aussi fuis-je. Si tu as été retardé et non pas tué, mes lettres en vers S.O. à Salem et J.C. de Providence te signalent ma destination. Ne laisse donc pas nos correspondants ne pas t'apprendre où je me trouve, même s'ils ont leurs raisons propres pour parler par énigme. Les livres et documents de valeur, je les prends. Les essais inférieurs concernant notre objectif central ont été amenés au fleuve et donnés aux résidents. La résurrection actuelle, vivant encore en partie, je l'ai tuée aujourd'hui avec un pistolet à chevaux. Elle était trop lourde pour être emmenée. J'ai aussi fait s'effondrer le passage de Parsons Point. Je compte bien poursuivre notre quête dédiée à la découverte des ultimes vérités, par-delà la nuit et le jour, ainsi que nous l'avons décidé. Russell. Mais c'est une vieille note ? Oui, c'est une vieille note. Mais écoutez, du coup, Green, vous dites que quelqu'un est emprisonné. Il y a quelqu'un en bas. Dites, mais on peut pas laisser Monsieur Pierce. Mais il faut mettre Monsieur Pierce en sécurité. Est-ce que je vois la lampe ? Elle est dans... Aileen l'a encore dans la main. Il faut qu'on sauve cet homme. Il y a quelqu'un d'accord, mais en bas. Il faut aussi qu'on sauve cet homme qui est là, en fait. Et on laisse et celui d'en bas, on en fait quoi ? Bah, on peut revenir. S'il est... Pourquoi il est en danger immédiat, là ? Il est emprisonné. Je l'ai vu derrière des barreaux. J'ai entendu un gémissement derrière des barreaux dans une pièce enfermée, en bas, dans une maison abandonnée. Bien, mais comprenez bien qu'il faut aussi mettre Monsieur Pierce en sécurité, là. Il est en sécurité, Non. Vous l'amenez au... Enfin, Oui, donc on va l'amener au bureau et du coup je vais... Enfin voilà, c'est ça que je veux dire quoi. Enfin on va pas... Il y a personne qui peut s'en charger de le ramener au bureau et de le protéger et qu'on aille chercher cet homme. On part de la vie d'un... certainement d'une personne qui est enfermée là. Il y a que nous trois. Miller... Je prends la... Je vais ramener... Je prends la lampe et je pense... Non, je le laisse pas faire. Je force, hein. Je vais pas laisser la vie d'un... Je vais pas... Bah vas-y, force. Deux gens sans force. Je laisse pas quelqu'un... Tu t'arrives pas, hein, t'as pas assez de force. Combat d'handicapé, hein, parce qu'il y en a un qui a 6 ou qui a 8. J'ai 8. Ouais, mais... Celui qui a le plus de force ici, c'est Miller. Ouais, c'est trop. Et il a 9. C'est lui qui a le plus de constitution aussi. Et oui. C'est lui qui est jamais dans les machins. Ouais, j'avoue. Moi, je suppose que les combats. Putain. Bah écoutez, ramenez Miller, ramenez Monsieur Pierce au bureau et revenez nous chercher éventuellement. Monsieur Pierce, je suis désolé, mais là, vous êtes. Bah après, aller l'amener au bureau ne prendra pas non plus 1000 ans. Hein. Ouais, enfin, en 1000 ans. Mais c'est ça, si la personne est enfermée et qu'il n'y a pas un tueur avec elle. L'aventurier 6, 8 et 9 sur combien ? Sur 18 au maximum, et l'humanité est entre 9 et 12. La moyenne humaine est entre 9 et 12. Donc 6, c'est vraiment faible. Je suis brindille, hein. Et du coup, éventuellement, on peut revenir avec plus de matériel aussi pour sauver cette personne, parce que ce sera peut-être bien, quoi. Vous pouvez faire ça. Ça prendra pas 1000 ans. Maintenant, tu sais pas s'il survivra. Ah non, pourquoi il est au bord de la mort, monsieur? J'en sais rien. Il y a quelqu'un qui est en bas, derrière des barreaux. On veut pas, on dit qu'importe qu'il soit au bord de la mort ou mais pas. Mais je vous dis pas qu'on va pas le secourir. Je vous dis qu'il faut aussi sauver la personne qui est vivante et qui est là. Vous comprenez bien. Alors, je sors, et je retourne dans la maison. Je dis, faites ce que vous voulez, moi, je vais sauver cet homme. Je te jure, j'ai mais putain quel connard et je dis à Miller, écoutez, emmenez monsieur au bureau. Ah non, moi je sors. Bah, écoutez, tant pis qu'il aille mourir. Hein. Voilà. Écoutez, je vais faire le plus vite possible. Voilà, faites le plus vite possible, revenez nous chercher. C'est un imbécile, mais je peux pas le laisser comme ça. Donc. J'imagine que tu me donnes les clés.
tout. Je te donne les clés de ma voiture, ouais. Mais c'est ma dernière voiture qui me reste. Non, mais tout, pour le bâtiment, tout ça. Le bâtiment et tout ça, parce que c'est fermé, sinon. Ah oui, oui, les clés du bureau, quoi. Pas de mon appart. Oui, oui. Non, oui, du bureau. Très bien. Je conduis. À hauteur, ouais. Normal. Donc, Aileen, tu rattrapes Arthur Green et vous redescendez dans le souterrain. Vous arrivez donc dans la petite pièce qui ressemble pour Cécile à une pièce abandonnée, un petit peu comme un truc d'étude, mais il reste vraiment plus rien, quoi. Et je monte juste là à droite. Et, donc, vous vous retournez, vous éclairez. Oui. C'est un D8, ça. Excusez-moi, hein, j'avais oublié le petit compteur de San. C'est pas un homme. Putain. Bah évidemment que c'est pas un homme. Ah oui, mais bon, Arthur Green, il entend ça, il y va, hein. C'est Arthur Green, hein, c'est pas Sir Muscox qui sait. Comme un... C'est pas Sir Muscox qui sait très bien qu'il y a une saloperie, c'est Arthur Green qui est un ancien militaire et qui veut certainement sauver quelqu'un. Vous voyez quelque chose que vous avez du mal à expliquer. Globalement, ce que vous voyez est un homme comme si quelque chose grandissait de son épaule gauche jusqu'en bas du dos, comme si une autre personne était fusionnée à lui. Ce que vous voyez, c'est que l'homme en question, qui est déjà très difforme, tâte devant lui. D'accord ? Tandis que, eh bien, la tête, petite tête, d'accord, remonte à la tête vers vous et a dans ses dents sanguinolentes de la chair qu'elle vient de mordre sur l'être, enfin la personne difforme. Donc ça fait vraiment imaginer vraiment une personne par terre, comme non, ça. Non, on l'a bien imaginé, oui, t'inquiète. Voilà, et avec quelque chose qui ressort et qui le mange ici et qui soulève la tête vers vous, vous regardant d'une manière répugnante. Derrière des barreaux, hein, c'est le truc. Derrière des barreaux. C'est la fin pour vous. Oui, vous le prenez extrêmement mal. J'estime que Aileen, toi, tu tombes, tu perds connaissance immédiatement. Ah non. Ah bah si, hein. Là. Faut pas avoir une autre réaction à la folie. Là, bof. Et Mascox. Je peux tirer. De toi, réflexe. Tu vides entièrement ton chargeur dessus. J'avais ça en tête. Hein. Et le bruit est juste assourdissant. Et du coup, tu te mets sur le côté après avoir tiré, genre en te tenant. Parce que bah, t'es dans un tout petit espace. Ah oui, en fait. Tu viens de te baiser les tympans, quoi. Et gros acouphène, quoi. Voilà. Miller, tu arrives. Oui. Devant donc le bâtiment, et donc tu commences à monter le bâtiment. Et. Monsieur Miller me suit. Ouais, Monsieur Miller te suit, mais. T'es sûr que. C'est bizarre, t'as. Comme si quelqu'un dans la rue t'avait suivi, tu vois une silhouette. Hop. Se rentrer comme ça. Et c'est la fin. Ah non! Et c'est la fin de ce scénario, enfin de ce scénario, de cet épisode pour le moment. Ouais, d'un côté, je suis d'accord avec toi, Zitrouille, mais il y a aussi le côté adrénaline, en fait. Ah, le côté adrénaline, ça fait que tu vois un truc qui s'écroule sur ta gueule, tu te casses, en fait. Ou alors tu pas tes camarades à venir te rechercher. Ou non, bah, je t'ai pas forcé. Deux fois. Hein. Ah, mais je t'ai pas... Un peu, je vais pas t'abandonner non plus, tu vois. Bah, quand je suis parti tout seul, je suis parti pour... T'as écrit dessus pour de vrai. J'expert de la santé mentale. Non, mais pour une fois que. les fameuses fins du derby. Bah oui, il y a des gens. Ouais. Non, parce que votre histoire est cool, mais il y a aussi l'histoire de Miller, comme vous savez. Bah ouais. Je pouvais pas laisser éventuellement un homme enfermé. Qu'importe. Attends, je réécris, je précise, hein, pour la prochaine fois, ça sera l'épisode 5. On l'appellera Face à la mort. Voilà.
Pour la prochaine fois, comme ça. Non, on n'a pas eu de bug de ces trucs sur l'épisode, j'avoue. C'est vrai. Je sais pas. Bien, ouais. Ah, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Donc, on retient pour la prochaine fois. Hein. Ce qui se passe, retenez bien chaque joueur, un petit peu où vous en êtes. C'est important. Non. Je ne dirai pas ce qui se passe, bien évidemment, pour ne pas spoiler. Je ne peux pas jouer, finalement. Donc la prochaine partie, je le rappelle que c'est mardi à 20h. Ça va être très très long d'attendre. Ah, Maxime, t'as vu, j'avais pas vu. Je pense que mon personnage, elle va juste se suicider, elle en a marre. J'ai oublié de te dire, j'ai 80 encore à corps, en fait. Hein. Et con... 80 en fusil. Ah, et t'as pas de fusil. Mais si, je t'ai pas dit que j'avais stocké un fusil à pompe et tout. Je crois que c'est à, les fusils à pompe automatique. Non, non mais t'inquiète. Il sera moins téméraire d'un seul coup là, parce qu'il a vu un petit truc qui va peut-être le ralentir maintenant. Ah bah de toute façon, vu ce qu'il a fait et le bruit que ça a fait, ça va peut-être s'écrouler complètement sur notre gueule et ce sera fini. Donc, pas de spoil pour Miller. Et Miller, pas de spoil pour Green et Cavendish. Oh. C'est Maxime le sorcier, les choux, vous l'avez dit. Oh. Ça, on le sait. Merci, Bender the Bot. Plus vite vos cams. C'est comme ça qu'il peut nous avoir. C'était bien, bah ouais, c'était bien. Mais c'est rigolo de voir, en fait, des... Moi, ce que j'ai adoré, c'est le moment où vous êtes là à faire « Ouais, bah, faut chercher son descendant, machin, etc. » Bah oui, mais non, mais on sait qu'il a pas de descendant. On sait qu'il a pas de descendant. Vous cherchez qui, déjà ? Merde. Non, mais... c'est... En fait, c'est... Non, ceci dit... Mais c'est parce que dans votre tête, c'est aussi séparé. Ouais. En fait, c'est deux choses séparées dans votre tête. Et c'est pour ça que je me suis dit... Non, mais en fait, je pense qu'il ne le relie pas, je vous le dis, parce que sinon, vous le verriez pas, en fait. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit. Mais c'est comme le coup de... Atwater, vous l'aviez sous le nez depuis le début, et c'était vraiment genre... Ah, merde. Quand vous l'avez, quand vous l'avez eu, ça fait vraiment genre... Et c'était bien. J'ai bien aimé. Pourquoi sous le nez? Pas un personne n'a voulu nous le décrire en même temps. On ah oui, pas se... mais parce que vous n'avez jamais aussi eu de photo sur... Enfin, vous aviez une photo de Atwater, mais vous ne l'avez jamais utilisée. Ah non, tu sais quoi, on n'a pas de photo de Atwater parce qu'on l'a laissée... Ah non, c'est de la photo de Cardigan, qu'on l'a laissée. Oui. Ouais. Atwater, vous en avez. On a une photo. Nous, quoi, mais... On a une photo d'Atwater. À disposition, oui. À l'université, il y en avait. À l'université, il y en a une, mais on n'a pas, pas de copie, on n'a rien. Et vous n'avez jamais aussi essayé de comparer le physique d'Atwater en décrivant à Twitter, etc. Vous auriez... Mais de toute façon, c'est deux enquêtes différentes. Ah, mais je ne dis pas que vous l'avez mal joué. Je dis juste que vous ne l'avez pas fait. Donc, du coup, c'est cool que ça fasse sa surprise. Ça, c'est... Enfin, moi, voilà. Mais, oui, mais après, que... la description d'une personne qui a vu quelqu'un passer... Mais non, parce qu'en vrai, ouais, on en parlait avec Jax, mais de toute façon, les vieux vêtements du... Enfin, bref, oui. Ouais. Peu importe. Mais... Eh oui. Ouais, mais en tant que personnage, on va pas se dire... Ah non, mais je... évidemment, et puis ça joue dans la relation. On en parlait avec Jax en off, dans du et dans le feu de l'action, après, c'est normal plus que... Plus ou moins dans l'eau, machin et tout, et... mais voilà, évidemment. Le début de l'enquête. C'est normal. Le début de l'enquête... Ah mais après, je vous dis rien, moi. Peut-être que vous êtes en plein milieu, peut-être que vous êtes au début encore. Dans le feu de l'action, ils ont complètement zappé le début de l'enquête. Mais l'enquête numéro 2, celle qu'on a retrouvée, donc le... Kiman, il n'y a pas de problème de cohérence. T'as dit, ils ont demandé au Fleury si Atwater était bien monté, il leur a dit s'il était bossu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Totalement. Mais c'est pas Atwater qui est bossu, là. C'est rien, j'ai pas noté la description d'Atwater, en vrai. Tu l'as pas, et Aileen, Aileen et William n'ont pas vu le Atwater actuel, ou à peine. Alors que le seul qui l'a vu, c'est Green, à l'heure actuelle. Oui, c'est que j'ai poursuivi. Mais Atwater, il était dans son lit d'hôpital, donc tu peux pas vraiment savoir. Ah non, l'autre. Mais toi, tu l'as vu là, et ce que j'ai dit sur lui, je reste sur lui. Petit Lapin dit, c'est ça qui est sympa dans les GDR, toutes les parties sont uniques. Tout à fait. Mm. Attends, on nous aurait dit que Atwater était bossu. Non, on vous l'a jamais dit. Okay. Il est pas bossu. Atwater, dont vous a parlé. Il y a d'autres trucs qu'on vous a dit sur Atwater qui n'étaient pas en rapport avec celui que vous avez vu, mais voilà. Non, mais en fait, c'est... Mais après, c'est tout, je vous dis rien. Je vais être sûr de pas avoir manqué des infos. Non, non, non. Si vous manquez des trucs, en fait. Je vous les rappelle régulièrement, ouais. Etc. Il n'y a pas de souci. C'est comme le coup de l'adresse de Bishop, vous l'aviez.
une première fois. Oui, comme oui. Vous n'avez pas accentué là-dessus, je l'ai rappelé après. Mais il n'y a pas de... Enfin, je ne vais pas faire le connard à faire. Ah ben si, vous le saviez. Ah ben attends, on l'avait complètement oublié. Bah je sais, c'est pour ça que je vous le rappelle des fois. Bah on le savait, mais on avait d'autres... On a choisi d'autres chemins, quoi, c'est tout. De toute façon. Bah oui, c'est ça. Et puis il n'y a pas de bon ou de mauvaise méthode. Vous avez fait des trucs et... qui vous ont fait avancer, de toute façon. Et puis il y a... Oh ben là, ce soir, on a fait de la merde, mais moi, je t'avoue, ça m'arrange un peu plus, là. Bah non, en vrai, vous n'avez pas fait de la merde. Heureusement qu'on s'arrête, quoi. Ça va. Oh, je sais pas, moi, j'en peux plus, là. En vrai, vous avez avancé puisque vous avez fait le, vous avez clairement fait la recherche qui vous a amené plein de réponses, plus le fait que vous êtes allé au pont, plus le fait que vous avez retrouvé un des mecs, plus l'autre mec après que vous avez retrouvé. Techniquement, vous avez avancé. Il y a pas de souci. Hein. Je dis pas qu'on a. Vous pas faites avancé. Pas de la merde. En vrai, c'est avancé. Enfin, si c'était juste. Alors, on a enquêté, on a trouvé le tueur. Et heureusement, il a tué personne. Et voilà, bah, on s'est rentré chez nous. Bon, bah, c'était plutôt tranquille finalement. Et on n'a même pas vu de monstre. C'est ça le principe. Mais par contre, ouais, quand tu nous as fait voir Henri, j'ai fait oh yes, ouais. les enquêtes qui étaient pas censées être liées sont liées, c'est trop bien. Mais c'est ça le truc. J'étais déjà allé avec les histoires des bouquins et tout. Il y avait les hivers. Hein. Et mais c'est ça qui est cool, c'est qu'après tu peux pas forcément. Maxime veut gagner JDR, mais tu peux pas gagner JDR. Mais c'est ça qui est marrant. Mais après Kiman, tu verras, il y a des trucs. Non, il y a pas Sarah Brown par contre. Pas encore. Ah si, c'est elle. C'est clair. C'est... Sarah Brown. Et là, Tobias Levette qui fait « Vite, rentrez dans la voiture, suivez-moi. Faites-moi confiance. » Non, je suis pas fâchée parce que j'ai planté la bagnole, j'en peux plus. C'est une de ces journées-là. Tu vois, t'en peux plus. J'ai des pronostics, mais je préfère les garder pour moi, ça me dérange. Ah, mais Okuni, c'est ça qui est intéressant. Ah, ne dis rien à nous, en revanche. Oui. Non, il faut le, qu'on... Tu peux le chuchoter, ouais. Maxime, si tu veux. Mais après, oui, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après... Il y a aussi des pistes de réflexion que vous avez parce que vous n'avez pas forcément... Enfin, il y a un truc aussi qui est très important par rapport au scénario, c'est que les viewers ont plus facilement l'instinct de ce qu'est un one-shot dans une campagne que les joueurs. Parce que pour les joueurs, c'est pas séparé, j'ai pas séparé les choses. Vous le voyez parce que vous avez la totalité. Et c'est beaucoup plus facile de prendre du recul quand t'as les trois narrations plus la narration commune. Mais là, en fait, il y a des narrations, par exemple, qui ont avancé que d'un côté et vous savez très bien pourquoi. Mais les joueurs ne le savent pas. Parce que techniquement, en fait, le seul lien qui lie cette affaire avec... j'appelle ça l'enquête numéro 3. Ouais. Techniquement, on a été appelé par Stucky pour enquêter sur... Mais c'est ça, qui n'a rien à voir. C'est pas lié directement avec Atwater. Juste avant, nous, notre enquête était de retrouver Anthony Feldman. Attends. Feldman. C'était la première. Ouais, c'était le... Ouais. Donc, la deuxième, c'était Richard Cardigan. Ouais. Donc, on a retrouvé Richard Cardigan, son cadavre. Il y avait un truc en dessous qui avait des fringues de centre... qui datait du siècle dernier, mais c'est tout. Mais c'est ça qui est bien. Et par contre, Mokuni, je précise, t'as pas besoin de connaître Lovecraft pour comprendre les scénarios et les éventuels twists. Après, des fois, c'est lié, hein, on va pas se mentir. Mais franchement, j'essaye pas de prendre un truc où vous vous dites dès le début, ah d'accord, ça va être Cthulhu, ou ah d'accord, ça va être des profonds, ou ah d'accord, ça va être une goule. Parce que en fait, c'est pas très intéressant. Quoi Je viens de relire mes notes. C'est là. Mon nouveau, on est des géants. Miller. Ils ont campé près d'un fleuve. Ouais. Qui était près d'une forêt. Ouais. Mais après, il y a le muscatonique. C'est Jacques, c'est toi qui m'as dit ça. Non, mais c'est ça. Oui. Après, c'est normal. Il y a des trucs. Oui, mais j'ai dit des trucs, mais je pense. C'est vrai, ça mystère à résoudre. Est-ce que c'est ces trucs qui a reçu son bouquet de 8 lys? Ouais, je pense. Ouais, tu l'as reçu. Ah ouais, d'accord. Après. C'est un gag géant avec un visage. Je pense que là, si on s'en sort vivant, cette enquête-là, on abandonne. Hein. Ça pue trop la merde. On a envie de rester vivant et de rester détective. Trop tard, tu as pris la perche. Oui, mais du coup, c'est... Enfin, tu vois. J'ai une théorie pour l'absence de problème technique de Cécile Trouille. Alors, pour moi, elle a utilisé sa propre énergie pour ravitailler sa lifebox pour qu'elle tienne le coup à 20h30. Voilà, c'est ma théorie géniale. Les amis, croyez-le ou pas. Ça me fait repenser au creepypasta nul. Il y a eu un commentaire récemment sur une soirée des creepypasta nuls où le mec fait « Franchement, tu dis trop mal et tu mets pas l'ambiance. » Alors déjà, on lit les messages de Corbeau Blanc, tu verras que c'est pas possible. Hein. Et ensuite, l'ambiance des histoires que je lis, ça va être compliqué de les garder. Mais c'était vraiment très drôle. Et oui.
Ce live serait-il sponsorisé par le lobby du lait truie demande Dark Anthem sur le... l'épisode 3 de Arkham PI. Putain, c'est avec Green, on a eu, avec Mascox, hein, quand on était coupé, on a établi une hypothèse possible sur le lait truie et les sorciers. Ah, trop bien. On a surtout développé la technique pour réussir à combattre des sorciers. Ouais. Il faut être deux personnes pour faire ça. En fait, tu attires le sorcier dans une salle où il y a plusieurs portes, et quand le sorcier y arrive, il fait, ah, je vais vous tuer, vous êtes tombé dans le piège, tu actives le levier, il y a plein de truies qui sortent des portes, il y en a un qui attrape une truie, il fait, vas-y, elle a accouché il y a quelques jours, elle est pleine de lait, et l'autre joueur, pendant que le premier tient la truie, il va sur les mamelles et il tire sur le sorcier, et le sorcier il fait, ah non, les truies, c'est isolant envers, sur les pouvoirs des sorciers, je ne peux plus les utiliser à cause du lait de truie, ah. C'est exactement ça, putain. Ça. Oh là là. Moi, jamais j'embaucherai Broskib. Bah ouais, pour lire des trucs, c'est chaud. Ouais. Wuhan qui dit ça va pas trop, Jax. Hein. C'est dégoûtant. Mais Okuni, tu ne critiques pas le lait de truie, le lobby du lait. Les produits laitiers de lait de truie sont vos amis pour la vie. Voilà. C'est le plus important. Pas trop en vrai, hein. Vous ne bourrez pas de produits laitiers non plus. Non, les produits laitiers de lait de truie sont les meilleurs pour la vie. C'est garanti. Buvez-en 6 par jour, 6 litres de lait de truie par jour et vous vivrez au moins jusqu'à 30 ans, garanti. Même si vous avez genre le corona. Donc voilà. Il y a du fromage au lait de truie, bah, il paraît. Ben non, on avait regardé que non, du coup, d'ailleurs. C'est... Ah ouais, on avait vérifié, je sais plus. Oui, on avait vérifié, mais je sais plus. Là, okay. Je sais plus rien. Moi. Le fromage de lait de truie sur Google, trois petits points. Je vais regarder. Fromage, lait de truie. Lait de truie. Le fromage lait de truie dispose d'un goût assez proche du lait lui-même. Merci, connard. Techniquement, le lait a le goût de lait, hein, qu'importe. Attendez. Une ferme néerlandaise invente le fromage à base de lait de truie. 2015. Insolite. Le produit est tarifé à 2043 € le kilo. Genre. Mm-mm. What? La ferme s'appelle Piggy's Place. Mais allez. Et comment ça s'appelle tu vois. En fait, apparemment, c'est très dur de traire des truies. C'est pour ça que c'est le point faible des sorciers. C'est parce que c'est compliqué. Mais c'est le point faible de tout le monde. Ah putain, vous me fatiguez tellement. On t'asperge de lait truie chaud. C'est pour ça que moi j'avais aussi proposé de les mettre dans des bouteilles pour les asperger plus facilement. Bah faut demander au laitier de Monsieur Niles. Ouais. Attendez. Susanna Montgomery, comtesse d'Eglinton, 1790-1780, utilisait ce lait, le lait de truie, pour nettoyer son visage tout autant que pour le boire. Elle recommandait cette habitude à ses proches, notamment pour ses vertus supposées sur la conservation de la peau du visage. Je suis désolé, la meuf a vécu 90 ans dans les époques 1690. J'estime qu'elle tient un truc. Enfin, je veux dire, merde, quoi. Le goût du lait de truie est généralement décrit comme faisandé. Oui. Oh là 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 là. Mais attends, et le fromage a un... Sachant que le goût du lait de truie a un goût faisandé, dites-vous que le fromage a un goût assez proche, mais plus intense et concentré. Merci, Doomskidoom. Oh la vache. Les truies sont des animaux ne produisant pas beaucoup de lait. Elles disposent de 8 à 10 petites mamelles, chacune distribuant une petite quantité de lait. En dehors de la période succédant à la mise au monde de ces petits, la truie ne produit généralement pas de lait. De plus, la traite du lait durant la période d'allaitement est compliquée en raison de l'agressivité de la femelle. C'est attends, tu te rends compte que c'est compliqué parce que c'est dangereux. Mais oui, merde, c'est trop bien. D'où le joueur qui la tient pendant que le deuxième joueur récupère le lait. Attends. Ouais. La composition de ce colostrum est comparable à celui de la vache, notamment concernant les protéines, le gras et le lactose. Et du coup, quand tu bois du lait de truie, t'es considéré comme un porcelet. Trop bien. Tu n'as pas de carte au sub pendant les JDR? Ah oui, putain, mais non, en fait, je le fais pas souvent. Pas pendant les JDR. Ah, je le fais Doomski Doom et Bender the Bot. Un écran pété par Eric pour Doomski Doom et Bender. Burrito. Faites péter les burritos. Ou alors, il faudrait qu'il y ait un modo. Enfin, qui joue pas un joueur hein, pour le coup
qui note les resubs. Ouais, c'est vrai. Et à la fin du live, il donne les pseudos pour qu'on tire les cartes. Pour les prochaines fois. Vous pouvez pas faire comme toutes les petites vieilles qui boivent leur urine ? Quoi ? Le lait de truie, what ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oui, l'urinothérapie, bien sûr, quelque chose de bon pour la santé, bah ouais, prouvé par les scientifiques. Oui. Bah d'ailleurs, le lobby de l'urinothérapie m'a contacté et bientôt on fera un live urinothérapie ensemble. Sérieux ? Non. On aura des goodies. Qu'est-ce qu'un goodies de... C'est quoi c'est quoi un des porte-clés, par exemple, il est marqué l'urinothérapie, c'est la vie. Ou, merci, ou des crèmes. Rasse réverseur. Des échantillons de crème avec... C'est bon pour la peau ici, pareil. Live horror show. La cacathérapie. En vrai, le lait de truie, j'aimerais vraiment goûter une fois. Genre, je serais prêt à le faire. En vrai, il y a quelqu'un qui m'en envoie une... Ouais, non, je sais pas. Tant que c'est pas poison. Mais arrête d'utiliser cet express. Ça fait vraiment, c'est poison. Ne mettez pas ça à votre bouche, monseigneur. Oh, ne mange pas ça, c'est poison. Quand j'ai rangé l'appart de ma grand-mère, là... On a trouvé un livre qui s'appelait Cécile la poison. Bah voilà, vous savez tout. C'était marqué au-dessus journal intime. Putain. Petit filtre patate. Ah, les gens demandent le filtre patate. Ah oui. Esgard se donne le sourire. Bon. Attends, je fais un jet de dés pour sa santé mentale. Apparemment, oui. Non, j'ai pas envie de faire le filtre patate, je vais faire un autre filtre. Attends, les gens ont demandé quand même. En plus, c'est Duc Nukepoop qui a quand même 9 mois de sub. Attends. Non, mais. Ah non, 6 mois. Non, il a 8 mois, donc non. Ah, le cornichon. Ah, voilà. Ah, c'est horrible. Ses yeux sont horribles. Voilà. Ah non, elle se déplace et tout. Il y a un côté. On dirait un cornichon dans de la pisse. Enfin, je veux dire, je vois pas ce que c'est d'autre. Je comprends pas ce que c'est d'autre, en fait. Et c'est pas vraiment un cornichon parce qu'il est. Il est trop mou. C'est genre. T'essaies de montrer. Ah, 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 mais pourquoi il y a ça? Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est du vinaigre, du Fanta. Ça se tient. Ah non! Oui! Il est parfait. Ah, il est dégueulasse! Ah! Quand même. Putain, on dirait un gros verre. Ah là là, c'est le verre qui est sorti de la bouche. Ah, c'est ça, ouais. C'est un profond. Ah, voilà. Avec elle... le Willy World 2010. Ah non, putain, elle parle du putain de... Allez, c'est bon, on abandonne. Cécile ne sera plus là en live. Elle tousse, hein. Et en plus, elle tousse avec le corona. C'est certain. C'est chaud. En vrai, elle est fatiguée, elle tousse. De mauvaise humeur. Elle a perdu le drap. En vrai, les mecs, je n'ai pas dormi depuis 3 jours en même temps. Donc, ah, voilà. Regarde, elle n'a plus de nez. Et j'ai des allergies. Faut dormir, hein, madame. On l'a déjà dit. Le pollen, c'est méchant. Ouais, ça te va bien de dire ça, toi. Bah, j'ai dormi, moi, aujourd'hui. Comme 4, moi, j'ai heures, fait une sieste aujourd'hui. Sans problème. Tu fais une bonne nuit de 16 heures. Putain, je pourrais pas. C'est ce qui m'est arrivé, hein, cette nuit. Ouais, bah en même temps, des fois, t'es KO. Hein. Il est vraiment chiant, ce filtre-là. ça vraiment vexé, en vrai. Quel filtre? T'as mis le filtre, là? En vrai, quand on l'a essayé avec Nicolas, incroyable. J'étais vraiment un peu fâché. On a perdu Jax, qui est devenu blanc. Ouais, j'ai ma cam qui a fait un... Oh. Ah, il y a un filtre. Oui. Bon, sur ce, les gens, je vous dis à demain pour un live Resident Evil 3. J'ai hâte de découvrir ça. On fera un jugement de Jax, préparer les clips pour ça. Et on se retrouve demain soir sur. Moi, j'ai dû faire le clip de mon propre live, tellement mes vieux auraient été. On se dit à demain soir, 20h pour Resident Evil. J'ai hâte de voir ce que ça donne, en tout cas. Je pense que ça sera cool. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas que la patate citrouille n'existe pas, c'est dans votre tête. Rassurez-vous, si elle existait en vrai, ça se saurait. Les gens le sauraient. Enfin, ça serait. Non, c'est pas possible. Bonne nuit, les gens. Salut. À bientôt. La prochaine fois. Bisous. Je dis à chaque fois. Ah. Alors.
Zut. Le chat. États-Unis. Une simple agence de détectives va devoir faire face à l'ombre et la peur. Là où ils s'apprêtent à plonger, peu de gens remontent à la surface. Ils n'auront pas trop de leurs compétences d'investigation et de leur bagout. Découvrez cette campagne de jeu de rôle pour l'appel de Cthulhu. Voici Arkham PI. L'enquête sur la patate et ses trouilles ne faisait que commencer.